Yo, 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 comment ça va les gens? Comme d'habitude, salut est-ce qu'on tout nous le entend monde. bien? Est-ce qu'il y a des problèmes de son? Est-ce qu'on nous voit bien? Je vois dans le retour sur mon tel que c'est bon. Est-ce Normalement, que ça j'ai devrait. une voix d'homme? Non, non, je pense que tu dois avoir ta voix. Tu t'es piqué quand? Ce matin ou. Ah, ok. Tous les soirs. Oh merde! Putain, on est en live, excuse-moi. Comment ça Personne va les n'y a gens? cru. Ils y ont tous cru, sache-le, sache-le. Donc aujourd'hui, on est parti pour un kikoucho sur. Attends, avant de commencer, les gars, c'est très important de liker la vidéo et de vous abonner et de partager le live. On vous le répétera jamais assez, donc faites-le. Vous êtes cool. Évidemment, évidemment. Et désolé pour le retard, hein, vous connaissez comme d'habitude. Désolé. Bon, on va faire un C'est dans effort. nos gènes, c'est dans nos gènes, vous ne pouvez pas nous en Qu'est-ce que vouloir. tu as sélu par là? C'est quoi nos gènes? Dis les termes. Non, tranquille, on va essayer d'être à l'heure plus sérieusement. Et donc aujourd'hui, comme je disais, le sujet du live peut être cool, je pense, parce qu'on va commencer à faire des petits versus. Et bah, c'est John justement qui me disait ça tout à l'heure, parce que moi, de base, j'étais parti pour un sujet sur Game of Thrones. On va sûrement le faire dans la semaine ou la semaine prochaine. Et il m'a dit, attends, 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 j'ai vu qu'il y a un truc qui buzz en ce moment, c'est Goku Vegeta contre Marvel. Donc moi j'ai dit pourquoi pas, j'ai commencé à regarder et effectivement ça fait des vues. Ça Effectivement fait ça des fait vues, des vues. hein. Et surtout qu'il y a des gens qui disent pas mal de bêtises. J'ai vu que ça manquait de respect un peu facilement à Dragon Ball. J'ai dit, en tant que représentant d'Akira Toriyama en France, je suis obligé d'intervenir. Voilà. Donc comme vous le savez, hein, le Kiku DB ultime, vous l'avez devant vous. Donc aujourd'hui ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer déjà de poser des bases à peu près sérieuses, on va dire, pour pouvoir débattre de ce sujet-là. Exactement. C'est important de revenir sur le fait ce que je sais, on va se manger. Mais c'est pas comparable, c'est pas du même univers. On s'en bat les couilles, ça. C'est comparable, sache-le, on va C'est comparer. comparable. Sache-le, On c'est va comparable. comparer ça, l'argument de c'est pas les mêmes univers, mais on compare. On va comparer, ça c'est la première des choses. Et ensuite, il faut poser des structures. Parce que sinon, on va partir dans tous les sens. Et les structures essentielles qu'on a besoin de poser pour pouvoir cadrer ce débat, ça va être déjà, est-ce qu'on parle des comics, est-ce qu'on parle des films, on parle de quoi? Ça c'est, je te laisse choisir. Exactement. Pour l'instant, ça, je te laisse On choisir. peut parler de tout. Ok. Donc, à la fois les films et les comics. Si on On parle peut des parler de films, tout. dans les films, ils se font manger. Ils se font Dans les films, il n'y manger a pas de par. débat. Il n'y a Allons pas de sur les comics, débat. il n'y Ouais, a dans pas de les débat films, il n'y a pas de carrément. débat. Dans les films, Son Goku et Vegeta, ils les mangent. Tous les mecs de Marvel, ils les mangent tous dans les films. Krillin les mange tous. Donc, on va parler des comics. Après, moi, déjà, je tiens à le préciser dès maintenant. Comme je l'avais dit dans je sais plus quel live, quand j'étais petit, moi, j'avais pas le bif pour les comics. Ça m'a fait rager, donc je suis jamais vraiment trop entré dedans. Donc, je suis pas un expert comics. Mais comme on est deux, John, il est là. Moi, les comics, moi, de base, je suis plus DC. Je connais mieux l'univers DC que l'univers Marvel. L'univers Marvel, j'ai quelques bases, j'ai lu quelques comics. Je suis pas un mec à fond dedans, mais j'en ai quelques-uns que je trouvais pas mal. Donc, je connais quelques persos, quelques pouvoirs. Après, les comics, comme vous le savez, c'est un univers qui, malheureusement, ou heureusement pour certains, est très large dans le Il y a sens où trop de choses. chacun peut shitter son perso, dire, mais dans cet univers, il a tant de pouvoir parce que mes couilles, je sais pas quoi, lui a donné tel truc. C'est très inégal. Donc déjà, c'est vrai qu'à comparaison, il va falloir préciser lequel à chaque fois. Ouais, Et dans parce quelles que. conditions il a tel pouvoir? Parce que si c'est linéaire pour Dragon Ball, dans les comics et persos, c'est pas forcément le cas. Il y a ça. Il y a aussi le fait que dans les comics, il y a des milliards et des milliards et des milliards de persos. Donc, il faudra pas venir débattre pour tous les persos, etc. Il faudra en choisir parce que sinon, il y en a trop. On va s'y perdre. Et ensuite, le dernier point qui est intéressant, c'est de structuré par rapport au pouvoir. Parce que si vous me dites, mais lui, il a le pouvoir comme il, par exemple, lui, il a le Death Note. Tu vois, c'est plus. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Oui, Tu bah vois? oui, c'est je sais ce que tu veux dire. Ouais. Un peu de sérieux, je veux Oui, dire. il faut que ça reste de la bagarre, à peu près, tu vois. Faut que ça reste de la bagarre, Je peux entendre comme que tu as tu me dit. dis. Je peux entendre que tu me dis, ou qu'un mec dise, un Docteur Strange. Parce que ça reste de la bagarre, même s'il a des pouvoirs, tu vois. Mais si tu commences à me dire, oui, mais Thanos avec son gant, ah, c'est bon, c'est fini, il n'y a pas de débat, tu vois. Il n'y a pas de débat, oui, c'est C'est Thanos ça. avec son gant. Voilà, il Thanos avec son gant, faut. de toute façon, il encule tout l'univers Marvel. Non. C'est simple. Dans la BD, Thanos, quand il a le gant, c'est pas comme dans le truc où faut qu'il serre la main comme ça. Non, non, il suffit de penser et t'es out. Donc non, là, c'est n'importe quoi, tu vois ce que je veux dire? Donc on va garder uniquement pour les comics les pouvoirs qui servent à se battre.
pas les Les pouvoirs. pouvoirs qui servent à se battre et les pouvoirs sans power-up parce que j'ai la pierre ou parce que j'ai tel artefact de mes C'est couilles. ça. Non, non, je vois déjà dans les commentaires, je vois déjà des gens dans les commentaires qui disent c'est de la triche. C'est pas de la triche, sinon ça sert à Non, c'est rien. pas de la Sinon, triche. c'est comme si tu me dis qui gagne entre Sangoku et Light? Ah oui, on peut pas débattre. Tu vois ce que je veux Ah, dire? dessus, Gokugan, parce qu'il est en passe en notre famille. Mais Il y a c'est pas ça sérieux. aussi, c'est un argument, mais c'est pas sérieux. Tu vois ce que je veux dire? Là, C'est c'est pas sérieux. pas. Ah oui, c'est pas sérieux, c'est pas sérieux. Donc, oui. Il y a ça. Et après, je pense qu'on est bon par rapport à tout ce qui est point de structure. Sauf si j'ai oublié un truc. Non, 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 non. À partir de là, après, comme vous le savez, cette vidéo a fait suite à la vidéo notamment de Alkbar, Aldor, Altar, Alcor, je monte sa chaîne vite fait Alcor. ou. Ouais, vite fait ce qu'il a fait. Il Vas-y, a dit vas-y. des bêtises un peu. Je commence à entendre que la femme invisible a regardé Goku. J'ai serré. Je me suis dit, ouais, il prend en couille. C'est de cette vidéo que tout démarre. Tout vient de là. Exactement. Tout vient de là. Tout vient de Donc, là. bon, on lui passe quand même la dédicace, hein, bien vu. Mais voilà, il y a des trucs. J'ai entendu des trucs. J'ai soufflé. J'ai dit, oh Et bien évidemment, comme là là. Et le d'habitude. pire, c'est que j'ai vu des gens après sur Twitter reprendre ses propos pour dire, si, si, la femme invisible, elle encule. J'ai Moi, soufflé. ce que j'ai envie de dire, c'est que, comme on fait avec les intervenants, venez nous prouver qu'on a tort. Alcor, si par hasard tu tombes sur cette vidéo, bien évidemment, tu es le bienvenu pour Ah ben, venir bien sûr, avec avoir plaisir. ton droit de réponse. Nous, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Donc, c'est quand tu veux. Et juste dans les commentaires, j'ai vu quelqu'un qui vient de dire, donc on enlève le super guerrier si on enlève les pouvoirs. Les gens, Non, commencez non, pas ça à n'a rien à forcer. voir. Ça Commencez n'a pas à rien à forcer. voir. Ça n'a rien à voir. Commencez pas à forcer, s'il vous plaît. C'est pas un artefact en plus qui lui donne, Oui. lui permet d'être Super Saiyan, Blue, ce que tu veux. C'est ça. Il est lui-même. D'ailleurs, Alcor est très, est pas malhonnête, mais il a fait exprès de ne pas introduire dedans Dragon Ball Super parce qu'il sait que si on met Dragon Ball Super dedans, il n'y a pas match. Non, non, je crois qu'il a dit que c'est parce que ça pourrait faire une deuxième vidéo ou je sais pas Oui, quoi. mais parce que oui, parce qu'il veut gratter peut-être une autre vidéo, mais si on met les pouvoirs Dragon Ball Super, ils enculent tout le Marvel pratiquement. Donc il est malin là-dessus, il est malin. Ok. Et pour les gens qui disent encore un débat stérile ou je sais pas quoi ou je sais pas quoi, c'est faux. On a simplement dit quoi? Je rappelle encore une fois, par pitié les gens, écoutez s'il vous plaît. Je rappelle encore une fois, pour pouvoir débattre sereinement. On parle des comics, mais comme dans les comics, il y a beaucoup de versions. On précise à chaque fois de quelle version du héros on parle. On n'utilise pas les pouvoirs du style je fais un claquement de doigts à la Grand Thanos, sinon ça ne sert à rien. Bah oui. Et s'il vous plaît, on prend les personnages tels qu'ils sont. On est bon? J'ai rien oublié? Ah, tels qu'ils sont sans de power-up qui vient de je ne sais d'où. À Exactement. part si c'est un power-up qui lui est maintenant propre. Oui, par Parce exemple, que je veux dire. si tu prends par exemple Captain America avec son bouclier ou Thor avec son marteau ou je sais pas quoi, oui, ça Oh, passe. ouais. Ça passe, bah oui. C'est ça qu'on dit. C'est exactement ça qu'on dit. Oui, Thor il compte bien sûr. Qui compte Bien sûr Thor? que Thor y compte. Pourquoi il compterait pas? Donc là on est bon. Non, Et. l'autre, il a dit Xeno. Non, le problème, c'est qu'on parle que de Goku Non, Vegeta dans c'est Dragon Ball Goku et DB. Vegeta. C'est Goku et Contre Vegeta. toute la clique Marvel, c'est que Goku Vegeta. Exactement. Donc je pense qu'on a assez posé le sujet. Donc avant de commencer. Je sais pas si on parle des personnages cosmiques. Le tout-puissant, la mort, tout ça? Non, des personnages cosmiques dans Marvel, là, les êtres célestes et tout. Parce qu'en fait, eux, c'est plus des personnes, en fait, tu veux les comparer, tu dois les comparer à des Xeno, des trucs comme ça, tu Tu vois. vois ce que tu dis là justement? Ça nous permet d'enchaîner avec une petite présentation parce que ce qu'on va faire là, c'est qu'on va regarder les persos de Marvel. Parce que moi, j'ai Vas-y. regardé, comme je vous l'ai dit, je suis pas l'expert numéro 1 de Marvel, On va etc. regarder, voilà. On va regarder si ça peut, enfin, peut nous permettre de savoir si ceux-là, on les compare avec les Goku Vegeta ou eux, c'est autre, faudrait les comparer avec les Xeno, les anges, etc., etc. Exactement. Je vérifie juste Parce si. qu'il Ouais, faut c'est ça. comparer le comparable, comme tu as dit. On va pas comparer des mecs qui sont au niveau Xeno à des mecs qui sont des niveaux moindres. Ça n'a rien à voir, c'est pas sérieux. Je suis d'accord. Et non, ça va pas être une tier list. On va simplement scroll vite fait. Là, j'ai pris le site là qui dit les 25 super-héros les plus forts officiellement classés de Marvel. Après, il y a aussi les 10 personnages les plus puissants de Marvel. On prend d'abord le Oh, les 25, dix, vite fait, et après on prend oh, 10. bon, allez, moi j'aurais pris C'est le vite fait, 10 vite fait. direct. Vas-y. C'est vite fait. Oui, il y a Rajan Fire qui pose une question qui est intéressante et qui dit, je veux venir sur Zoom parce que ça parle de DB, mais je comprends pas trop le débat. Est-ce que c'est du 2 contre 2 ou du 2 contre tous les héros en même temps? Ça, c'est aussi un truc qui est intéressant. Et vas-y, je te laisse enchaîner sur ça. Bah en fait, non, c'est pas vraiment du 2 contre tous les héros en même temps, parce que là, ça n'aurait aucun sens.
Je veux Il y en a dire, trop, il y en a il y trop. en a trop, c'est Il y en n'importe a trop. quoi. Sinon, c'est la sorcière, elle le bloque, machin. Ah, le Docteur bloque, l'autre Strange, il il fait fait ça. Tachi, Le l'autre machin. il le Ouais, tacle, il y en a l'autre il trop. le prend derrière. Il y en a Non, trop. c'est n'importe quoi. Non, c'est vraiment en tête à tête, qui peut tester Goku ou Vegeta. Tu vois ce que je veux dire? Même on C'est fait ça. prendre que Vegeta en vrai, mais voilà, c'est plus C'est ça. ça. Ou sinon, qui est capable, par exemple, d'exploser Vegeta? Tu vois ce que je veux dire? C'est. Exactement, ou voilà. Si peut-être la personne peut exploser Vegeta, mais peut-être pas Goku, parce que Goku est plus fort. Exactement. Donc c'est par rapport à ça. Et donc comme je disais, si on scrolle vite fait hein, dans les persos, d'après le truc là, après toi tu connais plus, donc tu me dis si leur top s'il est merdique. Bah, déjà, Captain 25. Marvel, quand je le vois en 25, j'ai un peu, je America. suis un peu. Captain America. America plutôt, ouais. Black Panther. Black Panther, ouais, il est au-dessus au niveau de son costume, notamment. Carcajou, je connais pas. Carcajou, je connais pas, les gars. Jessica Jessica Jones. Jones. Attends, regarde son pouvoir, c'est Coskull, c'est que des pouvoirs pratiquement psychiques. Et alors? Ça Non, passe, mais hein? pour voir. Non, ça passe, mais pour voir exactement quelles sont ses capacités psychiques. À Jessica Jones, de toute façon, Ouais. tu connais les gens, ils viendront nous le dire dans le Zoom. Vas-y, Vas-y. Ensuite, ok. la bête. La bête à ce niveau-là? Ok, pourquoi pas. Spider-Man, Luke Cage, Spider-Man, Luke Cage, Drax, claqué. Vision, Vision, Crown, claqué. Captain Bretagne, Iron Man. Après, c'est des Mal. traductions bizarres, j'ai l'impression. Ant-Man, ça c'est Ant-Man. Colosse, Captain Marvel, armure, Mort. machin. Là, elle est claquée, ce truc-là. Enfin, c'est C'est pas qu'elle est ta. claquée, Non, je vois ce que tu veux mais dire. C'est une traduction c'est. bizarre, le site. C'est une traduction bizarre. On va en prendre un autre. Ça, c'est un top Voilà, 10. ça, c'est En un top 10. dixième, Là, c'est pas ça. Thanos. Après, Thanos. t'as les Célestes. Force Phoenix. Mais tu vois, en fait, je pense que dès que t'arrives à partir des Célestes, c'est chaud. C'est chaud. À partir des Célestes, c'est n'importe quoi. C'est Parce que chaud. là, t'es dans des mecs qui sont à pouvoir niveau Xeno, tu vois ce que je veux dire? Il les bouffe tous. Hein? Tous ces mecs-là, à partir des Célestes, ils bouffent Vegeta Sangoku. Pour Non, moi, pas c'est. forcément, pas forcément. Regarde ce qu'ils disent. Non, Ah, mais c'est important de regarder arrête. ce qu'ils disent sur leur pouvoir. On va Pas pas tenir forcément. là. T'avais qu'à venir Hein? préparer. T'avais qu'à venir Non, préparer. mais moi je l'ai le truc là, je peux le dire. Hein, T'avais qu'à venir non, parce que préparer. toi, t'as pas lu, t'as juste regardé les images, tu dis il est T'avais ouf, qu'à moi je te venir déclare. préparer. Après ça, le Non, problème de non. ça, c'est qu'il y a aussi. Celui-là, il y a aussi les persos d'ici. Parce que par exemple, Thanos tout seul, tête de Ham, il bouffe pas Vegeta. C'est Thanos des sans ses persos pouvoirs de d'ici. l'infini, il ne bouffe pas Vegeta. Faudra le justifier, ça, mon ami. Hein. Bah, il l'encule tout simplement, hein. Il n'y a pas besoin de justifier. Ça, Parce que faudra Thanos le justifier. sans son gant, il est pas ouf, hein. C'est un mec qui voit Hulk devant lui, il chie un peu dessus. Hein. Ah bon? Bah oui. Tout ce qu'il a, c'est ses rayons avec ses yeux et il tape fort, quoi. Ok, faudra le justifier. Encore une fois, faudra le justifier. Bah, fallait pas besoin de justifier, c'est la réalité. Vas-y, justement. Et je rappelle, les comics sont pris en compte, hein, à Pimille. Justifie-nous alors, pourquoi? Regardez, Thanos reste un puissant méchant. Non, mais Non, ce qui est écrit non. là, c'est plus clair. Moi, je t'ai déjà Justement. expliqué pourquoi. Parce que Non, Thanos, explique-le-là, explique. sans son putain de gant, c'est un mec qui tape fort. Il est intelligent, Thanos, c'est quelqu'un de très intelligent. Il jette des rayons avec ses yeux, si ma mémoire est bonne. Et basta, quoi. Ok, Dire, ok. il est puissant, mais je veux dire, si maintenant sa puissance physique allait au-dessus d'un Super Saiyan, je ne pense pas. Surtout d'un Super Saiyan transformé. Je ne pense absolument pas. Ok. Les gens pourront venir débattre par rapport à ce point, il n'y a pas de souci. Regarde, même sans équipement, Thanos a augmenté son corps à corps physique Envoie pour le lien. devenir plus fort. Envoie Ben, le c'est le lien. lien de tout que je t'ai envoyé. Ah ok, tu lis juste, ok. Et puis, maintenant, son intellect dépasse celui de la majorité, ça que j'ai dit, il est intelligent. Il est également un maître expérimenté du combat au corps à corps, voilà. Sans gants de lait de l'infini, Thanos a vaincu des personnages comme le surfeur d'argent, Galactus. Attends, il a niqué Galactus? Le surfeur d'argent, il est pas censé être du niveau Goku Super Saiyan, je sais pas combien? Ouais, ça, c'est les conneries. Mais Galactus, par contre, là, ça me choque, là. Chronos. Après, le problème, c'est quoi? C'est que dans les comics, il y a la façon dont il nous nique aussi, tu vois? Ah, je Tu souffle là. vois? C'est rarement des tête-à-tête à la DB. Non, mais il faut le savoir. Dans les comics, c'est rarement vraiment des tête-à-tête. C'est Et un peu, des fois, c'est vicieux. alors, il a le droit d'être vicieux. S'il est vicieux contre Goku et Vegeta et qu'il les Ah, mange, mais ça il compte. aura pas le Ça temps. Il aura compte. pas le temps. Goku va Ça l'enculer compte. avant. Ça Goku va compte. l'enculer avant. Donc, bref, pour moi, Thanos, en tout cas, il se fait boire. Ça, je suis formel. Les Célestes, après ça, c'est un autre délire. Les Célestes, c'est des dieux, c'est des créateurs. Les CF peuvent être vaincus par eux, que par eux-mêmes. Bon, à partir de là, la question est très Hulk. Hulk. Hulk quoi? Hulk. Ouais, Hulk, pour moi, il se fait défoncer par Goten, frère. Hulk, il se fait défoncer par Goten.
Ok, même moi C'était qui ai... dur. même moi qui ai pas lu tous les trucs, Bon, j'abuse un peu. là tu dis une dinguerie, là tu dis une dinguerie. T'es Non, sûr j'ai que... déjà. Non, non, là t'abuses. Franchement, t'abuses un peu. Non, là, j'abuse un peu. Là, là J'avoue, j'ai t'abuses abusé un peu. un peu. Non, mais Hulk, il a... Hulk, le problème, c'est qu'il est immortel. Et Si ma alors? mémoire est bonne. Il est immortel. Mais il peut être vaincu. C'est-à-dire, il peut être vaincu, mais il meurt pas. Mais Mais. il a quand même perdu le combat, on s'en fiche, le but c'est pas Oui, qu'il meurt exactement, pas. exactement, Mais par contre, exactement. Hulk, moi de ce que je sais, Hulk, c'est déjà en termes de résistance, en termes de force brute. En plus, c'est Thanos dans les comics, les gens ils disaient dans les commentaires, a peur d'Hulk. Oui, Thanos a peur d'Hulk, oui, il a chaud d'Hulk. En tout cas, moi, je m'en souviens, j'avais lu un comic, il va prendre les trucs, il dit, waouh, vous ne pas, je rencontre tout ça, là, quand je vois, j'entends Thanos, c'est plus fort qu'Hulk, déjà. Après, le problème, c'est là, c'est quel comic t'as lu? Tu vois, moi, j'ai lu un comics où il a chaud de lui, toi, tu me dis, t'as lu un comics où il l'encule. Ça, c'est très compliqué, tu vois. Ok, je l'entends, je l'entends. Mais dans tous les Donc. cas, les gens, ils viendront à chaque fois en précisant leur version. Leur version du comics, etc. Luke s'est fait fumer même par Piccolo, ouais. Thor. Thor, il a un très bon niveau, mais Thor, encore une fois, certes, on va me dire, oui, mais grâce à Mjolnir, il se déplace à la vitesse de la lumière. C'est des trucs qui n'ont pas de sens. Son marteau fait, j'ai vu la vidéo de son marteau fait en 10 secondes Il fait le tout tour de la distance de l'univers, je crois, il a dit. l'univers en 10 secondes. Bon, ça n'a plus aucun sens à partir de là, mais même ça, et alors? Est-ce que quand ça touche un mec comme Goku Vegeta, ça le fait mal? Moi, je rappelle que. Parce que non, mais on Thor, Thor, sous-estime. Thor, Thor, c'est quelqu'un, hein? Oui, mais je rappelle que là, on parle de mecs comme Goku Vegeta qui. D'un caméa ou d'un petit truc, ils explosent des planètes. Et alors? C'est pas le cas de Thor. De aucune BD, machin, Thor, il a le pouvoir d'exploser des planètes. T'es sûr de toi, là? Bah, pas de ce que je connais après, en tout cas. Mais eux, c'est d'un caméa mini comme ça. Moi, j'ai envie de dire. Oublie pas que Thor c'est un dieu. Et? Comment ça est? Ouais, c'est un dieu. Et c'est pas pour autant, c'est pas pour me dire qu'il peut d'un coup comme ça détruire une planète. Ok, je l'entends. Ouais, je l'entends. Le chat viendra pour toi parce que Thor c'est quelqu'un. Attends, il y en a qui disent, bien sûr qu'ici, si, bah, ramenez-moi un comics où Thor explose une planète et comment il explose. Non, les gens vont venir, t'inquiète pas. Faut Les gens vont venir venir. avec vos preuves, faut pas dire si il peut, faut le montrer, ou bien à un moment il dit, ouais, si je veux, je détruis la planète, parce que dans Oh, Dragon je Ball, il n'y a que ça. souffle, oh, je souffle. Les gens qui lui disent Dende, c'est un dieu. Vous avez compris ce que je voulais dire. Oh, c'est le problème du chat, tu vois? C'est ça le problème du Exactement. chat. C'est ça le Ouais, mais ils ont problème du raison. chat. Dende, c'est un dieu, c'est pas pour toi. Ils ont très bien compris ce que je voulais dire. Oh, là là là. Bref. Ensuite, Captain Marvel. Captain Marvel des comics Comics. ou des. Comics. On a dit les Black films, ils se Widow? font manger. Ouais. Captain Marvel des comics, je connais pas du tout. L'autre, il en a parlé dans sa vidéo. Il disait comme quoi, je crois, elle contrôle le feu ou un truc comme ça. Ou... Bref, il en a parlé rapidement de son pouvoir dans la vidéo. Vous allez venir me le dire après plus précisément. Ça avait pas l'air ouf, hein! Ok, Ça bah avait pas j'entends. l'air ouf, hein! Moi, ouais, quand. Il a dit genre, elle a le contrôle des étoiles dans ses mains. Et alors? C'est bien beau de nous dire, oui, elle a la puissance du soleil dans ses mains. Oui, et alors? En combat, ça change quoi? Et je rappelle que la boule de Freezer, là, qui détruit les planètes, c'est l'équivalent d'un mini-soleil aussi, tu vois ce que je veux dire? Et Goku, ça, il l'attaque comme ça, ce truc-là, il le jette. Donc, Okay. pour moi, me dire, ouais, mais le marteau vole en 10 secondes autour de la galaxie, ou tatati, pour moi, c'est pas des arguments pour dire que... Ils enculent en tête à tête des mecs comme Vegeta ou Freezer. Ou Ok, Goku. je l'entends, je l'entends. Je l'entends. De toute façon, encore une fois, le chat, il viendra après pour Là, après, parler, il... toi. après, ouais, bah après, venez. Hein, c'est le but. Iron Man. Ouais, ça, c'est une blague. Iron Man, sans rigoler, Yamcha. Yamcha, il en fait son... sans rigoler. Hein. Yamcha, il en fait son 4 heures. Ça me fume. Ok. Et d'ailleurs, merci Forain pour les 2 balles qui dit Allez, je déballe. kiffe cette chaîne comme la Ligue des Nakama. Bah, c'est Bah, gentil. c'est gentil. D'ailleurs, la Ligue des Nakama, s'ils sont chauds, nous, ce sera Big up avec à eux plaisir de les de recevoir. les avoir parmi nous. Ensuite, si je te prends par exemple un Docteur Strange, ça peut être intéressant ça. Ouais, Doctor Strange, il a des pouvoirs mystiques. Tu vois? Moi, dans les comics que j'ai lus de Doctor Strange, je l'ai jamais vu vraiment se taper en tête à tête comme on l'a pu le voir dans les films. Ok.
Nos deux anciens, je me dis vraiment, en action combat, moi je pense qu'un Goku à Vegeta, il est tellement rapide que le mec il a même pas le temps de faire son gris-gris qu'il est déjà foutu, tu vois. Je vois ce que tu veux dire par rapport à la vitesse, Et mais... même l'autre, quand il en parle dans sa vidéo, il dit, ouais, il permet de booster les énergies des gens. Ouais, mais ça c'est de la merde, en tête à tête, tu vas booster qui? Ok. Donc pour moi, dans les sortants, ça fait me bouffer. Ok. Je l'entends. Ensuite, ouais, mais tous les trucs Spider-Man, etc., ils se font manger, eux. Ils se font manger. Les Spider-Man, les Captain Spider-Man, America, Captain America. les J'ai dit, Black pour les Panther, bouffer, ouais, ils se font manger. les trucs, t'es obligé d'aller chercher des célestes, des. À la rigueur, Galactus, et encore, on peut en parler, Galactus, parce qu'il est très grand, il bouffe des planètes, c'est bien gentil. Mais bon, j'ai vu le comics où il encule Hercule. Mais Hercule, c'est pas Goku, c'est pas Vegeta, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Donc même ça, Galactus, c'est possible qu'il retourne. Un Goku, un Vegeta, c'est possible de re retourner un Galactus. Et tous les Ok. autres, après, ils sont pas sérieux, c'est pas. Ok, je l'entends. Il y a qui d'autre encore? Attends, descends. Toc, toc, toc. 2 secondes, je fais ça en même temps. Il y a qui d'autre intéressant dans Marvel? Hercule? Bah, Hercule, non, il fait rien. C'est les plus connus, hein. Après, les gens, ils vont sortir des Alors, persos. Docteur Manhattan, c'est dans DC Comics, ça, Docteur Manhattan? C'est à moi qui demande ça? Attends. Ouais. Parce qu'il y a un mec qui a dit Docteur Manhattan. Docteur Manhattan, c'est My Moribond, c'est DC Comics, Docteur Manhattan, c'est pas Marvel. Attends, je vais vérifier ça tout de suite. Il y a des gens qui disent oui, c'est dans DC. Après, il y a qui? Il y a Là, on des gens parle que de dans. Marvel, on parle pas de DC. Ouais, Dans là DC, c'est ok. Marvel. Là c'est Marvel. Ouais. Tac 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 tac. Tadabada, tac 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 tac. Ouais, c'est ça. C'est Manhattan, c'est le mec le plus puissant à skip de DC. Ouais, enfin, pas le plus puissant, il est le plus puissant, mais il fait partie. Ouais. À skip. La sorcière rouge. Sorcière rouge, dans les comics, c'est un genre de. Comment il s'appelle? Non! Avec Non. En fait, parce qu'il en parle aussi dans sa vidéo, il parle de la sorcière rouge, de Dr. Xavier, on peut rajouter aussi Légion, tous les mecs qui sont dans le DR psychique, qui contrôlent tout ça, tu vois ce que je veux dire? Ça. Lui, il balait ça comme ça d'un coup en disant, oui, même si les Saiyans arrivent à résister au contrôle psychique, avec eux, ils n'arriveraient pas. Qui te dit que non? Parce que le contrôle psychique, si tu veux, c'est l'équivalent de Babidi qui essaie de contrôler les gens. Ça Qui marche dit pas sur les Saiyans. que oui? Oui, Babidi, qui te dit que c'est... oui? Tu vois? Qui te dit que oui? Bah, Babidi, c'est l'un des plus grands sorciers du truc. Donc qui te dit que oui? Comme qui te dit que non? Et dans Dragon Ball, ce qu'on voit, c'est que Babidi a essayé de contrôler Vegeta, il n'a pas réussi. Donc moi, je pense que tout ce qui est psychique, tout ça, contrôle par la pensée, ça fonctionne pas. En tout cas, le manga nous dit que quelqu'un a essayé, ça n'a pas fonctionné. Et même à l'époque de Dragon Ball, pour ceux qui se rappellent, je crois qu'il y avait un mec qui avait un pouvoir comme ça quand Goku il fait le tournoi avec Mamie Voyante. Si ma mémoire est bonne, il essaie un truc qui est censé être mortel, un truc psychique qui est censé être mortel, et ça fonctionne pas sur Goku. Si ma mémoire est bonne, vous me le direz, mais je crois qu'il y a un truc comme ça. Par rapport au pouvoir, etc., comme il y a Babidi qui a essayé de prendre le truc avec Vegeta, on peut dire que c'est chaud. Tu vois, je l'entends. Ça, je l'entends. Ouais, on peut dire que ça fonctionne pas. Ça, je l'entends. Je l'entends. Après, il y a qui? Apocalypse. Apocalypse, c'est qui ça encore, Apocalypse? Je sais pas. Moi, je lis ce que les gens proposent dans le chat. Putain, faut que je vois sa tête en fait. Tant que j'ai pas sa dégaine, des fois ça Attends, je vais me. chercher. Si t'as sa dégaine, ça va m'aider à me rappeler à quoi il ressemble. Ça me dit un truc. Ah, attends, c'est le dieu égyptien, Apocalypse! Tac, 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 attends. Apocalypse, dieu égyptien. Après, lui, j'ai vu que dans le film, je pourrais pas te dire, mais si on se base sur le mec du film, il s'est retourné par. Ouais. Krennin peut le retourner. Ouais, c'est dans Bordel. X-Men, c'est bon, ça me revient, ça me revient. Oh Eh les gars, bordel. likez, y a pas assez de likes, on veut plus de likes. Ok. Il y a des gens Rowan, qui juste Rowan. disent Sentry. Waouh, je connais pas du tout. Tac, 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 tac. C'est qui ça? Il a l'air déter. Ah, ça me dit un truc, Cara Design. Bah non, ça se voit. Les personnages comme ça, ils peuvent pas les niquer. Ça, c'est les personnages, ils utilisent quoi comme pouvoir? Ça a l'air d'être un Superman de Wish, hein. Je pense que c'est du même Exactement, tu vois. niveau. En plus, t'as des images où il est en train de rouler Hulk. Donc, Votre fameux Hulk invincible qui se fait rouler par un Sentry. d'après les gens du chat, Sentry, c'est le Superman de chez Marvel. Et c'est un Superman, mais en plus fort. Il y a le Superman de chez Marvel, ça a toujours été Thor. Et Thor, il se fait enculer par Superman. Enculé, j'irai pas jusque-là. Il J'irai s'est retourné. vraiment, vraiment pas jusque-là. Non, il y a eu un comics en commun, les anciens connaissent.
Marvel rencontre Superman et truc, Superman le retourne, hein. C'est-à-dire ils ont accepté que Superman retourne et toi. Ah ouais? Oui, les anciens savent de quoi je parle. Ok, je l'entends. Ensuite, on a des gens qui proposent. Déjà, ils disent, il y a des gens qui disent, il y a Gilgamesh qui dit, Sentry maîtrise l'énergie d'un million de soleils, mais encore ça veut rien dire, on s'en fout. Ça veut rien dire, Ça, ça veut c'est ça le rien. problème des Ça veut arguments. Genre, rien. le marteau Non, vole ça en veut 10 rien. secondes, ça veut absolument. En combat, ça donne quoi? Non, ça Est-ce veut que rien dire, ça veut rien Sentry, dire. il fait une boule de feu, la planète elle explose. Tu me dis ça, Ça veut là je rien dire. comprends. L'équivalent, mais un million de soleils, ça veut rien dire. Il y a des gens qui disent Odin. Odin, le père de Thor. Ouais. Ça, c'est un autre. Mais t'as pas besoin de que je te montre une image d'Odin, putain, tu sais, c'est Non, qui non, non, Odin? je vois c'est qui, mais Odin. En fait, faudrait me dire exactement. En fait, faut que les gens viennent vraiment nous dire c'est quoi leur capacité exacte pour qu'on puisse mesurer. Parce que s'ils sont dans Dragon Ball, je connais par cœur. Dans les Marvel, tu vois, c'est encore une fois, c'est un comic. Soit en fait, dans un comic, ça fait ça, 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 ça. Dans un autre, tac, tac, tac. Que moi, j'avais un dictionnaire des personnages Marvel avec toute leur puissance, qu'ils étaient capables de faire, leur capacité, etc. Et c'est un peu comme dans la vidéo d'Albar, je sais plus quoi. C'est-à-dire, il disait souvent, force. Ça équivaut à 6 sur 10, ta 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 ta. Tu vois ce que je veux dire? Donc ça nous donnait une échelle de qui avait plus de force, qui était plus chaud dans le psychique, etc. Mais ça ne nous disait pas, en cas réel, qui pouvait forcément enculer l'autre, à part si c'est du corps à corps, parce que ça dépend de la spécialité de chacun, tu vois ce que je veux dire? C'est pour ça que ça reste très difficilement jaugeable, la vraie puissance, en termes en tête-tête, d'un personnage de comics. Ok. Bah tu sais ce que je propose de faire directement, c'est qu'au lieu de regarder les personnages par rapport à ce que les gens disent en commentaire, comme des gens ont recommandé là dans le chat, c'est de directement commencer à prendre les gens sur Zoom. Comme ça, la Exactement. personne sur Zoom qui veut dire ce personnage-là, il explose Goku et Vegeta, elle pourra nous dire ce personnage, il fait ci, il fait ça, etc. Ça te va? Exactement. Mais parlez d'actions concrètes, parlez pas de 1 million de soleils ou le marteau en 10 secondes, il a fait le tour de la galaxie. Ton marteau peut faire le tour de la galaxie en 10 secondes, ça tombe sur le PK Goku, ça retombe. Tu vois ce que je veux dire? Sur C'est ça le qu'il faut se PEC, dire. j'irai pas jusque-là quand même. Ah, bref, tu as compris. J'irai pas jusque-là. Donc, ce qu'on va faire, c'est que pour que ça soit plus simple pour tout le monde et aussi pour qu'on puisse directement avoir le retour des personnes qui viennent défendre entre guillemets leur personnage, on va commencer à prendre les gens sur Zoom à partir de maintenant et on va commencer avec les gens qui sont membres. Et si je regarde ma liste, tac tac tac, Logan, est-ce qu'il est membre? Il me dit un Non. truc, Logan. Non. Admin. C'est qui, Admin? Non, Admin, il est Admin, attends, parti. admin, je crois qu'il est membre. Laisse-moi vérifier tout de suite. Ça me dit un truc aussi. Zod. Zod, 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 Zod. Attends, Tac, la tac, liste tac, tac, derrière. tac, tac, Je sais pas tac. pourquoi admin, ça me parle. Je vois pas de Zod. Dia. Tac, 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 tac. Bah, je sais pas. De toute façon, on va regarder. Donc, pour l'instant, je vais prendre Dia. Je vais prendre Dia. Non, admin, il est pas dedans, non. Dia, allô, allô? Allô les gars, vous m'entendez? On t'entend parfaitement, Très comment ça bien. va? Ça va et vous? Super. Ça va super, hein. Avant de commencer, tu peux d'abord nous donner ta génération et ensuite nous dire. Ah, vas-y. Génération 2001. Ok. Et pour moi, le héros qui nique Goku et Vegeta, c'est Hulk. Ok. Hulk, parce qu'en fait, ce héros, en fait, il n'a pas de limite au niveau de sa force. En fait, c'est simple, plus tu l'énerves, plus il est fort. Et il est quasiment, enfin, il est immortel. Et il est indestructible. Donc juste pour ça, je dirais que Hulk Non, me... attends, t'es en train de dire que Hulk s'est jamais fait lever par un personnage de DC, de Marvel? C'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit que Hulk, théoriquement, en fait, sa force, elle n'a pas de limite. Je sais Oui, pas si... Non, théoriquement. mais théoriquement, on peut Bah, tout supposer. Mais Hulk peut se faire enculer. Comment ça s'appelle? World War Hulk. Enfin, même dans Civil War, Hulk, il gagne tous les héros. Quand Hulk, il est en mode vénère, et le mec, il est quasiment invincible. Et Oui. je sais pas si vous avez vu Dragon Ball, comment ça s'appelle ça? La série Dragon Ball Multivers, je sais pas quoi là. Ouais, Où j'ai c'est vu, un j'ai vu. tournoi, voilà, tu vois Ouais, j'ai ça. vu, non. Tu vois comment il présentait Broly? Bah, ça fait le Ouais. même délire. En mode Broly, plus le temps passe, etc. Hulk, c'est le même délire. Broly Mais qu'à quand il est la en fin, mode il se fait quand même rouler, hein. comment ça s'appelle? Non, mais World tu... Breaker? Il est invincible. Hulk est invincible. Hulk n'est pas... Oui, Hulk est immortel, En moi, mode je veux bien. World Breaker, il est Mais... invincible. Ça veut pas dire qu'il peut pas perdre le combat. Il peut ne Surtout pas que là, réussir à le tuer, mais ça veut pas dire qu'il il peut peut ne pas pas mourir. réussir à le tuer, mais... En mode World Breaker, je crois qu'il n'y a que Sentry qui a réussi à rivaliser avec... En Qui a plus... réussi à rivaliser avec Il y a Hulk. un argument là qui est sorti. Y a Raj qui a dit, c'est ça que t'allais dire? Y a Raj qui a Ouais. dit, les Saiyans non plus n'ont pas de limite, car
quand ils frôlent la mort, ils deviennent plus forts. C'est vrai. Non, voilà, c'est pas pareil. C'est pareil. Si, c'est pareil. Faut bien ton argument. Je peux te défendre pourquoi. Parce que, imaginons, les sont en train de se péter, etc. Les Saiyans, il faut qu'ils soient en position PLS aux limites de la mort. C'est pas directement le mec qui se régénère, après il va se relever. Non, il faut quand même le mec qui récupère, etc. Quand tu non, mais... c'est pas non, mais. Non, mais. Ouais, il a raison. Mais ce qu'il c'est dit, c'est faux. Parce que Hulk s'est déjà fait lever dans les comics. Hulk, c'est sur le moment. Hulk c'est sur le moment. Hulk s'est déjà fait lever dans les comics. Hulk, non, mais si on part du principe. Oui ou non? Hulk s'est déjà fait lever dans les comics, pas, oui ou non? J'ai pas dit non, John, j'ai pas dit non. Oui, donc déjà ton argument. Il s'est fait lever par qui? Bah, il a dû se faire lever par beaucoup de gens. Mais Hulk. Wolverine. Stop, attends. Wolverine, il a jamais soulevé Hulk. Ils font match nul à chaque fois, les deux. Attends. Dia. Hulk a perdu contre qui, par exemple? Ah, comme ça, je sais pas. Parce que tu sais, c'est quoi le problème? C'est que, tu vois, moi, j'ai lu des comics. Non, mais attends. Quand on va se faire, c'est des mettre dans la sauce. Moi, j'ai lu des comics, mais comme a dit John, tu sais, moi, j'avais les trucs, là. Les gens, ils sont déter pour dire que si, Hulk, il a perdu contre Wolverine, hein. Oui, c'est... ah, il a perdu, je me disais bien que... Non, mais après je dirais que... Voilà, merci. Mais si on parle de... non, mais attends, je me disais bien que j'avais vu un truc comme ça. Si on parle de Hulk version Wall Breaker, Wolverine dans tous les sens, hein. Hey, tous les Wolverine dans ça s'arrête ta version Wolverine, ta version Wolverine. Il y a un comics où on a vu Hulk se faire enculer par Wolverine. Désolé, Wolverine. Au revoir, merci. Qui met Hulk de la planète Hulk, mode Wolverine. Non. Faut pas aller dans le mode Wolverine. On a un Hulk. Pourquoi Attends, je veux dire pourquoi. Laisse-moi, je vais vous expliquer. Il a le droit de dire quelle version de Hulk il veut défendre. Non. On va prendre une version de Hulk où ils sont enculés par Wolverine. Parce qu'après, c'est trop facile de dire. Non, mais dans la version, c'est pas oui. C'est Hulk dans tous les cas. Vous n'avez qu'à pas le faire niquer. Ça, c'est la faute à l'auteur. Là, c'est pas bon. Là, c'est pas bon parce que si tu fais ça, dès que quelqu'un va arriver pour te dire un perso, tu vas dire « Mais dans cette version, il y a ça !» Ouais, bah oui. C'est le même personnage. C'est censé être le même personnage. C'est pas de ma faute. Qu'est-ce qu'on a dit au début? On a dit que la personne qui vient, elle a le droit de choisir la version qu'elle défend. Oui, mais après, ils ont des versions super cheatées. Finalement, c'est pas une bonne idée. C'est le Hulk de la Terre 616. Hein. Tu vois. Bah après, c'est trop facile. Tu peux pas changer l'argument parce que là, tu vois que ça joue contre toi. Ça marche pas. Wolverine a enculé Hulk, tout ce que j'ai à dire. Ce qu'on peut faire pour essayer de rester raisonnable, c'est quoi? C'est que pour essayer de rester raisonnable et pour que ça, entre guillemets, ne soit pas trop cheaté, on peut faire une moyenne, on va dire. Donc, d'un côté, t'as un Hulk qui s'est fait avoir par Wolverine. Attends, Kiko, je peux dire un truc? Vas-y. Dans ce cas-là, on peut dire quoi? Parce que là, on peut dire que Kukui s'est fini que Paradix. Tu vois? Par qui? On peut dire que Kukui s'est fini que Paradix. Dans ce cas-là, tu peux faire... Mais attends, non, parce que là, ce que tu dis, c'est pas bon. Pourquoi? Parce que oui, à ce moment-là, il a perdu, mais... La différence entre les comics et Dragon Ball Z, c'est que Dragon Ball Z, ça évolue, les comics, c'est linéaire. Donc, quand t'as ton comics, le personnage, il a son niveau de puissance, il bouge pas. Exactement. Ça évolue. Donc, cet argument, il est pas bon. Mais tu vois, c'est justement là où je te dis que c'est pas vrai. La version Hulk de World War Hulk, le Hulk, il est pas pareil. Si tu prends le Hulk avant qu'on la voit sur la planète, quelle planète déjà? Shakar, je crois, j'ai oublié, Shakar, quand on la voit... Quand elle est en mode guerrier, etc., et quand sa femme meurt, etc., le mec est beaucoup plus puissant qu'avant ses départs de la Terre, tu vois. Okay. Donc, tu vois, même dans ce sens-là, ça revient au même truc. Mais Kiko, juste regarde, parce que John, t'as dit des dingueries, hein. Quand t'as dit se médiquer par Yamcha, t'as dit des dingueries, là, par contre. Qui est... Oublie Yamcha. Wolverine, je suis désolé, Wolverine, nique Hulk. Wolverine nique pas World War Hulk. T'es obligé de préciser. Ouais, mais World War Hulk. Il a le droit. C'est World Breaker là? Ouais, World Breaker, tu vas voir. C'est celui qui se péta contre Saint-Cré. Hulk qui se fait péter par la chose, tête d'homme, la chose, il roule. Ah là, c'est beau. Hulk, il y a trop de mecs qui l'ont enculé en fait pour que ce soit fait. Mais de toute façon, comme j'ai dit, en fait, moi, le truc, c'est que tu vois que moi, c'était comme John. Moi, j'avais un comics de Hulk. Non, j'en ai eu deux. Et après, j'avais, tu sais, des trucs là, avec les figurines où il y a tous les trucs des personnages, etc. Moi, j'avais ça, tu vois. Donc, j'ai pas lu Flop de comics, après, je me suis renseigné, etc. Mais j'ai beaucoup plus regardé les films d'animation, etc. Et après, les vidéos d'accord, etc. pour le Hulk. Mais non, Hulk, il soulève Hulk. Parce que techniquement, Hulk, si tu veux, en termes de puissance, il a une puissance, on va dire, de niveau infini. Tu peux pas la quantifier. C'est-à-dire, t'as le Hulk de base. Mais les Saiyans aussi, ils sont niveau infini. Tu sais, notre puissance, non, t'as pas de limite. Vraiment, parce que tu vois, par exemple, je sais pas, tu vas dire. Non, on connaît leur transformation. Dire, Hulk, on connaît pas. On n'est pas quoi. T'as le Hulk, on va dire, tu vois, basique.
on connaît pas, on ne sait pas jusqu'où va la force. Va la force d'Hulk, parce que par exemple, techniquement, l'abomination, il est plus fort que Hulk. Ouais. Quand Hulk il se met en mode vénère, Hulk il le soulève. Tu vois, Hulk il le soulève. Et Hulk en mode vénère, et il a niqué quasiment tous les héros de l'univers Marvel. Tous les héros. Qui? Tu vois. Est-ce qu'il a niqué Wolverine? Wolverine l'a niqué? Il a niqué Fléau. Il a niqué quoi? Est-ce qu'il y avait des... Je crois qu'il y avait l'X-Men aussi. Hein. Je crois qu'il a soulevé l'X-Men. Wolverine l'a levé. Ça me fume. Donc, Ça me fume. non, non, non. Après, il y a des gens, ils vont parler de Sentry. Sentry, je vois à peu près c'est quoi le délire du personnage. Après, je ne connais pas, je D'après connais les pas gens, assez. d'après Alia là sur le chat, Hulk il se fait péter la gueule par l'abomination. Et les gens Ouais, ils d'accord. disent C'est... Ouais, non, ok, Colossus d'accord. il soulève Hulk. Mais ils disent des dingueries, non. Mais non, mais ils disent des dingueries. Juggernaut soulève Hulk, les gens ils ont pas l'air N'importe d'accord avec quoi. toi. Hein. N'importe La quoi. chose Non. prend Hulk, les gens ils ont pas l'air d'accord avec toi. Ah oui. N'importe quoi. Non, mais ils disent des dingueries. Non, mais là, ils disent des dingueries. Ils disent des dingueries. Après, Jackarnot, il est chaud. Il y a Après, aussi j'ai dit Fléau, mais Jackarnot, il est très, très, très y chaud. a aussi NX Shot qui dit Hulk, si tu le déglingues avant qu'il ait le temps de s'énerver machin, il n'y a plus de Hulk, c'est fini. Il n'y a plus de Hulk. Voilà, c'est vrai ça. D'ailleurs, si tu le mets finito avant qu'il t'attaque. Si je l'ai mis ici. C'est bon. Ouais, c'est bon, je l'ai mis ici. Et on sait que les Saiyans, ils ont la capacité de t'enculer avant même que t'aies le temps de dire « Je suis énervé À ce niveau-là, tu peux dire ça pareil pour tout. En vrai, ça, je sais pas. Non, mais connaissant Goku et Vegeta, non. Il est trop le mec Ouais, plein de qui vénère. puissance et ils vont l'enculer Ouais, avant, ouais, plein de ouais, puissance. Ouais, t'as raison. Non, non, Vegeta, Allez, s'il te il plaît, va faire une selle. Il va lui dire, sois plus puissant. Après, il va se faire rouler, ce con de Bon, Vegeta. moi, je vais mettre fin au débat comme ça. Ok, on va prendre ton Hulk plus puissant là, World, ce que tu veux, l'enquête tous les héros de Marvel, lol. Il est énervé. Ah, je suis énervé, là, je mets des coups de poing. Est-ce que son poing, il explose des planètes? Je pense que son poing, je pense qu'il est J'ai capable de pas dit ce détruire que son tu poing. penses. Est-ce que dans Non, non, l'enfer, non, le non, non, fait? non, non, il est capable de détruire les Non, poings. non, Il non. est capable Est-ce de qu'il l'a détruire fait? les Est-ce poings. qu'il l'a Si, fait? parce Est-ce que qu'il l'a fait? franchement, Est-ce qu'il l'a fait? Ou il a quand dit Goku qu'il il se pouvait battait, faire? je crois que quand il se battait, bah, à ce niveau-là, on peut dire la même chose. On peut dire Goku et Vegeta, est-ce que c'est capable de détruire son planète? On l'a Oui, pas vu. ils l'ont dit. Pourquoi Qu'est-ce que tu tu l'as vu? racontes? Ils Parce le qu'on disent l'a dit encore. contre Beerus. Ils le On l'a dit disent, contre si je Beerus, mets je mon crois. caméa, avec mon caméa, je détruis ta planète. On l'a dit quoi? On l'a dit contre Beerus, je crois qu'il allait. Quoi? Hulk a détruit Hey, la il le planète, je faisait à crois qu'il. l'époque Kaioken. Son caméra pouvait détruire une planète à l'époque du Non, Kaioken. est-ce qu'on te l'a dit? Oui, dans le manga, ils le disent. Faut être assez clair. Ils le disent à l'arc Cell, à l'arc Saiyan, ils le Ah, le disent. bâtard. Ouais, non, ils le disent, ils le disent. Non, mais ça, non, mais non, ça, non, je suis d'accord, ils le disent même contre Beerus que quand il se pétait, il aurait pu détruire. Ouais, Il aurait pu mais détruire. même avant Beerus, c'est-à-dire leur niveau même d'époque, Oui, ils le mais disent. ouais, je pense que j'avais ce souvenir-là aussi, le truc. Mais quand il se pétait contre Sentry, ils auraient pu aussi détruire la planète Terre. Tu Ils vois. auraient pu, ouais, mais est-ce qu'ils le Non, disent c'est qu'on la même aurait. chose. Non, mais Non, c'est la même mais. chose. Non, c'est pas. Ils auraient pu. Là, c'est toi qui interprètes. Moi, je te dis ce Non, qu'il non, dit non, dans le non, non. manga. Dans le truc, de mémoire, faudrait retrouver la page. Ils auraient pu détruire la planète Terre quand ils se pétaient Non, contre un. Et après, ils reviennent sous forme humaine. c'est toi qui le dis. Non, Et même, allez, admettons, ton Hulk, il est super énervé. Il a des points du feu. Tu mets un Goku Ultra Instinct qui esquive tous ses coups comme ça. Il fait quoi, Hulk? on a mis Goku Ultra Instinct aussi? On a dit Goku à son max. Goku, Nous, bah on n'est oui. pas Alpha. Hein, voyez. Ultra Instinct, Non, non, mais Hulk, il le touche pas. il avait Hulk, il le touche justifié, il pas. avait justifié. Il avait justifié, il avait justifié. Il Il avait justifie dit, quoi? il a justifié ça, il a dit justement parce que la version papier, la version animale, c'est pas pareil au niveau de la Si, si, puissance. C'est pour ça c'est que t'as pareil, pas c'est mis. pareil, c'est pareil. Moi j'ai lu Non, un parce truc, que Ultra t'as Instinct, ça différentes touche formes de pas. blue, t'as le Kaioken blue qui n'existe pas Non, dans non, le. non, ça on s'en fiche, je sais pas parler de Blue, moi je te parle de l'Ultra Instinct. Ultra Instinct, il t'encule ton Hulk Goku, tu le sais très bien. Ce qui s'est Non. passé, ce qu'il s'est passé, Dia, c'est que j'ai fait un Dinguerie dans truc les bonnes chats. simple. On a entendu tes arguments, on a entendu les arguments de John. J'ai fait un débat, j'ai fait un sondage Un plutôt, sondage, les gens vont dans le voter. chat. On va laisser 30 secondes, 1 minute, pendant que toi tu fais ta conclusion. Et ensuite, on aura la réponse pour Hulk Goku par rapport à l'avis global du chat. Donc le chat, vous avez 1 minute. Et pendant ce temps-là, Dia, on te laisse faire ta conclusion. Non, pour conclure, non, non, je pense que Hulk en forme, comme je disais, World Breaker, je pense pas qu'il est poutre, je pense pas qu'il est Hulk poutre qui... de ouf. Attends, là je te parle Goku Ultra Instinct. Je pense pas qu'il le poutre de ouf. Moi, je pense pas qu'il le poutre de ouf. Ok. C'est Qui ça le trouve qui. pas de ouf? Non, je Non. pense qu'il y a quasiment match entre les deux. Je t'assure, je pense qu'il y a quasiment match entre les deux. Ok. Ultra Instinct! Ok. Même voir Hulk au-dessus, parce que quand il a. Oh! Donc. Le public jugera. Le public jugera. Parce que moi, Là. franchement, là, t'as mis Goku, j'aurais mis Vegeta face à Hulk. Et même Vegeta l'aurait enculé pour moi. Je te dis, j'aurais mis que Vegeta et pour Non, moi, non, Vegeta je suis l'enculé. pas d'accord. Je suis pas Tout ce d'accord. que. On a entendu ce que tu as dit, on a entendu ton avis d'IA. Tu es venu défendre Hulk, Worldbreaker, il n'y a pas de souci. Pour faire, moi, comme je suis neutre un petit peu, je fais l'arbitre, pour faire une petite conclusion de ce qui a été dit.
Il y a eu beaucoup de personnes dans le chat qui ont été contre toi sur certains points par rapport aux personnages que tu évoquais. On l'entend, on l'entend. Je dis pas qu'ils ont raison, qu'ils ont tort. Je dis simplement ce qui s'est passé. Je suis vraiment extérieur à tout ça, moi. Quand il a fallu justifier certaines choses, tu as bégayé un petit peu, tu as dû sortir une version Worldbreaker, machin. On l'entend. Je dis pas que c'est bien ou c'est mal, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Et d'après les résultats du sondage auquel je mets fin Avec tout de beaucoup, c'est suite, sûr. d'après les résultats que je mets fin au sondage tout de suite, ici on est en démocratie. C'est la On fait démocratie. des C'est sondages. très bien, les gens, ils On vont fait des pouvoir privilégier les sondages. mangas. C'est très bien, les gens vont Non, pouvoir non, les non, mangas. non, non. Sur 155 votes, 78% a dit Goku. Donc Ben, les gens, ils... Dia, c'est pas moi. Dia, c'est pas moi. C'est Dia, pas moi. Dia, Attends, c'était formel, c'est c'était pas à formel. moi. Dia, c'était pas à moi. Vas-y. Juste un truc. Wallbreaker, ça veut dire quoi? Ça veut dire En qu'il gros, détruit comment des mondes. c'est... Ça veut Ça veut dire qu'il dire détruit détruit des des mondes. mondes. Destructeur de Voilà. mondes. On est d'accord? Voilà. Ouais, De voilà. Dragon Mais Ball. De est-ce qu'il Dragon a Ball. détruit tes putains de mondes? Voilà. Ça, Hey putain, John, si de son nom, c'est Dragon ça, c'est Ball. quoi? De Dragon Ball, je peux pas me dire que les Goku et les Vegeta, s'ils veulent, ils peuvent pas. Freezer, il pourrait détruire pas des dit ça. planètes. Non, j'ai pas La dit tête ça, de bien homme. sûr. J'ai pas dit Non ça, mais bien sûr. tu Si donnes Goku prend quoi? l'argument, tu donnes l'argument. Il s'appelle Worldbreaker. Et Je suis non, non, désolé, non. mais Ça, c'est Freezer ta aussi, il réponse. détruit des mondes. C'est C'est ta vrai. réponse au ce qu'a dit John. C'est ta réponse au ce qu'a dit John sur le Voilà, fait que tu peux Dia. pas détruire des mondes. Il n'y a pas de Non, mais ils souci. le font tous. Krillin peut détruire des mondes dans Dragon Ball, c'est ça le problème. Oh, Oh, bon, toi, je tu suis pas sûr. forces, toi, tu forces. Ouais, je suis pas Hein? sûr. Non, là, tu forces, là, tu forces, Krillin, là, tu il forces. fait un bon Kamehameha, il Stop, peut détruire stop, une stop, planète. stop, stop. Papa en couille, papa en couille. Dia, tu reviens quand tu veux. Et on se dit Vas-y, à dis la dernier prochaine. mot. Allez, Dernier mot. à plus, vas-y, Dia. mot de la fin, mot de la fin. Regardez Ben 10, la propagande Oh du. putain, Ah c'est putain. Gold. Eh, barre-toi. Ah putain, Salut. allez. Faudrait vraiment que tu sois gold Tu pour que je regarde ce truc-là. reviens quand tu veux, mais sans Ben 10. À la Bien joué. prochaine. À plus. Victoire, victoire pour DB, les gars. Pour Je vous ai dit l'instant, que j'allais vous représenter aujourd'hui. Hulk, c'est pas passé. Malgré les arguments fallacieux d'un Hulk qui s'est retourné par Wolverine, Pour il m'a fait douter, l'instant, j'étais plus sûr. Hulk, c'est pas passé. Donc, je rappelle, au cas où des gens viennent de venir, etc. D'ailleurs, Tito, merci pour les 5 balles, qui dit les Kikoa de Broly détruisent les planètes et Goku s'en Goku, prend plus d'un. plus d'un. Non, c'est Merci. vrai, si, c'est vrai, C'est c'est vrai. vrai. Il y a le même niveau de puissance par rapport à ça. Et salut BG Nocturne qui vient d'arriver. Donc, pour rappeler, s'il y a des gens qui viennent d'arriver, quand vous venez sur Zoom, vous donnez un personnage, vous nous dites quelle version, vous donnez vos arguments, Johnny donne ses arguments, ensuite le chat juge. Je rappelle, Exactement. on ne veut pas de personnages qui ont des pouvoirs, je claque des doigts et tout le monde est mort, etc. Ça ne sert à rien si on n'y a pas Ça de sert vie. à rien, ça. Si tu me ramènes un mec qui a le gant de l'affinité, ou même les êtres cosmiques, dans ce cas-là, on compare avec Zeno. Si tu me ramènes, oui, Exactement. le tout-puissant, il est omniscient, et ouais, dans ce cas, on prend Zeno. C'est ce que je veux dire. Ouais. C'est ça. Il y a Kuroki qui demande est-ce qu'on compte les films DBZ, or DBZ, Super Broly, machin, etc. Ça compte, Bah, hein. dans les films, de toute façon, ça compte parce que c'est leur puissance Ça globale, compte, en hein. tous les Ça cas. compte, ça compte, ça compte. Les films, ça compte. T'as Ça pas vu, il y a combien de compte. versions des comics? Il t'est La tête de arrivé, homme. d'IA, il a dit pas ce Pas Hulk, le parce Worldbreaker! que. Pas le Hulk Bien qui sûr que ça perd compte. contre Wolverine et ses Ah, de petites ouf. griffes. Non, si, Il ça a compte, dit. ça compte. Non, ça compte, bien évidemment. Sinon, c'est pas du jeu. Ça compte, ça compte. Et pour Thomas S qui dit, vous lisez pas les comics, les gars, comment le débat peut être objectif et équilibré? C'est simple, le débat il est Bah, viens! objectif et équilibré pour la simple et bonne raison que quand tu viens pour parler d'un personnage, tu dis, il peut faire ci, voilà son palmarès, il a fait ça. T'inquiète pas que dans le chat, les gens ils vont dire, c'est vrai, c'est faux. Nous, on peut vérifier sur Internet et on enchaîne. Pas de Exactement. souci. Donc nous, on va Et vous enchaîner. lisez pas des comics? J'ai lu des comics, mais j'ai pas lu tous les comics de Ouais, la c'est Terre ça. parce que Il en a lu. Il en a lu. j'ai C'est pas que juste ça qu'il à n'a pas faire. lu Tu tous vois les ce que je veux dire? comics. Mais, rien que l'exemple de Dia, il y a plein de versions de Hulk, machin. Il y a plein de versions Ça, de c'est. Hulk. Par Ouais, exemple, genre, j'aime plus me les taper. John, il a dit directement, il a perdu contre Wolverine parce qu'il a lu cette version-là. Mais Dia, il a dit, mais il y a une version Worldbreaker qui fait que. Bon, si on n'a pas lu tous les comics, c'est pas. On dirait faut tout lire. C'est ça le problème avec les fans de comics. On dirait faut tout lire pour eux. Ah, je sais pas que ça à faire, je vous dis la vérité. Mais bref, nous on va enchaîner avec Colonel qui est membre Gold, puis après ce sera Zod, etc. etc. Et Donc, on n'a même pas, bon bref, on n'a même non, pas stop, compté stop, stop avec GT. Hulk, stop avec Hulk, stop avec Vas-y. Hulk. Et nous on enchaîne avec Colonel. Colonel, allô, allô. Bon, allô. Comment ça va? Comment ça va? Ça va bien, vous, les gars? Super Ouais, et ça va toi? super, hein. Avant de Par contre, commencer. les gars, j'ai juste une question. J'ai juste une question. Moi, j'arrive pas à pour me réabonner, j'arrive pas à me réabonner. Est-ce que si je gâche 50 balles en don, c'est bon ou pas? Tu peux, mais en fait, ce qui se passe, c'est que quand tu es abonné, ça te dit pas tu dois repayer tous les mois. Tous les mois, ça va prélever directement. Je sais pas comment tu t'es abonné. D'accord. Si tu veux envoyer 50 balles, envoie 50 balles, il n'y a pas de souci. Non, Mais ça, c'est autre chose. Ça, c'est encore autre chose. et on n'a Non, pas oublié Power. Power, on va le faire. Hein. oui, on n'a pas Non, oublié t'inquiète, y a Power. pas de problème, y a pas de problème. Voilà. Y a pas de souci. Ok. Bon, moi, Donc, on va génération commencer. 98. Ouais, et vas-y, on t'écoute. Génération 80.
Alors, moi vraiment, hey, pour moi, il n'y a aucun super-héros. Il n'y a aucun super-héros. Moi, je me justifie, je suis grave du côté de John. Et tous ceux qui sont en train de dire il y a des super-héros, si on aurait pris DC Comics, j'aurais pu à la rigueur être Pareil. allé, pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais les Pareil. gars, hey, moi, depuis tout à l'heure, j'ai lu le chat, j'ai en face de moi. Les gars, vous vous êtes trompés de rêve. Hey, moi, je vous dis juste, sincèrement, je dis sincèrement, j'enlève tous les fillers, les DBS, les films. Sangoku, juste Super Saiyan 2, ils occupent tout le monde. Faut être clair et Merci. net. Juste Super Saiyan 2, j'ai même pas dit Super Merci. Saiyan 3, juste Super Saiyan 2, ils occupent tout le monde. Merci. Ça pour moi, faut être clair. L'intervenant juste avant, il nous a parlé de Hulk, de je sais pas quoi, Hulk immortel, je sais pas quoi. Est-ce que si on prend en considération, Goku, ça va vite le saouler, il va sortir un Genki Gamma, c'est réglé, hein. Hulk, il est KO. Donc, pour moi, ça faut être honnête. Non, Pour moi, faut être honnête et surtout l'immortalité. Je rappelle que Boubou est immortel aussi. Il se mange des couilles, il se Non, régénère. mais l'immortalité, ça compte pas. Parce que c'est pas parce que t'es immortel que Que tu veux c'est pas bon, être tu vas battu. perdre. Oui, non, non. Faut Exactement. dire, par Regarde dans exemple, Naruto, le c'est mec, il ça. est immortel. Il Il est se rend enculé quand immortel, même. Shikamaru, il l'a mis dans un trou et basta. Voilà, exactement. Ça, c'est pas un argument pour dire il encule l'immortalité. Ça veut rien dire. Donc ça, Donc, on l'entend. moi j'étais juste venu pour dire ça rapidement. Non, Hey, mais le t'as débat, raison, là, colonel. il a même pas lieu d'être. Parce que hey, pour moi, juste entendre de il y a des héros Marvel qui peuvent battre Sangoku, Vegeta. Et encore, je dis même pas Sangoku et Vegeta réunis, je parle juste de Goku. Allez, on met Goku de côté. Vegeta, Super Saiyan. Ah, ils enculent tout le monde. Moi je suis d'accord avec toi parce qu'en fait le problème des arguments des pro-Marvel et c'est le problème de la vidéo d'Alban, c'est que pour justifier qu'il encule, il dit oui, il envoie un marteau en 10 secondes le tour de la galaxie. Et alors? Je veux dire, en réel, qu'est-ce qu'il fait? Moi, Jusqu'à faut j'ai juste. entendu les gens, ils ont dit la femme invisible encule Goku et Vegeta, mais vous êtes malade! Mais regarde, Dis-moi, regarde juste, Marvel. parce qu'il y a beaucoup de gens qui demandent ça, colonel, est-ce que tu as lu les comics, s'il te plaît? Oui, j'en ai lu quelques-uns. Après, j'ai pas tout lu comme Johnny l'a dit. J'en ai lu quand même quelques-uns, tu vois. Quelques-uns, Faut pas ça veut juste dire regarder les films. combien environ? Donne des titres de comics, sinon les gens vont dire t'es un Les mytho. gens, ils vont dire que tu mens. Et like et partagez. Donne des titres de Ah. comics que t'as pu lire. Ou des histoires comme ça. Comme ça, Non, mais je suis honnête, comme ça, je pourrais pas dire ça. Pff, je pourrais pas dire comme ça, Je suis genre. Quelle indignité. En vrai, ça, je pourrais pas dire, hein, Oh. On souffle. mais gars. On souffle Mais... là, on souffle, on souffle là, on souffle là, on souffle. non, mais attends, attends, On a attends, attends. entendu Mais. ton amour pour Dragon Ball, mais on va laisser prendre quelqu'un d'autre parce que Hey, le chat t'a colonel! eu, le chat t'a Je suis eu. quand même! Je suis quand même de tout cœur avec toi et t'as raison, colonel. Le chat Merci t'a des eu. Mais forces attends, à attends, les autres. je voulais juste revenir sur un Vas-y. truc, un argument, ok, si vous Vas-y. voulez, j'ai pas lu de comics, puisque vous voulez, faut avoir un bac plus 5 en comics pour Petit qu'on le fait, pas de menteur. problème. Petit menteur. Maintenant, pour être tout à fait honnête, Il a dit, j'en ai lu John, il a quelques-uns, dit, le menteur. Ça me fume. John, il a dit, ouais, le truc du marteau, il fait que ça. Faut pas oublier que Vegeta, qui vient à peine d'arriver sur la planète Terre, avant son combat face à Goku, il fait 7 fois le tour de la Terre rapidement pour chercher il est où, il est où. Et on parle de Vegeta, qui était même pas à son niveau prime. Ça aussi, il faut le savoir. Mais Donc, cette fois, le l'histoire tour de de. la Terre, il est où, il est où? T'as vu, genre, quand il arrive avec Nappa? Ah! Tout Non, au parce début. qu'il les repère direct avec le détecteur, il va voir Piccolo, c'est lui qui a la plus grande force, on y va. Non, au bout d'un moment, il se remet au-dessus et il cherche partout, juste avant de se transformer en singe. Ah non, mais il cherche pas Goku, il cherche la Lune, wesh. Non, t'as pas Ouais, compris, toi. mais c'est pareil, mais t'as capté. Dans tous les cas, Non, il mais fait dans sept tous fois les le tour cas, de la Terre. oui. Je sais pas s'il fait 7 fois le tour de la Terre. Ça, c'est Gotrunks, je crois que tu confonds avec Gotrunks qui fait le Y a tour de des la gens Terre qui disent rapidement. aussi ça. Il y a des gens qui disent c'est Gotrunks qui fait le tour de la C'est Terre. Gotrunks qui, en 30 minutes, il fait plusieurs fois, en moins de 30 minutes, il dit ouais, je me suis amusé à faire plusieurs fois le tour de la Terre, etc. etc. Bref, moi je vais laisser ça Y a pas de parce souci, que colonel. En tout cas, ta voix est entendue, et moi, je suis d'accord avec toi. espèce de Les petit enculés. menteur. Le chat, Voilà. il vous détecte tout de suite, les petits menteurs, sachez-le. C'est pas grave, je suis membre Gold, je vais pas mentir. Exactement, tu peux te permettre. Exactement, c'est un privilège dont tu as le Bon, droit. vas-y les gars. Vas-y, colonel, Vas-y, t'inquiète tu reviens quand pas. tu veux. DBZ Forever. Prends soin de toi. T'inquiète pas, on est Salut, ensemble. salut. Vas-y. À plus. Les gars, il n'y a pas assez de likes pour le nombre de personnes qu'on est. C'est important de vous abonner, de liker, liker, liker. Exactement. Et nous, on Oh, va bref. enchaîner directement avec Zod. Zod, allô, allô. Allô, allô, vous m'entendez? On Comment t'entend ça va? parfaitement. Comment ça va? Ça va et vous? Avant de Super. commencer, j'ai plusieurs questions. La première, c'est ta génération. Ensuite, as-tu lu les comics? Parce que c'est Alors, important. ma génération, c'est années 90 et ouais, j'ai lu quelques comics, ouais. Ok. Ok, bah maintenant, on t'écoute par rapport à ce que tu as à dire sur le sujet. Alors déjà, alors, il y a une partie où je suis totalement d'accord avec vous, on fonctionne des pouvoirs des comics.
C'est-à-dire qu'en fait, que comparer les héros qui peuvent se taper physiquement et qui n'ont pas des pouvoirs de sex machina. Ok. Ça, je suis complètement d'accord avec vous. Parce que sinon, franchement, des DBZ, si on met les pouvoirs cosmiques, tout ça, les dieux cosmiques, des DBZ, ça tire pas 30 secondes. Hein. Ah Franchement, bah oui, mais après Oui, c'est non, c'est n'importe quoi. logique. Ça, Oui, il c'est a logique. raison. À part si on met Xeno. Xeno, il a juste à penser, t'es foutu. Non, il y a encore pire que Xeno, je te dis, il y a des pouvoirs. Même moi, tiens, je ne le lisais pas parce que c'était tellement cheaté, c'était. Ah, ça devient n'importe quoi, ouais, c'est possible, parce que dans les comics, ouais, ça, y a des trucs, t'es pas prêt. Secondo, moi je pense que Sentry peut battre Son Goku. Ok. Stop, stop, c'est Sentry toi peut. qui m'avais envoyé le lien, là, hein, je crois. Non, Oui, c'est... oui, Mais c'est lui, c'est lui, Sentry, c'est lui. capacité physique. Mais Oui, Sentry, non, parce que il moi je m'a ne connais envoyé son pas. lien, il m'a envoyé le Voilà, lien. merci. Allez. Ok, d'accord. Vas-y, on Tu fais t'écoute par quoi? rapport au personnage. Qu'est-ce qu'il fait? Ouais, Sentry, ben, en fait, c'est pas, il a pas la puissance de son 1 million de soleil, il a la puissance d'explosion de 1 million de soleil. Ouais, mais C'est-à-dire est-ce que. qu'il le fait? Comment ça, la puissance d'exploser 1 million de soleils? Et j'ai vu, Non. il mettait une patate à Hulk, Hulk, il encaissait ça. Non, Hulk, en fait, Hulk, il s'est battu avec Hulk en mode la version Warbreaker, là, je sais plus quoi, là. Qui a Et gagné? en fait, ils se sont apparemment, Il n'y a si je m'en pas souviens bien, match nul, ne mens pas. épuisés mutuellement, il me semble. Je Un souffle. million de soleils pour être Je fatigué. souffle. Un Je million de soleils souffle. pour. Bah, tu Ouf, vois, sans c'est fatiguer. intéressant ce que tu dis parce que si tu dis que avec le Hulk Worldbreaker, il a fait match nul, et le mec de tout à l'heure, son Hulk Worldbreaker a perdu contre Goku, le débat il est fini. Ouais, il est fini. C'est pas fini parce qu'en fait, Sentry, plus il est proche d'un soleil, plus il est vraiment imbattable. Ça, Et si c'est ton, ça, c'est super. Goku Vrai. il fait son déplacement instantané loin du Instantané. soleil, qu'est-ce que tu fais? Pardon? Loin du soleil? Si Goku il fuit loin du soleil, ça veut dire qu'il est moins fort, t'es d'accord? Ouais, non, mais il est moins fort, mais il T'es est aussi prêt. Il est d'accord que prêt. Goku il peut se téléporter de manière instantanée où il veut, t'es d'accord? Oui, bien sûr, aussi. Oui. Donc comment tu veux qu'il gagne? Bah, non, mais Sentry, il est vraiment très très fort. Hein. Oui, on Il n'a pas dit le contraire. On a Et même, compris. non, j'ai envie de dire, en plus, il nous dit Sentry la puissance de 1 million de soleils. Mais est-ce que la puissance de 1 million de soleils qu'il a dans les mains, est-ce que ça équivaut pas au coup de poing de Tenshinhan en vrai? Ah non, t'abuses. T'abuses. Ah, on n'en sait rien parce que qu'est-ce qu'il fait avec son poing? Est-ce qu'il a déjà mis un coup de poing et on a un coup de poing, je sais pas, la Terre a explosé ou un truc comme ça? Ouais, il me semble. Hein. Moi, je sais plus, Ah, mais. il te semble, hein? C'est très bien que tu mens. Non, non. Tu mens et tu le sais. Arrête, arrête, comment ça dire qu'il me semble. Moi, je pense Comment? que ton Sentry, le commando Ginyu, il s'en occupe. Et je pense que tu sais que c'est vrai. Non. Parce que Sentry, déjà, un Sentry, c'est le Superman Oui, mais. de chez Marvel. Et Superman, il Non, encule. non, on n'est pas sur DC, et c'est pas ton truc. Ton Sentry, Attends, c'est laisse. comme Superman. Goku, il se met à côté de lui, il dit, eh, viens là! Hop, il n'y a plus de soleil. Oh, comment je fais? J'ai pas de soleil! Après, comme a dit Moms dans les commentaires, c'est pas non plus. Il peut le faire Goku, mais c'est pas non plus le comportement de base qu'il va faire, de fuir, etc. Il va plutôt lui dire, je veux que tu sois Oui, au max. il n'y a pas de souci. Mais il peut faire ça et l'enculer, Oui, dans tous les cas. Il fait ça et il peut. l'encule. Il va peut-être pas le faire, si on, comme on Là, connaît le personnage de Goku. Mais là, on n'est pas pour analyser la personnalité de combien de personnages. On dit, est-ce qu'il peut l'enculer? Oui. dans ce cas-là, Flash, il fume tout le monde alors. Mais Flash, à part se Flash, déplacer vite et mettre une patate. il fait Flash, quoi? c'est DC Comics. Flash, c'est DC Comics, de toute façon. Dans ce cas-là, Flash, il encule tout le monde Non, alors. mais Flash, c'est Non, mais DC ça Comics. reste d'ici, ouais, il a raison, c'est d'ici. Flash, on va pas rentrer dedans, c'est DC Comics. Ouais. Non, non, ton Sentry, je suis désolé, il m'a pas convaincu, Non, hein, non, le chat on a, non, décidera. on a entendu ce que tu as dit. Seulement. T'as pas réussi à convaincre John, même moi tu m'as pas convaincu en vrai, je vais pas te mentir. Donc on a entendu ce que t'as dit. Oui, plus il est fort du soleil, c'est le soleil, le truc, c'est le pouvoir du soleil, c'est en lui, je Mais sais pas quoi, même, je sais pas quoi. et en plus, on sait pas ce qu'il fait avec ses poings, à part faire match nul avec Hulk. Et je veux dire, comme je dis, pour moi, Hulk, c'est un niveau commandant Ginyu, tu vois, il s'en occupe, hein. Non, t'abuses. Ah, j'abuse peut-être un peu, allez, Freezer. Non, même pas. Ah si, c'est pas niveau sel, ça, c'est évident. Non, Sentry, il est peut-être niveau Jiren, non? Ah, c'est bon, ah, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Quoi, t'as dit, il est niveau Jiren? Arrête, 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 il est Et niveau encore. Jiren. Et Ça veut encore. dire qu'il perd contre Goku au final. Ouais, dans tous les cas, il part comme Goku. Non, mais comment ça, il perd comme Goku? Jiren, il a gagné contre Goku. Il a gagné? Pas non. Ah non, Goku, là, il avait plus son ultra instinct, mais son Goku, il est en train de l'enculer. Après son ultra instinct, il est parti. Goku, il le mangeait. Oh, ça veut dire qu'il a perdu? Non, Goku a gagné, dans le sens où il est en train de l'enculer, mais son ultra instinct est parti. Tu connais DB. Quand le mec il est en train de se faire enculer, il fait, oh putain, j'ai fait ma transfo. Aujourd'hui, il Là, maîtrise. Aujourd'hui, il maîtrise son ultra instinct, c'est plus tu pareil. t'es pas soleil, c'est pareil. Hein. Hein?
C'est pareil que ton délire avant, je t'ai porteur du soleil. Non, ça Oui, n'a rien à voir. Parce qu'aujourd'hui, dans le manga, il maîtrise son ultra instinct. j'en ai sûr. Bah ben oui. Allô? Allô, ouais. Si, il est là. M'entends? Il est là. Bah ouais, Pardon, je je dis, vous ouais, je disais. entendais. Ouais, je disais aujourd'hui, dans le truc, il n'a pas le plus haut stade du ultra instinct, mais il maîtrise l'ultra instinct qu'il avait avec Jiren. Pour Donc, se faire fumer, il y mangez a deux Oni. doigts d'avant. Il y a Voilà. Onizuka dans les commentaires qui dit que il peut détruire Sentry des galaxies, alors que dans DB, ça détruit des planètes. C'est vrai ça? Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Mais il peut, comment ça? Comment il détruit des galaxies? Bah, Expliquez-moi. avec ses points. Genre, il met un Même coup de il met poing? un coup de poing, la galaxie, elle La saute. galaxie, elle explose! Vous êtes des menteurs, et puis Ah, quoi encore? On est où là? c'est faux, c'est faux. On est Non, où c'est faux, là? c'est faux, c'est faux, Attends. c'est faux. Et je C'est suis tellement hyper ridicule Ouais, c'est que je faux. peux pas y croire. Si, Genre, si, un c'est coup de faux. poing, pouf, plus de galaxie. Et il a perdu contre Hulk? Arrêtez, vous êtes des menteurs. Ou ça devient tellement ridicule que là, c'est Et, n'importe quoi. alors, dans ce cas-là, j'ai une question à te poser. Est-ce que Son Goku, il survit à exploser d'une planète? Ouais. Sangoku, il a pas sur. Ah non, il s'est Ah téléporté, non, il un fait le mec, truc de Freezer. il C'est avait ça. pris le. En fait, non, Non, c'est Sangoku, le problème, téléporté. c'est qui le problème de Goku, c'est Et quoi? C'est qu'il survit pas Sentry dans l'espace. Il survit pas dans l'espace. et Hulk, ils survivent à des explosions de planète. Ouais, mais Goku, c'est pas la planète. En fait, A-E-A-E. non, C'est non. l'espace. Non, non, C'est Goku, c'est l'espace, l'espace qui le Goku. bloque. C'est pas. C'est Il pas la peut planète. survivre. Parce que même avec Freezer, il le dit, Freezer, dit, moi, je vais détruire la planète, mais moi, je peux respirer dans l'espace, mais pas toi. Ils savent qu'ils vont survivre à la destruction de la planète. C'est dans l'espace. C'est dans C'est l'espace. différent. Sentry, c'est vrai dans l'espace, hein. Oui, mais Oui, alors. ça change pas le truc du combat. Tu vas me dire quoi? Tu vas me dire, oui, mais il l'amène dans l'espace. Bah, ok. Goku, il se téléporte d'autre part. Tu sais, c'est là, c'est le serpent Exactement. qui se mord la queue, là. Bah, s'il y a une destruction de planète, qu'est-ce qui Il se reste? téléporte, il voit une autre planète, je me barre. Il a fait ça avec Boubou, quand Boubou il a détruit la planète Terre, il a dit, oh putain, je me barre dans une autre planète. Si ça Voilà. se tient. Tout simple. En tout cas, ce que j'ai fait encore une fois, parce qu'ici on est en démocratie, dans les commentaires, je vois des gens qui disent, vous lisez pas les comics et vous critiquez. Oui. Mais si on dit de la merde, si vous pensez qu'on a tort, nous on est en démocratie, on permet aux gens de Venez. voter. J'ai fait un sondage pour savoir entre Sentry et Goku qui gagne. Et en plus, le Zoom il est toujours ouvert, bien évidemment. Si les gens veulent venir s'exprimer, il n'y a pas de souci, on prend tout le monde pour nous expliquer pourquoi on a tort. Nous, notre but, c'est pas d'avoir tort ou raison, c'est de faire de l'argent. Qu'on fasse de l'argent, on est en raison ou on est en tort, l'argent, c'est le On même. va le Donc, reconnaître, on va le reconnaître. nous, si on a tort, on le reconnaît, il n'y a pas de souci. Mais par exemple, là, j'ai fait un sondage, parce que comme nous, on ne lit pas les comics, et ben notre avis, il vaut rien. L'avis du chat, c'est quoi? Pour qui gagne entre Goku et Sentry, 132 votes, 76% Goku. Donc, Après, on là est ils en vont dire non, démocratie. mais parce que les gens ils préfèrent les mangas, c'est pour ça. Non, je suis désolé, si t'as des arguments sérieux. Moi, à la rigueur, tu peux me traiter de Marvel, t'es pas neutre. Kikou, lui, il s'en bat les couilles de DB. Hein. Moi, j'en ai rien à foutre. Dragon Ball, j'en ai rien à Kikou, foutre. il s'en branle de ouf. Moi, Donc, si vous Dragon aviez Ball, j'en ai réussi rien à à foutre. convaincre Kikou, il aurait été ravi de reconnaître Exactement. que je dis de la merde. Et Et vous sachant savez, il que, gêne pas. Il gêne si pas vous. hier, vous avez pu voir. De ouf. Et sachant que, je sais pas si vous remarquez, mais à chaque fois, par exemple, tout à l'heure, quand il y avait des trucs en faveur de Sentry, oui, mais est-ce qu'il peut détruire des galaxies? Est-ce que c'est vrai? À chaque fois, je lis et je le dis. Hein. Donc, Ah non, mais moi, son je suis neutre histoire dans de cette histoire. Hein. un coup de poing, il détruit des galaxies en un coup de poing, c'est tu souffles. Tu sais, les galaxies de Marvel, c'est quoi? Ça ressemble à ça. C'est pas possible, tu vois ce que je veux dire. Donc, il est en train de dire qu'il a mis un coup de poing, il n'y a plus de Fait. galaxies. S'il le fait. Il l'a fait? Le fait. Il Donc, l'a il a fait mis un coup quand? de poing comme ça, il n'y avait plus de galaxies. Zod, tu reviens quand tu veux. Zap, Zod. Salut, Je salut. vais faire mes recherches. Attends, t'entends mal, Zod. Je vais essayer de faire mes recherches pour revenir ce soir. Parce qu'en fait, j'avais des, comment ça s'appelle, des poussières, tu vois. Ça fait longtemps que je n'ai pas lu Il de n'y a pas de comics, mais souci, il n'y a pas de faut souci, il n'y a venir pas de avec souci. des pages qui nous montrent que. Parce que ça veut dire que si lui détruit la galaxie et il a mis plusieurs coups de poing, il n'y a plus d'univers du tout, quoi. Le mec, il a détruit tout Ouais, l'univers. c'est. Si chaque Non. coup de poing, la galaxie a disparu, hein, c'est n'importe quoi. C'est un peu sérieux. C'est un trip d'alter ego qui s'appelle Void, qui a des pouvoirs de trous noirs, quoi. Donc. Ok, on l'entend, On mais le l'entend, on peuple a l'entend. parlé. Tu as perdu, mais on Non, mais l'entend. attends. C'est vrai que Sangoku, il est bien peu populaire, on connaît bien ses pouvoirs, mais. Arrête! Oui, Non, c'est vrai. c'est Après, vrai, ton ça c'est vrai, ça Sentry. c'est vrai, Non, ça c'est vrai. t'as raison. Sentry, c'est vrai que tout le monde s'en bat les couilles, t'as pas tort. Mais c'est vrai qu'il a l'air plus faible que Goku, là aussi, il faut bien reconnaître. Non, mais là, c'est comme. Bon, c'est une parenthèse, après, je m'en vais. Bah, quand il y a eu un moment, il y a eu une vidéo, tu sais, il y a des gens qui sont spécialistes des VS, hein, versus Superman.
Superman, il a enculé Ah, Sangoku. même ça, c'est une fraude. J'ai vu ces vidéos-là, c'est des Stop, fraudes. stop, 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 stop. Ça, C'est on pas va le débat. revenir. Il y C'est aura des un fraudes. débat Superman Saitama Goku. Vous inquiétez pas, ça va bien se passer. Ça va se passer. Ce truc-là, il est Allez, à plus. prévu, ça va bien Par se contre, passer. plus calé sur DC Ah, que sur pareil. Marvel. Non, il Et y en aura là, aussi un sur DC. T'inquiète pas, il y aura aussi un DC contre Marvel. Superman Goku, de toute façon, c'est DC. Donc là, ça, ouais, Superman Goku, ça sera plus clair. Que tout le monde connaît Superman. Ouais, bah oui, c'est ça. Je dis d'avance, hein, Superman, son coup, il a aucune chance. Il n'y a Superman, pas de souci. stop, Tu lui stop, jettes une stop, pierre stop, verte. stop, il n'y a pas de souci. Je tiens à dire que Superman, il a Une perdu pierre. contre Batman, mais c'est pas le sujet. Zod, tu reviens Allez. quand tu veux. Salut, salut. Allez, à plus. T'es pas mangé un rayon par un soupir Salut, de truc. salut, Zod. Allez, à plus. Tu reviens quand tu Attends. veux. Salut. Et nous, on va enchaîner avec Débédro. Il est où? Il est où? Il est où? Il est là. Débédro, allô, allô? Allô? Comment ça va? Attends, Débédro, il est... Ouais, il est abonné, Débédro. Si, il est abonné. Ouais, je suis abonné, moi. Nickel, Débédro. Comment ça va? Ouais, ça va, et vous? Les gars, n'oublie pas de liker, il n'y a pas assez de likes. On est plus de 250 et 150 likes. C'est pas assez, abonnez-vous aussi, c'est important. Allez, on t'écoute, Exactement. Débédro. Et tu peux, Ouais, nouvelle et bah, exagération, nous dire si t'as lu. 93. T'as lu des comics? Franchement, j'ai pas lu tous les comics, j'en ai quelques-uns, mais j'ai Tu peux quand pas même tout fait lire. Ça veut des... dire quoi, quelques-uns? Combien? Environ? Quelques-uns. Mais en fait, moi, ce qui m'a intéressé dans ce débat, c'était à l'époque, Non, c'était non, sur non, non, le... non, non, non. Non, Réponds mais à je ça d'abord. t'explique. Non, 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 réponds à ça Non, j'ai d'abord. pas tout lu. Il y a plein de trucs. Il y a 15 Oui. milliards de... Si Non, tu mais prends bien combien toutes à les peu versions. près? Combien à peu près? Quelques-uns. Non, mais en fait, Quelques-uns, moi, ça j'ai veut fait des... rien dire. Un, deux. Non, mais j'ai pas lu, si tu veux. Mais par Ok. contre, parce que moi, le débat là, à l'époque, c'est un débat qu'il y avait sur jeuxvideo.com. Tu Ouais, vois? Donc c'est moi, je vrai. connaissais pas l'univers Marvel. Et je vois tout ce qu'ils disent les gens là, Worldbreaker, Hulk, etc., etc. Moi, j'ai fait des recherches quand même, tu vois, pour voir. Et globalement, bon, au niveau de ce qu'ils disent, c'est vrai, ils n'inventent pas. Tu vois. Quand ils te On n'a pas dit que disent c'était faux. Hulk, non, mais je veux dire, parce que des deux côtés, il y a de la mauvaise foi, en fait. Tu vois, parce Bah que non. les pros Marvel, ils vont te dire oui, Goku peut soulever que 40 tonnes, tu Non, vois, mais des ça, c'est conneries de la comme merde, ça. ça, ce genre de Ouais, non, conneries. mais de l'autre côté aussi, parce que Hulk, en fait, si tu veux, ils ont raison, il y a plein de versions de Hulk. Il y a des versions, elles sont éclatées, tu vois, Yamcha, il le prend. Après, ce qu'il dit avec Sentry, tout ça, c'est vrai. Mais le problème de Marvel, c'est que tu vois pas de combat, en fait. C'est que des... Comment dire? C'est des faits, en fait. Ils te disent, Ouais, je peux oui, détruire la galaxie, mais détruis-la la voilà. galaxie. Ouais, mais Il te détruis-la, donnait c'est la ça le croix problème. noire dans sa main. J'ai vu un truc, c'était quoi? Thor a fait un bras de fer avec Hercule Avec pour Hercule. pencher la Terre, tu vois? C'est des trucs. En fait, moi, c'est ça qui m'intéresse dans ce débat, c'est la mauvaise foi qu'il y a des deux côtés. Hein, parce que des Dragon Ball aussi, ils ont quand même un Non, peu de mais mauvaise foi. qu'il fasse un bras de fer et que la Terre bouge au bout du bras de fer, c'est très bien. Tu vois ce que je veux dire? En fait, les arguments, là, tu vois, tous ceux qui te parlent, là, ils ont pas lu. Hein, ils ont été sur les forums, machin, c'est Ou sûr. sur les Là, vidéos d'un tel ou pour te d'un tel, ça c'est dire, très bien. déjà, alors, Hulk, il soulève 150 milliards de tonnes. Et Goku, il soulève que 40 tonnes. Mais ça, c'est de la merde parce que la force de Goku, c'est pas Hulk, c'est pas de la force brute. Lui, il peut péter des planètes, il fait des Non, boules même. de... Déjà, Vegeta, à partir de 18 unités, quand tu le vois au début des DBZ, il pète une planète déjà. Tu le vois déjà. Il sort du vaisseau à un moment, il explose une planète. Ouais, bien Ça, sûr, oui. c'est que quand il a 18 000. Ensuite, on te dit, Cell, il peut détruire le système solaire. Bon, même si tu le vois pas, mais C'est c'est ce pas qu'il te dit. faux, ouais, on le voit pas, mais ouais, si on rentre dans ces arguments-là, oui, on peut. Et là où j'ai pas aimé sa vidéo à Alcor, il a menti, il a dit ouais, à un moment, les héros de Marvel, ils sont plus forts parce que, en gros, à un moment, Hulk, il brise le temps. Ou... En gros, il voulait dire alors, les personnages de Marvel, leur puissance, elle est Elle est supérieure, oui, j'ai vu, j'ai vu. au-delà des. Mais dans DBZ aussi, tu le vois ça, tu le vois clairement. Quand Bouhan, il s'énerve, il y a tout Ouais, l'univers, il te dit c'est vrai, oui, bah. il brise le temps au bout d'un Et moment, ouais. je parlais avec un gars, il me disait il était de mauvaise foi, il me disait non, il a juste ouvert un portail. Et ben, Non, tu ouvres un il ouvre des portail, portails à pourquoi tes travers des yeux sont dimensions. rouges, pourquoi ses yeux sont rouges, pourquoi tout devient gris, pourquoi Dende s'échoue dessus. Et puis il est de mauvaise foi, tu sais pourquoi il prend pas les OAV? Parce qu'ils te le disent, tu prends Broly, dès le début, tu vois, il a explosé la galaxie du Sud. Tu vois. Donc tu vois, la puissance, déjà Broly, c'est même pas la puissance max, il te pète une galaxie. Donc ce qui va te dire Goku, il peut pas détruire une planète, ou c'est n'importe quoi. Merci, merci. Merci Ensuite, pour il vos va arguments. te dire, Hulk, il est indestructible. C'est vrai, mais Boo aussi, il est indestructible. Ils l'ont battu quand même. Après, ce qu'il y Exactement. a, le problème, c'est que, en fait, il a utilisé le Genkidama. Donc, en fait, techniquement, il te dit ça marche que sur des Les gens méchants. mauvais. Bah, ça marche que sur Voilà, les gens donc est-ce mauvais, que Hulk est techniquement. méchant ou pas? C'est ça le Bah, problème. s'il détruit, s'il est énervé et il contrôle plus, il est mauvais, hein.
C'est ouais, voilà, parce que ça aussi, ils te disent la colère de Hulk. Mais Hulk, il faut qu'il s'énerve, il faut qu'il y ait une raison. Parce que quand ils te disent World Hulk, c'est parce qu'il s'énervait. Pourquoi? Parce qu'ils l'ont envoyé, en fait, ils l'ont... tous les Avengers, là, ils l'ont exilé. Ouais. Il ne s'est pas levé comme ça, il s'est dit, tiens, tu vois, il n'a pas un niveau de puissance comme ça. Donc après, il y a le truc des 17 millions de soleils, là, ouais, c'est, ça c'est vrai. Mais en fait, le problème, c'est que c'est sur une case, tu vois. Tu vois pas qu'il a explosé 10 millions de soleils, 17 millions de soleils. Ouais. Il a fait une attaque sur Hulk, et en gros, il te dit, ça vaut 17 millions de soleils, mais bon, tu vois. En fait, c'est dur de comparer, parce que tu as des trucs ils te font des trucs de fou. Dans Marvel, ça devient tellement insensé quand tu vois les trucs. Et le pire, on te le dit sans jamais vraiment te le montrer. Ouais, oui. Je tiens juste à préciser, parce que d'ailleurs, j'ai deux choses à dire. Par rapport aux gens qui sont dans le Zoom, j'ai baissé la main de tout le monde. Dans Zoom, vous avez la possibilité de cliquer sur un bouton qui s'appelle « Lever la main ». S'il vous plaît, levez la main uniquement si vous êtes un expert Marvel. Si vous êtes un expert Marvel dans le Zoom, s'il vous plaît, levez la main. Et ensuite, deuxième chose, là, vous parlez entre vous, etc. John et Debedro, c'est cool. Mais Debedro enchaîne. C'est la passion. J'entends. Mais ensuite, enchaîne pour qu'on ait une contradiction, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Mais ouais, mais Debedro, j'ai bien aimé ton intervention, en tout cas. Je pense que tu avais... Ou sinon, ce qu'on peut faire, c'est simple, c'est que je peux prendre une des personnes qui a aussi levé la main et qui est experte, comment ça s'appelle, Marvel. Et si tu veux des Bédro, on parle à 4. C'est comme tu veux. Comme ouais, ça, en même temps, on fait passer plus. Après, moi, ce qui m'intéresse, c'est surtout, c'est plus pour debunk les faux arguments que faire. Parce que pour moi, le débat, il est compliqué. Tu vois, parce que, comme j'ai dit, dans Marvel, c'est vrai qu'il y a des trucs de fou. Parce que quand tu dis Hulk a battu Wolverine, mais c'est pas le Hulk le plus fort, tu vois. Si tu dis ça, tu peux pas le prendre en compte, ça. Parce que même si tu prends le tout premier Hulk des Marvel, il est tout pourri, tu vois. Il est même pas vert, il est gris. Debedro, il est tout pourri. Debedro, tu dois partir là ou t'as du temps devant toi? Non, j'ai du temps. Ok, donc en même temps qu'on prend Debedro, on va prendre Happy Meal. Happy Meal, allô. Allô, vous m'entendez? On t'entend parfaitement, comment ça va? Salut les gars. Super. Ça va bien? Juste, je t'avais demandé de lever la main si t'étais un connaisseur Marvel, c'est bien le cas? Ouais, mais comparé aux deux autres d'avant, moi j'ai lu les comics, j'ai pas juste mis Wikipédia, Thor, Hulk. D'accord. Ah, mais avant de t'as pas lu tous les comics de la Terre. Stop. Est-ce que John, t'as tout lu déjà? John, stop. C'est quoi cette question? Est-ce que t'as lu tous les mangas du monde? Stop. Avant de commencer, c'est une question stupide. Avant de commencer, Happy Meal, est-ce que tu peux rappeler ta génération, s'il te plaît? 95. Ok. Non, c'est pas une question stupide, John, parce que stop, le mec, il dit John, j'ai lu les stop, comics, mais John, qui n'a pas lu stop, de comics ici? John, stop. Non, mais... Depuis tout à l'heure, toutes les personnes qui passent, t'as lu les comics? Oui. Combien? Non, c'est différent. Parce que lui, il est venu en disant, j'ai lu les comics comme si c'était un truc linéaire. Tu peux pas tout lire. Non, mais tu prends sa défense. Non, mais vous me répondez, t'as lu tous les comics. Stop. Attendez doucement, Happy Meal. Happy Meal vient d'arriver. Il a dit bonjour, il a pas eu le temps de parler. Et t'es déjà en train de dire, tu mens, t'as pas lu tous les comics, c'est pas possible. T'as vu ça, John? Non, parce qu'il a dit, j'ai lu les comics. Ça sous-entend, moi, j'ai lu les comics que vous n'avez pas lu. Happy Meal, on comment ça, John? Vas-y, parle Happy Meal. Et ensuite, John, tu pourras rebondir. Et toi aussi, bien évidemment, tu pourras rebondir. Debedro. Happy Meal, on t'écoute. Oui, donc, quand j'ai lu les comics, moi, j'ai lu les comics de la Terre principale et tous les trucs populaires. DC comme Marvel. Après, je connais pas tout par cœur, il y a des trucs aux F, tu vois. Je peux pas dire oui dans ce comics-là, numéro machin, c'est la même. Donc, en fait, au début, je voulais défendre Thor en tant que tel, mais vu que les autres d'avant, ils ont essayé de défendre Hulk sans même avoir lu, qui parlait d'un personnage qu'ils n'ont pas lu, ça m'a saoulé, j'ai ragé tout seul. Parce que tout bêtement, la bête question de John, il disait est-ce que Hulk a déjà explosé une planète avec ses mains? En fait, oui, s'ils avaient lu, j'aurais juste dit oui, c'est vrai, il a mis un coup de poing dans une planète, elle a explosé. Oui, mais les autres avant, je ne suis pas le gars qui est avec nous, hein. Mais les autres agents, ils disaient là, je ne sais pas, peut-être, mais il l'a fait, moi j'ai lu, il l'a fait. Et ce Hulk-là qui l'a fait, il est revenu sur Terre, il a poutré absolument tout le monde. Et il s'est battu avec Sentry, mais c'est parce que Sentry, à ce niveau-là, il avait aussi le pouvoir de pouvoir poutrer une planète avec ses mains. Attends, là, tu entends dire que c'est un pouvoir qu'il a eu occasionnellement ou c'est sa capacité qui lui est propre?
C'est lui principal et c'est pas un truc spécial parce qu'il c'est juste il s'est énervé tellement fort qu'il a lâché les verrous, il ne s'est plus retenu quoi. Et quand il se retient plus, il est énervé, c'est fini. Il peut détruire des planètes à main nue. Ok, ok. C'est impressionnant. Bah, c'est donc c'est le vrai, Hulk, hein. C'est pas un Hulk que j'ai cherché, je sais pas où. C'est Hulk principal et quand il est énervé, qu'il retient. Parce qu'en fait, on avait tué sa femme, donc t'imagines à quel point il était énervé. Et sous cette forme-là, il fait des 1v1 quasiment avec tout le monde. Ok, on l'entend. Mais est-ce que pour autant, il 1v1 Goku? Parce que Goku aussi explose des planètes. Franchement, sous cette forme-là, oui. Et le truc où moi, je veux bien le Clément, c'est qu'après, il doit arriver à cette forme. Enfin, Goku, c'est pas le mec qui va buter sa femme, tu vois. Non, mais je veux dire, est-ce qu'il le touche si Goku il l'Ultra Instinct? Le touche. Ouais. Quoi? Mais le problème de l'Ultra Instinct, pardon, j'avais pas entendu la fin. Le problème de l'Ultra Instinct, c'est qu'il touche Goku, tu vois. Il quoi? Qui touche Goku en Ultra Instinct. Mais attends, l'Ultra Instinct, c'est un peu comme le Spider-Set. Non, c'est pas la même chose. Non, c'est vraiment. En gros, tu le touches pas. En Ultra Instinct, tu le touches pas. Ça, du coup, même dans des BZ, qui touche Goku en Ultra Instinct? Personne, oui. Oui, je suis d'accord. Parce que, alors, moi, je vais dire, il faut. Enfin, il y aurait un. Parce qu'en fait, normalement, sur cette forme, il est aussi intelligent. C'est pas juste le débile qui frappe, tu vois. Donc, il peut exploser une planète à main nue. Et en plus de ça, il est intelligent. Donc, il pourrait trouver une astuce. Non, tu peux répondre à ça ou pas? Vas-y, c'est pas de la mauvaise foi. Pour dire le niveau DBS, pour moi, ce que j'ai vu, c'est. C'est même pas Goku, c'est sur Vegeta. Dans DBS, t'as les dieux de la destruction. Donc, ils ont le Hakai, c'est-à-dire qu'ils ont un pouvoir qui te dit ça peut tout détruire. Ouais. Ça peut tout détruire, ça peut dire des planètes, n'importe quoi. Ouais. Et tu vois. Comment il s'appelle encore? Ouais, j'ai oublié son nom. Le dieu de la destruction, l'univers que j'irais. Non, pas là, oui, le clown, là, j'ai oublié. Voilà, ouais. T'as le clown, bon, lui, il doute un peu des pouvoirs, machin. Mais tu vois, quand l'autre, il se bat avec Vegeta. Comment il s'appelle? C'est qu'un peu gros, là. Le dieu, il se transforme en dieu de la destruction. Oui, donc, je vois. D'accord, il utilise le Hakai sur Vegeta. Ouais. Mais ça ne marche pas. Vegeta, il le contre. Ça veut dire. Vegeta, sa force, sa puissance, elle est bien au-dessus d'un gars qui peut détruire n'importe quoi. Donc là, tu es vraiment dans un niveau, c'est. Tu vois? Parce que là, c'est un niveau, ça, on ne peut même pas discuter. Si tu peux me dire, Hulk, il pète des planètes à main nue, mais lui, il vient avec le Hakai, il peut détruire n'importe quoi. Il détruit la matière carrément, tu vois? Et ça, ça ne marche pas contre Vegeta. Et Goku, très instinct maîtrisé, il est encore au-dessus de ça. Donc, mais même déjà, dans DBZ, ils sont d'un niveau 7, il te dit, il peut détruire un système solaire. Donc, parce que eux, ils te disent, oui, Hulk, il peut nager dans le soleil, il peut résister. Ils peuvent le désintégrer. Par contre, ça, faut pas mentir, Goku, je pense, si Hulk, le Worldbreaker, il lui met une bonne patate, Goku, il est mal, je pense. Mais il faut qu'il réussisse à lui mettre. Il faut qu'il le touche. Niveau vitesse, pour moi, il ne le touche pas. Mais c'est vrai que Hulk, même, il y a un truc qui te dit. Topo. Ouais. En fait, il a un fils, Hulk, là, il s'appelle. Scar, je sais pas quoi, voilà. Scar, il met une patate qui fait rien à Hulk et il te donne un chiffre, ça vaut 3 trillions de. Ouais, non, mais le chiffre, c'est d'abord. Pour te dire. Mais bon, le problème, c'est qu'en combat, voilà, Hulk, il peut se faire toucher par n'importe qui, mais pas Goku. Donc, moi, j'ai envie. Techniquement, oui, des personnages comme Hulk, pour moi, ils ont la force de détruire. Oui, mais Hulk, il tient un match à Goku. Pour moi, il ne touche pas. Pour moi, il ne touche pas. Pour 1v1, il ne touche pas. Non, mais le truc, c'est que vous pensez qu'Hulk est débile, mais Hulk n'est pas débile sous cette forme-là. Hulk n'est pas débile. Mais le truc, c'est que je ne peux pas dire qu'il a une astuce. Pardon. Oui, j'avais lu dans l'article, justement, qui expliquait les pouvoirs de Hulk par rapport à cette forme-là. Il est très, très vif. Il est très tacticien. Voilà. Il a le contrôle total. Oui, bien sûr. Pro Marvel, il va te dire quoi? Parce que tu vois, à un moment, dans un épisode de Dragon Ball, Goku, il s'entraîne avec des poids sur la planète Kaio, ils font 10 tonnes, donc il en a 4 par. Tu vois, ça fait 40 tonnes. Il a du mal à les soulever, donc il se. Non, mais les chiffres, c'est de la merde. Galère. Ça, c'est de la merde. Ça, c'est de la merde. Ça, de la merde. Non, tu vois, j'ai pas utilisé de chiffres, moi. Il a pas utilisé de chiffres. Il a été clair. Je te parle des mecs avant, là. En fait, ils vont dans les forums, machin, ils relèvent les arguments. Oui, ils disent pas. Ils disent, j'ai lu. Ils n'ont pas lu, c'est pas vrai. Non, là, ce qu'il a dit, là, on est d'accord. Parce que là, ce qu'a dit Apimil, ce qui est bien, c'est que c'est concret. Il dit, lui, d'une patate, il a pu exploser une planète. Donc, effectivement, on dit. C'est vrai, j'ai lu. En fait, ils se battaient avec. Je crois que c'est la meuf Hulk. Ils sont rentrés dedans, je crois. Voilà. Ils se sont rentrés dedans et ça a pété la planète. C'est vrai, tu vois. Non, mais avant ça, il a mis un coup de poing dans une planète tellement il était énervé. Il te disait qu'il a frappé le temps, c'est-à-dire son pouvoir, voilà, il a vraiment une force. Il peut être détruit.
Il peut être détruit. Moi, je conçois que ça, effectivement, Goku peut être mal avec une patate qui détruit des planètes. Mais comme j'ai dit, je pense pas que Hulk le touche. Après, votre argument, oui, mais Hulk est intelligent, nanani. Hulk, c'est un scientifique, il a toujours été intelligent, il n'y a pas de débat. Trouver... Non, il est intelligent dans. Après, il y a un truc, il y a un personnage qui est dans le combat. Mais... Comment? Je dis, oh, il peut. Comment? Non, mais là, je ne veux pas t'inventer un scénario. Facile, là, oui, c'est pas ça. Non, non, non. Là, l'argument. Vas-y. Il peut comment? L'argument comment, il est pas. Moi, je te dis, il peut pas. L'argument comment, il n'est pas bon. Parce que là, tu es en train de lui dire, tout de suite, là, donne-moi... C'est exactement ça. Non, l'argument pas bon. Bah oui, comment il est pas bon. Histoire, ouais. Moi, j'ai un personnage aussi qui... Bah, après, il faut définir... Non, non, il faut finir avec Hulk. Bah, c'est Hulk, mais justement, je... Ah. En fait, c'est pas Hulk, c'est Red Hulk, parce que lui, il a un pouvoir, en fait... Parce que Hulk, son pouvoir, il augmente avec sa colère. Mais lui, Red Hulk, en fait, c'est... Si tu veux, c'est avec les radiations cosmiques. Donc, il absorbe l'énergie, on peut dire. Donc, si tu dis que l'énergie... Bah, ceux qui ont des pouvoirs cosmiques comme Silver Surfer, si tu mets un pouvoir commun, quoi, dans le... tu dis voilà, Kamehameha, ça vaut une vague d'énergie. Lui, en gros, il... en absorbant ça, il peut devenir de plus en plus fort. Donc, lui, il pourrait potentiellement être dangereux pour Goku si il a vraiment ce pouvoir d'absorber le... l'énergie. Tu vois. C'est vrai, pourquoi j'ai dit parce Hulk, que... parce que Hulk n'a pas besoin d'énergie. Oui, c'est avec sa colère, mais pour moi, c'est plus compliqué Hulk, tu vois, parce qu'il faudrait vraiment qu'il soit vénère. Oui, c'est vrai que j'ai dit, il faut les matchs pour rouge, Hulk énervé, quoi. S'il pourrait absorber l'énergie de Goku, ça irait plus vite, tu vois, parce que tu le vois, après, il essaie de se taper même contre Galactus. Écoutez, tu vois, moi j'ai un autre argument là qui vient contre ce que vous dites. Il y a un mec qui a dit un truc qui est vrai, où à un moment, Freezer, il envoie un caillou à Goku, un truc qui détruit des planètes, il envoie ça sur Goku, Goku, ça lui fait rien. Il y a pour détruire des planètes, c'est facile, mais moi, t'arrives pas. Donc, ça veut dire que même si l'autre en a un coup de poing détruit des planètes, Goku est plus résistant. Donc, au final, Goku encule Hulk. Merci, au revoir. Stop. Non, mais lui, il est détruit. Attendez, par rapport à tout ça. Mais t'as vu la mauvaise foi de Sam? Ah non, c'est pas mauvaise foi, là. Là, c'est écrit. Non, c'est pas mauvaise foi. Attendez. C'est quoi ton argument? Attends. Toi, t'as dit, venez avec des faits. Goku, il encaisse des coups qui détruisent des planètes. Attends, John. Bah, Hulk aussi, il va baisser des coups qui détruisent des planètes. Attends, toi, je te dis la même chose. Parce que je fais des hop, c'est fini. Attends, Happy Meal. Déjà, premièrement, merci à Nanashi pour les deux balles qui dit de toute façon, Harald défonce l'univers Marvel. C'est qui Harald? Ouais, mais ça, c'est du troll. C'est dans l'ancien manga du troll, ouais, c'est ça. Okay. Ça, c'est du troll. Ça, on ne le prend pas en compte. Non, mais déjà, DBS, c'est pas la peine parce que comme je l'ai dit, ça détruit tout ça et ça marche pas, ça veut dire. Donc c'est vraiment qu'il sort dans un niveau là tu peux ramener tous les, à part si tu ramènes des entités des trucs là, mais ça c'est pas comparable. On a entendu qui peut se prendre des coups de poing qui détruisent les planètes et être debout, hein. On a entendu ce que vous avez dit. Je suis d'accord, mais bon, c'est pour moi Goku il a les moyens de détruire. On a entendu ce que vous avez dit par rapport à Hulk et par rapport à Goku. On va prendre deux autres personnes pour faire un autre débat sur d'autres personnages parce que il y a par exemple. Attendez, moi je voulais juste, au début je voulais parler de Thor, c'est ridicule. Mais... Ok, je l'entends, mais là on va changer de personne histoire de faire tourner. Ouais. Histoire de finir. Mais je vous dis, la majorité, ils vont s'assurer qu'ils aient lu alors. Non, non, tu peux juste s'assurer qu'ils aient lu. Dans tous les trois quarts, ils n'ont pas lu. Hein, ils vous ressortiront les mêmes trucs. On demandera Hulk a pété une planète, les 17 millions, ça va tourner quoi, tu verras. On va changer de personnage. On va changer de personnage par rapport à Hulk. Peut-être qu'ils te parleront de Thor, mais. T'inquiète. Attends, mais pour finir, là par rapport à Hulk, Goku qui l'emporte quand même. Ben non, tu vois, t'es fou toi aussi. Toi, ton seul argument, c'est que Goku peut prendre des couilles et détruire des planètes. Ben Hulk aussi. Mais attends, réponds, est-ce que Goku peut détruire Hulk? Oui. Non. Mais c'est... Wow, c'est une mauvaise foi, là. Il a détruit vous. Stop. Comment il fait pour détruire vous, alors? Il a dit non. Débédro, on a entendu ce que t'as dit. John, on a entendu moi, ce que t'as dit. Moi, j'étais bonne foi. John, on a entendu ce que t'as dit. Happy Meal, on a entendu ce que t'as dit. Débédro, on a entendu ce que vous avez dit. Un mot de la fin, Débédro, Happy Meal, s'il vous plaît. D'abord, Débédro. Non, bah, c'est juste ça, ce que j'ai dit. Certes, j'ai reconnu que ce qu'il disait, c'est vrai. Mais pour moi, comme je dis, Goku... Dans un V1, Hulk, il le touchera. Ok, on l'entend. Et Goku peut le détruire. On l'entend. Débédro, merci de ta participation. Tu reviens quand tu veux. Ensuite, Happy Meal, ton mot de la fin, s'il te plaît. Hulk, c'est déjà passé, mais juste pour les autres, assure-toi qu'ils aient lu. Parce que quand tu vas, tu poses des bêtes questions. Est-ce qu'il détruit les planètes? Dis-le, je sais pas, peut-être. Sinon, d'office, que John va toujours avoir raison. S'il dit qu'il peut, dès que John pose des questions, ça, des bonnes questions, en plus. Est-ce qu'il a détruit une planète? Oui, non.
Le mec à côté, il dit, oh, je sais pas, il me semble que j'ai lu que. Ça, c'est de la merde. De plus, qu'ils ont l'air ridicules. Je fais attention. Non, mais ça, avec ça, je suis d'accord avec lui. Et Chim, c'est de la merde. Et qu'est-ce que le gars a fait? Comment, où, pourquoi? Et, voilà. On est d'accord. Mais t'es pas d'accord qu'on fait que Goku, il encule Hulk? Non. Ouais. Non, non, parce qu'il veut pas être bête. Ok, non, il a dit non, il a le droit. T'as le droit. Mais le 4, non, mais remets un autre sondage. Parce que là, lui, il a donné de nouveaux arguments. Moi, j'ai dit le pourquoi. Ça sent mauvaise foi. De toute façon, si le chat, ils aiment déjà des BZ, ils vont dire des BZ. Mais non, ça n'a rien à voir. Arrête. Tu peux pas dire que ça n'a pas influencé. Non, ça influence pas. Si, ça influence, tu sais très bien. Tout le monde aime Hulk. Non, mais. Non, franchement, j'ai pas de mytho. Non, j'ai pas de mytho. Quand Happy Meal, il est venu, il a dit Hulk en un point, il détruit des planètes. Je me suis dit, oh putain, il a peut-être raison. Après, je me suis rappelé que Goku encaissait des coups qui détruisaient des planètes. C'est en fait, ouais, non, Goku, il a l'habitude depuis qu'il est Super Saiyan 1. De Super Saiyan 1 avec Freezer. On n'a même pas parlé du 2-3. Donc je suis désolé, comment tu peux dire qu'il est en truc? Moi, je peux pas vous suivre. Mais en fait, le truc que tu comprends, c'est que ton argument vaut aussi pour Hulk. Il encaisse des coups qui détruisent des planètes. Oui, on est d'accord. Mais Goku, il encaissait ça, il était Super Saiyan 1. Maintenant, il a 2-3. Oui, mais le truc que tu comprends, c'est qu'en colère, il n'y a pas de Super Saiyan. C'est juste, c'est comme tu disais, Hulk, il est déjà en Super Saiyan, tout ce que tu veux, on revient dans 20 ans, s'il y a Super Saiyan, cheveux bleus, bleu fleuré. Non, mais en colère, les Saiyans aussi, quand ils sont en colère, ils sont plus forts. Bah, j'ai pas dit le contraire. J'ai dit, non, les Saiyans, c'est pas quand ils sont plus forts, ils ont une nouvelle transformation. Il n'y a même pas besoin de nouvelle transformation. Juste qu'il est déjà au max. Il est déjà au max. Mais son max. Son max, il équivaut au Super Saiyan 1. Époque Freezer. C'est quoi? Et Super Saiyan 1, époque Freezer. Happy Meal, on a entendu ce que tu as dit. Je vais mettre fin au sondage. Par rapport à tout à l'heure, Goku, il gagnait avec 76%, je crois, un truc comme ça. Maintenant, Goku, il gagne avec 69%. Ça a baissé un peu. Ça a baissé. 68% même. 95 votes. Qui gagne maintenant entre Goku et Hulk? 68% Hulk. Donc, ton avis, il a été entendu. Les gens ont plus, cette fois-ci, voté pour Hulk. Donc, Happy Meal, tu reviens quand tu veux. Allez, à plus, Happy Meal. Je reviendrai pour DC. Pas de soucis. Pas de soucis. Pense à toi. Salut. Salut. Et nous, maintenant, on va enchaîner avec deux autres personnes. On va enchaîner avec Teddy. Teddy qui a dit qu'il était chaud aussi pour défendre Dragon Ball. Et avec... Je suis très chaud. Il est parti ? Ah non, avec Zuko qui a dit qu'il avait... Non, il est là. Par contre, Zuko, t'as pas activé ton micro, donc je peux pas te prendre. Zuko, t'as pas activé ton micro. Il y en a un qui a dit, Hulk, il n'a pas de max, justement. Comment ça, t'as pas de max? En gros, il a un potentiel infini. Ouais, infini. Ouais, bah, donc, comme tous les Saiyans. Zuko, comme t'as pas activé ton micro, je peux pas te prendre. Donc c'est ce qu'on a vu devant Thanos. Avec Habib. Exactement. Habib, toi, tu les prends par deux maintenant? Il y a du monde, hein. Moi j'ai envie de dormir. Ouais, il faut que je m'en fasse un de toute façon. Bloc, c'est du monde. Non, c'est fini pour le Zoom. Hein. On prend plus personne sur le Zoom sauf les membres. Habib, ça va? Ouais, ça va. Par contre, je défends absolument pas Marvel du coup. Ah ouais? Bah, pas du tout. Tu sais quoi? Allez-y, chacun votre tour. Vas-y. Comme ça, c'est clair. On t'écoute, Teddy. Teddy d'abord. Teddy, après, on prend toi. Génération 90. Je vais même pas parler de Goku dans cette affaire parce que Goku, c'est cheaté. On sait tous que ça va être rapide. Je vais juste parler de Vegeta. Déjà, ne serait-ce que Majin Vegeta, il explose Hulk, mais 15 fois par jour. Déjà, Hulk, le problème, c'est qu'il n'a pas d'attaque à distance. On va commencer par commencement. Il va faire quoi? Il va lui envoyer un caillou. Arrêtez, les gars. Arrêtez. Explosion atomic blast, l'autre c'est bon, il est troué, il est mort, à genoux, par terre, en train de baver. Ça c'est faux parce que Hulk, il peut résister. Je peux pas aller plus loin que ça. Hulk qui peut résister à la destruction de planètes, etc. Donc on a entendu ce que t'as dit par rapport au fait qu'il a pas d'attaque à distance, je l'entends, mais par contre ton délire d'explosion il est KO, ça c'est faux. Non, et Atomic Flash ça détruit des planètes, hein. Je tiens à te oui, dire. Oui, et Hulk il résiste donc, à ça, si donc ça c'est faux. Non, il résiste à la destruction de planètes, mais il résiste pas à. Quelque chose qui est au-dessus. Planète. Parce que là, c'est au-dessus. Voilà, c'est au-dessus. Atomic Flash. Tu vois ce que je veux dire? Comment ça, c'est alors, au-dessus? Ça détruit des planètes. C'est au-dessus. Non, mais je veux dire, c'est justement. C'est un niveau au-dessus parce que ça détruit des planètes. C'est-à-dire, c'est pas ça. Des planètes. Non, ça passe pas, votre truc là. Il passe pas. Non, ça détruit la destruction. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ça passe pas. Je vois pas ce que tu veux dire et ça passe pas. Argument suivant. Argument suivant.
argument suivant, bah, tout simplement, déjà, même Vegeta est plus rapide que Hulk. Donc, déjà, et on a vu déjà le combat Hulk contre Thanos. Le mec, il a bégayé. T'as vu ça imagine si. Alors, on a vu ça en film. Parce que t'as pas lu les comics. Dans les films, ils sont tous mangés par Goku et Vegeta. Tous. Bien sûr, on est d'accord. Mais même dans les comics, j'en ai regardé quelques-uns des dessins animés quand j'étais gamin. Il se fait violer. Il n'y a aucun doute là-dessus. Et franchement, déjà. Et Vegeta, il tape 10 fois plus fort. En plus, Vegeta, contrairement à Goku, il n'est pas dans la retenue des coups. C'est-à-dire qu'il va vraiment le démonter sale. Il va l'envoyer en l'air, il va le renvoyer par terre, il va traverser 4-5 planètes, il ne va rien comprendre. Donc, je te le dis, l'histoire, elle est... En fait, c'est le débat, il est débile parce qu'en vrai, il est déjà mort, le mec. Okay. Et l'autre, en plus, le mec qui est avant, il a dit une grosse connerie. Il a dit genre... Son Goku, il a besoin de se transformer. Hulk, il est déjà fond. Et Hulk, mon pote, c'est David Banner. Qu'est-ce que tu me racontes? Il est déjà fond, David Banner. Vegeta lui met une claque, sa tête, elle est derrière lui. Quoi? Ça, il a menti. C'est vrai. Il a menti. Il se transforme en Hulk, je l'entends. Ouais. Voilà. Et alors maintenant, on va dire un truc. Hulk, il se transforme en Hulk pour être Hulk. Mais déjà, à un bout d'un moment, à force de prendre des coups, il va se détransformer, il va devenir David Banner. Et Vegeta lui-même, il sera plus Super Saiyan. Il va lui mettre une claque, c'est la fin du film. Tu sors ça d'où, ça? Ah mais Hulk, quand il prend trop de patates, il se détransforme. Ça, c'est, tu sors ça d'où? Mais non, mais me dis pas que je sors ça d'où. Tu sais très bien que Hulk, je ne c'est sais David pas. Banner. David je Banner, c'est non, Hulk. Stop. Que Hulk, là, tu redeviens David Banner. Là, tu dis de la merde. Là, très bien que Hulk, mais non, mais n'importe quoi. David Banner, c'est Hulk. Mets pause. Ouais. Dans les films peut-être, mais dans les comics, là, tu dis pas de souvenirs comme ça. Après, c'est peut-être pas faux. Ah non, tu peux pas dire n'importe quoi, on sait pas. On sait pas, vous pouvez pas vous dire. Pas. Et... On peut pas dire, c'est faux. Il y a peut-être des comics où effectivement, ils se mangent des patates, ils redeviennent Banner en 12 secondes. Bon. Donc, on entend ce que tu dis, Teddy, mais là, t'es un peu trop fan de DB et tu dis un peu de. Non, moi, je suis d'accord avec toi. Non, tu dis ça parce que j'ai acheté les produits dérivés. Mais... Oui, exactement. C'est exactement pour ça. Non, mais en vrai, de vrai, déjà, si on prend la base, il suffirait juste que Vegeta, il croise David Banner, il lui mette une droite, l'histoire serait réglée. On entend. Parce que sans David Banner, il n'y a pas Hulk. On entend ce que tu dis, mais je prends un truc tout simple. Le Hulk de World, il est tout le temps en mode Hulk. Donc, on entend ce que tu dis, mais ça marche pas ton truc. Mais oui, si Vegeta il prend David Banner, oui, je suis d'accord. On entend ça. On est d'accord. Après le Hulk de World War, je vais laisser parler mon collègue parce qu'il y a que moi qui parle. Vas-y, défends-nous, toi. Qui, moi? Non, justement. Je crois qu'il s'amuse le temps que tu finisses et après, on le prendra après. Non, vas-y, non, mais non, laisse-moi enchaîner, on va faire une alternance, là, je le sens chaud, là. Ça ne marche pas comme ça, ici. Je vois où tu vas en venir. Tu commences à parler Caris et tu as besoin d'aide. Donc non, t'as très bien parlé. Ce que t'as dit, c'est très clair. Et après, et là, dis-toi que j'ai juste pris l'exemple de Vegeta, c'est-à-dire que j'ai downgrade, j'ai pas pris Goku. Et si on prend Goku, je t'explique, le débat, il n'existe même pas, parce que comme ils ont dit, à coup de déplacement instantané et tout, les mecs, ils vont canner. Déjà, Hulk, il vole pas. Déjà, il a un désavantage, il vole pas. Vegeta, il le prend, il encaisse ses patates, il l'emmène n'importe où il canne, il le canne, c'est tout. C'est vrai, ça, Hulk vole pas, les gars. Bah ouais. Et il l'emmène dans l'espace, il lui met une droite, il l'envoie. Non, arrête, les Saiyans, ils restent pas dans l'espace. Les Saiyans ne restent pas dans l'espace. Ouais. Une seconde. Logan, allô. Ça dépend lesquels. Attends, Teddy. Logan, allô. Ouais, allô. Logan, on t'écoute. Comment ça va, Logan? Ça va bien avec vous? Ça va super. Est-ce que tu peux? T'es venu défendre Hulk, c'est ça? Ou défendre Marvel, en tout cas? Non, mais Logan, on l'a pas eu déjà? Non, je suis pas venu. Ah, bah, attends pour moi. Ah, c'était hier, putain, excuse-moi. T'es venu défendre Marvel, on est d'accord? Ouais, là, je suis venu défendre Hulk. Est-ce que tu peux rappeler ta génération? Déjà, David Banner. Attends. D'abord, ta génération, s'il te plaît. Ensuite, on t'écoute. Mais concis par rapport à Hulk, parce que j'avais dit qu'on arrêtait de parler d'Hulk. Mais concis, vas-y. Ah ouais, vas-y, je vais faire concis de ouf. Attends, d'ailleurs, ouais, t'as lu les comics, on est d'accord? Ouais, de ouf. Combien? Combien? Environ. Comment ça? Environ. Plus d'une centaine, hein. Facile. Hein. Ah ouais, tu t'es tué. On t'écoute. Non, ouais, je me suis tué, vraiment. Et... Donc du coup sur Hulk, bah déjà je voulais dire par exemple, bon déjà j'ai une carte triche, ça veut dire je la sors, je gagne automatiquement. Vous voulez que je finisse Sors là, ce qu'on va faire c'est que tu sors ta carte, si ta carte marche pas, dehors. On t'écoute. Exactement. Attends, je te l'envoie en lien, discuter. C'est encore mieux. Ouais, tiens. Mais déjà tu veux pas défendre Hulk, tu t'appelles Logan. Et alors c'est pour ça que Logan retourne Hulk.
Deux minutes. Vas-y. Jusqu'au pilien, et c'est bon. Ok. Alors. Si. Attends, non. Les gars, en attendant, likez, abonnez-vous, c'est important, likez. Moi, je sens qu'il va nous sortir un truc bidon, ça va nous faire marrer. Non, si, ah, c'est bidon, si c'est bidon, ça sort. Et ensuite, on prend la personne suivante, tout simplement. Attends, c'est bon, je l'ai. C'est bon, j'arrive. Ah, vas-y. Et ensuite, après, on va continuer à prendre les gens par plusieurs. Comme ça ira plus vite et même pour vous. Je tiens à dire qu'il y a des choses qui sont apparues dans les commentaires. Les Saiyan God peuvent respirer dans l'espace et Broly peut respirer dans l'espace. Je dis ah, ça, mais je t'inquiète, dis... le Hulk que j'ai, il peut aussi. T'as mis le lien où? Non, tiens, j'ai pas le lien, mais je l'ai mis sur le truc. Tape ça sur Google. Tape ça sur la barre de recherche et tu verras. Ok. Immortal Hulk 25. Il mange beaucoup. Prends le premier site. Récemment. Le premier site, ou même tu vas sur images, hein, les images parlent d'elles-mêmes. Hein. Ah ouais? Comme ça, tout le monde peut voir. Ouais. On va voir ça tout de suite. Hein. Je montre ça en même temps. Ça joue au coup de Google maintenant. Voilà. Tac. Ah, il a le droit. Il hein. y a quoi d'extraordinaire là? Quand il explose les planètes là? Ouais, déjà après, Hulk. C'est quoi ça? Laisse-le parler. Vas-y, on t'écoute. Bah, Hulk, ça devient une entité cosmique. Dans le comic, c'est le Immortal numéro 25 d'Immortal Hulk, sorti en 2019. Arrête-toi là. Laisse-le parler. On a dit on le vire, c'est n'importe quoi. Il a dit identité cosmique. Alors, on parle pas des trucs cosmiques. Merci, au revoir. Mais pourquoi Hulk, non. Si Hulk il a entité réussi. Cosmique. Si Hulk, d'accord. Si Hulk mais, il a attends, réussi à monter Marvel, au niveau Marvel, entité cosmique, Marvel. C'est pas notre faute. Hein. Marvel, tu peux non, ça. Non, il a raison. Si Hulk il a réussi à atteindre le niveau entité cosmique, ça compte. Oui, Goku, il a réussi à atteindre le niveau dieu. Oui, quand il est en God. Logan, ça n'a rien à voir, c'est pas un Logan, dieu dans le sens ça où, compte. Où il est omniscient. Ça compte. Non, mais c'est Logan, pas un niveau de voilà, merci. Pas... Bah, c'était, pour moi, c'était une carte pour... triche. Logan, un peu. Ça compte. Non, mais pour moi, c'est n'importe Logan, quoi. Oui, moi, franchement, c'est pas mon préféré. On met Xeno. Regarde, le mec, il met des patates à des planètes. Bah oui, mais il a gagné. Stop. C'est de la malhonnêteté. Non, ça compte. Logan, comment il a fait pour devenir... Regarde, il y en a, c'est comme Batman quand il devient une divinité. Stop. Dans ce cas-là, Batman nique tout le monde. C'est n'importe quoi, Logan, arrête. Logan, ça compte. Ok, ça compte. Ok, non, mais vas-y, fais compter ton bail, il n'y a pas de souci. Non, mais si, ça compte, c'est fini. Le débat Mais c'est... Non, c'est pas fini. Pourquoi tu veux que ce soit fini? Dans ce cas-là, on va sur Goku. John, il sait pourquoi c'est fini, regarde sa tête. John, il a compris, lui. John, il a compris. Dans ce cas-là, on repart sur Goku. Dans Dragon Ball, c'est quoi la divinité? C'est Dragon Ball. On est d'accord, Goku, il absorbe les Dragon Ball à la fin de Dragon Ball GT. Donc, il prend aussi le statut de divinité. Donc, si on parle là-dessus, j'ai envie de te dire que le combat, le problème, c'est pas... Non. Le problème, c'est pas les stats. Le combat, il redevient équitable. Et au final, c'est toujours la même chose. Hulk ne touche pas Goku. C'est faux. Non. Le problème, c'est pas que tu as le titre d'entité cosmique ou pas, c'est la puissance qui est associée à ça. La puissance qui est associée à ça. Non, mais on peut pas comparer. On peut parce comparer. Que c'est n'importe quoi. Sinon, non, mais là, c'est n'importe quoi. Sinon, on dit quoi? Sinon, on dit ça. Ok, comment il est devenu entité cosmique? Explique-nous, c'est Logan. C'est ça la question que j'ai posée. Il a la attends, puissance, Logan, parce qu'il a la répondre. Vitesse. Stop, Logan, attends avant de répondre à la question. Réponds à ça. On peut. Premièrement, déjà, comme j'ai dit tout à l'heure, on peut. John, il est de mauvaise foi parce que depuis tout à l'heure, à chaque fois qu'il y a un truc, mais dans super, mais dans machin. Donc, on peut. Ça compte, Logan. La comment question il est que devenu? Je t'ai posée, Logan, c'est comment? Et c'est moi qui pose les questions, John, parce que toi, t'es mauvaise foi. Moi, je suis neutre. C'est moi qui pose les questions. Donc, Logan, s'il te plaît, comment il a fait pour atteindre ce stade-là? Alors, je crois que de base, hein, dans mes souvenirs, c'est sur un univers parallèle où il est devenu comme ça parce qu'il avait combattu un autre dieu. C'était, déjà, il faut savoir qu'il est mortel dans ce comics. Okay. Et il avait combattu l'autre dieu. En fait, tu as deux super dieux, on va dire. Tu as celui qui est au-dessus de tout. C'est un peu une allégorie de Stan Lee pour dire qu'il contrôle tout l'univers Marvel. C'est quoi, c'est quoi le nom de la BD là? Du comics, s'il te plaît. De quel comics? Dans lequel il devient comme ça. Dans lequel il devient comme ça. Et je te l'ai donné. C'est The Immortal Hulk numéro 25. Ah oui, 25. Je suis un ouf. Oui, bien vu. Attends, remonte l'image, s'il te plaît, parce que, ok, il détruit des planètes d'un coup de poing. Non, stop. Il marche, le problème, c'est pas qu'il détruit des planètes d'un coup de poing, machin, c'est qu'il a réussi à atteindre le stade d'entité cosmique, et tu sais très oui, bien que tout à mais l'heure, alors, on mais quoi, il fait quoi on oui, dit... mais il fait quoi avec oui, ses capacités? Oui, mais c'est moi qui pose les questions. Oui, pose les bonnes questions. Pose les bonnes questions. Il fait quoi avec ça? Il fait quoi avec ça? Stop. C'est moi qui pose les questions. Goku aussi, il atteint le stade. Attends, Teddy.
Le problème qu'on t'a dit, Teddy, c'est pas le fait qu'il ait atteint la nomination JT Cosmique, c'est la puissance qui est associée. Première chose. Deuxième chose, c'est que dans les comics, le John, on l'a dit encore une fois au début, les lives sont enregistrés, John ne me fait pas à retourner dans le live. Si il y a un personnage qui a atteint le niveau entité cosmique dans DC, il bouffe Vegeta et Goku. Ça, on l'a dit, c'est acté. C'est voilà, enregistré. Dans Marvel, on a dit Marvel. Non, on a dit on compare pas. On n'a pas dit qu'il les bouffe, on a dit on compare pas parce que on ça. On compare c'est... pas. Pourquoi? Parce qu'ils sont à un niveau au-dessus. On l'a dit. Sauf que Hulk, je remets le contexte. Hulk, si il a atteint ce niveau-là en se battant contre quelqu'un, ça passe. Donc, ce qu'on va faire, tout simplement, c'est qu'on va aller fact-checker. On va aller. C'est quoi ses capacités dans ce niveau-là? Attends. On va aller... il marche, il détruit des planètes juste en les touchant. Bah, du coup, il n'a pas besoin d'identité pour faire ça. Stop. Il fait match avec Galactus, des Célestes, qui tu veux. Et ouais, Goku, il fait pas match pas. Avec des Célestes. Si, si, il est enculé. C'est faux, c'est faux. Tu le sais, John, c'est faux. Non, 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 c'est faux. C'est faux. Non, non, c'est faux. Eh les gars, vous êtes de mauvaise foi. Vous avez pas fait match avec Goku, encule Galactus. Là, ce qui va se passer. Oh là là, non, tu mens. Logan, on t'a entendu. Teddy, on t'a entendu. Je vais vous laisser conclure, vous. Si. Moi, pendant qu'on va prendre la personne suivante, je trouve que, comme tu l'as dit, dans Immortal Hulk 25, The Breaker of the World, là, Hulk a atteint ce niveau-là, Hulk aura gagné le débat. Sache-le. Mais non, mais non. Logan, mot de la fin, s'il te plaît. Hey, Kikou, ça veut rien dire, stop, il stop, est partiel. Stop. Logan, mot de la fin, s'il te plaît. En vrai, c'est le Hulk le plus puissant, le plus cheaté. Je l'ai sorti pour dire qu'il était plus fort. Mais ça ne veut pas dire forcément c'est le meilleur Hulk. Et la puissance, voilà, ça fait pas tout. Il y a aussi l'histoire. Parce que, en vrai, je l'ai sorti, mais je voulais pas parce que je trouve que Hulk-là, c'est un peu de la merde pour moi, en termes de narration. Mais il existe et il est plus fort. Je te remercie. Tu reviens quand tu veux, Logan. T'es dit, mot de la fin. Puissance John, en dit John, stop. Logan, déjà pour te répondre, je vais te citer une pub de Pirelli qui dit que sans maîtrise, la puissance n'est rien. On l'entend. C'est important que tu notes. Et ensuite, la deuxième chose, sache que dans Dragon Ball, il y a les fusions. Moi, je dis ça, je dis rien. On n'a pas dit les fusions. On n'a pas dit les fusions. Non, on ne parle pas de ça. Fusion potard. On l'a pas dit. On l'a pas dit. Pourquoi vous parlez pas de fusion alors qu'on parle d'entité cosmique? Non, parce que là, c'est Goku Vegeta. Exactement. Et là, c'est. Non, Goku Vegeta, ils fusionnent ensemble. Oui, enfin, oui, là, c'est un truc. Mais non, on va pas aller là-dedans. On va pas aller là-dedans. Sinon, c'est infini. C'est infini. Non, t'as dit, moi, je suis d'accord avec toi. Son délire d'entité cosmique. Et alors, il fait quoi l'entité cosmique? Il détruit les planètes? Pourquoi pas de ça? Stop. En fait, son niveau entité cosmique, ça veut dire c'est niveau dieu. On est bien d'accord. On est bien c'est d'accord. Pas non, ça Kikou, je te veut pose dire. La question. C'est des... Non, c'est ça veut dire quoi, Kikou? Explique-nous. C'est des niveaux de puissance dans l'univers Marvel. Et tu le sais parce qu'au début non, de live, on a dit ça. Explique-nous, oui. Explique-nous, factuel. Kikou, on t'écoute. Teddy, tu reviens quand tu veux. Ah, ça va T'as dit ton mot de la fin? T'as dit ton mot de la fin? Il veut pas répondre à ça. Écoute, mon mot de la fin, c'est que Goku, il a aussi atteint l'entité cosmique parce qu'il a le Super Saiyan God et qu'en plus de ça, il a même des niveaux au-dessus, à savoir Ultra Instinct, Ultra Ego, etc., etc. Après, voilà, ce sera mon dernier mot de la fin. Mon mot de la fin, s'il te plaît, Kikou, ce sera que vous êtes de mauvaise foi. Pas moi. Non, pas toi. Je parle de lui et de Logan. Pas de souci. Quand ça demande des explications, ça veut pas dire. On entend ce que t'as dit, tu reviens quand tu veux. Ah les gars, à plus salut, tard. Salut Teddy. Allez, à plus. Salut. Ok, donc, là pour, entre guillemets, restructurer le jeu. Premièrement, je ne suis pas de mauvaise foi, dans cette histoire je suis neutre. Si. Vos histoires de Hulk, machin, j'en ai rien à faire. Moi ce qui m'intéresse c'est faire du bif. Ensuite, on l'a dit au début du live, John, le stade entité cosmique, on ne le met pas dans le débat. Pourquoi? Non, on a dit le stack des gens qui sont omniscients. Tu sais que tout est enregistré, John. Tu le sais. Ouais. Mais sais. Ça veut dire quoi, entité cosmique? C'est quoi les capacités? Moi, c'est ça que j'ai envie que tu m'expliques. Non, le problème là qui est en train de se passer, c'est que déjà, premièrement, comme je t'ai dit, je vais montrer ensuite le lien pendant que la personne d'après va parler. Et le problème, c'est quoi? C'est que tu étais bien d'accord tout à l'heure pour dire oui, c'est vrai. Maintenant qu'on t'a donné un exemple mais qui a atteint ce stade-là, stop. Mais parce attends, que toi, attends, moi j'ai dit oui, c'est vrai, mais attends, t'as dit si on peut comparer. Attends, dans ce cas-là, explique-moi, c'est quoi ses capacités? Attends. Au début, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit on compare pas aux entités. Pourquoi on a dit ça? On a dit ça pour deux raisons. On a dit parce que ça devient n'importe quoi. Des fois, t'as des mecs qui sont omniscients. C'est ça. Ils ont pas de corps physique. Ils ont aucun corps physique. Donc, effectivement, là, tu vas pas se taper dans le vide.
Exactement. Là, mais ils sont pas exactement. Tous comme ça. Et aussi, on a dit quoi? On a dit parce que ils sont des niveaux de Xeno, etc. Et il n'y a pas match. Il n'y a pas match. On a dit si tu dois les trucs, tu les mets avec des Xeno. Exactement. Voilà, on est d'accord. Vous avez tous entendu, il vient de le redire encore, sachant qu'il a dit. Je l'ai dit. Donc, oui. Si Hulk atteint ce stade-là, on est d'accord qu'il est au niveau de Xeno, etc. Mais c'est ce que mais tu viens de dire. Non, attends, c'est quoi ce stade-là? Réponds à ma question d'abord. Non, ta question, c'est faux. Ce que tu dis, ça n'a rien à voir. Pourquoi? Tu sais, je me dis, Hulk atteint ce stade. Mais là, c'est le stade de qui? Est-ce qu'il est au niveau Galactus qui est... moi, j'en sais rien. Là. Tu me dis les entités cosmiques. Comment il est devenu comme ça? Bon, on nous dit qu'il a battu un mec de ce niveau-là. Et les gens dans ce qui les veut dire, finalement, ils sont prenables. Non, ce qui veut dire qu'ils sont prenables. Que si Hulk normal a niqué une entité cosmique, c'est-à-dire qu'en fait, Goku peut niquer les entités cosmiques. Ça veut dire ça. Par rapport à ce que tu dis là, t'as raison. Ça veut dire que si Hulk il a réussi, ça veut dire qu'ils sont prenables. T'as raison par rapport à ce point-là. Ouais. Les gens dans les commentaires qui disent ah bon, donc les Kaioshin sont plus forts que Goku. Arrêtez de faire les forceurs. Ils ont raison, ouais. Arrêtez de faire les forceurs. Non, parce qu'on parle pas, et tu le sais. Non, on parle pas de ça. Ouais, je vois, là, j'ai compris. On parle pas du titre, on parle de la puissance. On parle pas du titre, associée. On parle de la puissance associée. Exactement. Et c'est pour ça qu'encore une fois, je le répète, pendant que la personne suivante va venir et parler, je vais aller montrer. C'est ce que j'ai dit à Logan avant de le laisser partir. Je vais aller regarder là tout de suite en direct par rapport aux comics, comment il a atteint ce stade-là, c'est quoi ses capacités. Si c'est cohérent, il a battu Goku. Si c'est pas cohérent, non, c'est ce que j'ai dit. Non, mais tu viens de me dire que j'avais raison dans le sens où si lui, en étant son stade normal, il a niqué une capacité cosmique, Goku peut le faire. Donc, ça dépend de comment il a gagné. C'est ce que je vais vérifier là tout de suite. Il a gagné la bagarre. C'est ce que je vais vérifier là tout de suite. Ok. On est bon ? Ok. Voilà. Ok. Je le rappelle encore une fois. Je suis neutre dans cette histoire. J'essaie simplement de cadrer le débat pour qu'on puisse avancer. Il y a un mec qui dit qu'apparemment son immortal Hulk il se fait prendre des patates par Vision. On va regarder ça tout de suite. Tu peux me laisser le temps, s'il te plaît. Vas-y. S'il te plaît. Ok. Ouh, on a réussi à se sortir et on peut avancer dans votre débat. Bon, il est Osef, on va pas se mentir. Ah, mais ça fait des vues. Donc, partagez, likez. Exactement. Maintenant, on va enchaîner avec Himself, il est membre lui, je crois. Il était passé membre à un moment, Himself. Himself, je crois qu'il est membre, j'ai vérifié tout de suite. Non. Il me dit un truc. Kiku explique pourquoi il se prend des patates alors ton entité cosmique. doucement. Himself, il est membre. Ok, donc on va enchaîner avec Himself, où est-ce qu'il est? Il est là. Entité cosmique, oh non, je prends des patates. Himself, allô. Allô les gars, ça va ou quoi? Comment ça va? Tranquillement. Hein. Avant de commencer, est-ce que tu peux nous donner ta génération? Ensuite, nous dire déjà, t'es venu pour parler, pour défendre qui? DBZ ou Marvel? 90 et aucun des deux en vrai, parce que c'est un débat un peu stérile. Bon, pendant que tu fais ta Zumba philosophe neutre, moi je vais chercher les sources. Vas-y, on t'écoute. Allez, vas-y. Ben, moi en fait, quand vous dites ça, moi le seul truc que j'ai regardé un petit peu. Moi j'ai pas lu de comics, tout ça, et je m'en branle un peu. Mais j'ai regardé un peu. Et en vrai, si tu regardes un peu dans les univers, etc., Deadpool, il fume tout le monde, en fait, vu qu'il ne peut pas mourir. Non, c'est faux. On a déjà parlé de ça. Non, ouais, mais il ne peut pas mourir. Le mec, il a écrit... Non, mais il a écrit factuellement que le mec ne peut pas mourir. Comment? Oui, et factuellement, c'est faux. C'est pas faux qu'il ne peut pas mourir. C'est pas que... Il est immortel. Ben voilà, bah en vrai... Ce qui est faux, c'est que c'est pas parce qu'il est immortel qu'il ne peut pas être battu. Oui, mais c'est pas ce que je suis en train de te dire. Je te dis, vas-y, Goku, il va le marave. Il va revenir. À un moment donné, Goku va être fatigué. Non, c'est fini. Stop, c'est fini. Il a gagné. C'est non, fini. C'est cool. Goku, ah, ok, d'accord. On parle pas de. Ouais, ok, d'accord. C'est genre, le gars, il se fait niquer, c'est terminé. Ouais, c'est terminé, voilà. Bon, vas-y. En vrai, alors, Goku, il gagne dans tout. Merci. Il gagne dans tout. Ton avis, son merci, temps. Merci. Merci, je suis tellement d'accord avec toi. Il gagne dans tout. Il n'y a même pas de débat. Même Vegeta. Non, mais là, tu dis ça parce que. Et c'est ce que les gens vont dire, et je suis le premier aussi à le dire. T'as pas lu les comics, donc tu peux pas vraiment voir la puissance des personnages. Si. Non, mais qui lit les comics ici? Faut rater ce mytho. Il y a beaucoup de gens qui ont lu les comics. Il y a beaucoup de gens qui ont lu. Moi, j'en ai lu certains. Ouais, certains. Certains. Ah, mais tu peux pas tout lire les comics parce qu'en fait, voilà. Il y a 70 versions de. Oui, ouais, c'est Superman, ça le problème. Ouais, c'est 48 ça, moi... versions de je sais pas qui, à mon avis. Ouais, en fait, il y a des mecs qui vont lire les trucs les plus populaires, vraiment, qui ont fait le buzz. Mais sinon, ouais, il y a un mec qui peut te sortir. Ouais. Non, j'ai regardé ce comics non canon ou nanani. c'est ça qui est compliqué. Parce que moi, j'ai vu aussi des trucs, je sais pas, je suis un mec sur je sais plus quel réseau là, il s'appelle Clark Kent, je sais pas quoi.
Il sortait des trucs, ouah, laisse tomber. Des mecs, c'est des dieux qui regardent tout. Lui, il appuie sur un bouton, il tue tout le monde. Frère, tu vois, si t'arrives comme ça, en vrai, je t'ai dit, Goku, il nique tout le monde, en vrai. On va pas se mytho, Goku, même Vegeta, il nique tout le monde. Je suis d'accord avec toi. Et c'est pas dans l'univers Dragon Ball, en vrai, même là, tous les super-héros. Confondu, moi aussi, je pense qu'il nique tout le monde. C'est comme là, je suis sûr que Kiku, il va avoir, il va regarder le truc de Hulk. Tu vas voir une pirouette scénaristique où on va dire « Ouais, lui, en fait, il a fait ça. Après, il est rentré dans le corps d'un dieu. » Tu crois que la pirouette de l'ultra-instinct, machin, tout ça, c'est pas des pirouettes scénaristiques ? C'est de la merde. Non, mais moi, je parle même pas de DBS. DBS, en vrai, c'est de la D. Je vais pas vous mentir. Voilà. J'ai regardé ça aux F. Même le Super Saiyan 3, en vrai, il défonce tout le monde. Ah bah oui. C'est tout. Même pas besoin d'aller dans God ou Blue, mais... Ouais, moi, je suis d'accord avec toi. Je me suis servi de DBS, là, parce que ça servait ma paroisse. mais en vrai, j'ai même pas besoin d'aller là-bas. Oui, moi, je suis d'accord avec toi. Ok, ça s'entend. Je vais laisser passer les autres. Pas de souci. En tout cas, merci himself. Ouais, même pas. En vrai, on sait très bien que ces débats-là, Saitama, je sais pas quoi, nanana, c'est des trucs un peu... Ouais, bon. Ça fait après, vous voulez faire du bif. Je comprends. Les gens, c'est les premiers à dire. Les gens, c'est les premiers à dire, ceux de débat aux F, on s'en fiche, on est 280. Oui, mais j'aurais fait pareil, non, mais je suis pas dedans, non, t'inquiète, je comprends. Alors, likez, il n'y a pas assez de likes et abonnez-vous, c'est important. Exactement. En tout cas, merci himself. Yes, les gars. Ton avis éclairé. Yes, on se dit à la prochaine, les gars. Ciao. Salut. J'ai pas trouvé exactement le truc, en gros, je trouvais un résumé. Tac, c'est où ? En gros, il a fait un truc avec, comment il s'appelle là ? Avec Vision, ensuite il a absorbé ses pouvoirs, je sais pas quoi. Bref, ça passe. Comment ça, ça passe ? En gros, c'est pas sorti de n'importe quoi. En gros, il a eu une pierre d'Infinity ou un truc comme ça là ? Non, non, c'est pas ça qui est dit. C'est qu'en gros. Comment il a tué l'entité cosmique ? C'est ça que nous avons. Il s'est fait Vision. Apparemment. Ouais, Vision aux œufs. Tac. Ensuite, il a pris. Je sais pas, il a absorbé son truc. Et je comprends rien à vos comics. Bon, bref, on va dire ça compte pas. Ah, non, ça compte. En plus, il est pas canon, apparemment. Ça compte. Jusqu'à preuve du contraire, ça compte. Ça compte donc, pas. Ce que tu n'es pas capable de me dire, c'est quoi ces putains de capacités. Stop. Jusqu'à preuve du contraire, ça compte. Ah non, ça compte pas. S'il y a des gens qui sont courants, machin, ou s'il y a des gens qui ont un lien précis dans le chat, là, sur le live, qui explique machin et qui dit non, en fait ça compte pas parce que page, envoyez-le. Ah, je crois qu'on voit pas les liens dans le chat. Putain. Bref, envoyez le lien quelque part si vous avez un contre-argument. Jusqu'à preuve. Notre politique, c'est quoi ici ? Non. Jusqu'à preuve du contraire, on a raison. Non, parce qu'on sait pas comment il a eu le pouvoir. Tu me dis, il a niqué Vision, mais Vision, c'est un random. Ouais, je sais rien, moi. Tu vois sur les images qu'il absorbe son truc. Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Bah oui, t'as un problème. J'ai pas lu le livre. Non, parce que l'autre, Logan, il est venu, il nous a dit n'importe quoi, il nous a sorti un truc qui est sorti de je sais pas où. On voit Hulk géant, c'est pas ça, c'est quoi ses capacités en tant qu'entité cosmique ? Parce que tu peux être une entité cosmique et être de la merde. Tu vois, tu peux juste être grand. Parce que Hulk peut absorber de l'énergie. Apparemment, il dit Pavini testé. Tac. Et c'est comme S-Fire qui dit, il a raison, il y a 10 000 comics et maintenant tu parles canon, pas canon. Ouais, c'est la mauvaise foi de ouf. Mais bref. C'est pas le sujet. Nous, on va enchaîner avec Pierre. Toc. Il est niveau Pierre. Dende. Ouais. Pierre, allô. Comment ça va, Pierre ? Allô. Comment ça va ? Je rentre dans le bourbier. J'espère que t'es là pour défendre la femme invisible qui apparemment serait plus forte que Goku. T'es là pour défendre qui, Pierre, s'il te plaît ? En vrai, je suis là pour défendre personne. Enfin, la Suisse. Un peu la Suisse, parce qu'en soi, moi, j'ai vu que des BZ. C'est bien. Donc, ok. Donc déjà, je connais même pas tout ce qui est Ultra Instinct, etc. Ok. Et j'ai pas lu les comics, donc je vais parler de... Enfin, moi, ce qui m'est venu en tête dès le début, avec tout le lore que j'ai recherché en général, vu que je suis quand même fan de super-héros. Ok. Et selon moi, ceux qui peuvent tester avec Goku Vegeta, c'est en gros... une grande partie des mutants Oméga. Donc ça va être Xavier, le Phénix. En eux, on les a éliminés dès le début. Pourquoi ? Parce qu'on a dit résistance au pouvoir psychique des Saiyans. Après, ils ont pas que ça, tu vois ce que je veux dire ? Ouais, ils soulèvent des objets, tout ça. C'est sympa, les Freezer le faisait aussi. Je veux dire, du coup, par exemple, le Phénix, bon, on a eu un aperçu dans le film, je veux dire, elle transforme les trucs en poussière, là.
Oui, mais Enfin, je le vous truc, trouvais. le problème avec ces trucs-là, c'est que j'ai un pouvoir qui te désintègre. En mode. Ouais. C'est pas vraiment du. Enfin, c'est un Procheater. pouvoir, oui. En fait, c'est pas que c'est trop cheaté ou pas, c'est que c'est pas de la bagarre. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Tu prends les Ouais. pouvoirs de Doctor Strange, il les utilise pour se battre. Ça, c'est. C'est comme si tu me dis j'ai le Death Note. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Ou j'ai Après, le sinon, Gank. après, il y en a des autres, des Oméga qui sont encore plus puissants, apparemment. Donc, je pense que dans cette catégorie-là, bon, c'est peut-être un peu trop cheaté, mais je pense que ces mecs-là, comme X-Man ou Franklin Richards, je pense que ces mecs-là, ils les testent, quoi. Je vois pas du tout de qui tu parles, Franklin Richman. C'est qui, c'est quel super-héros ça? Franklin Richards, je crois que c'est le descendant de. Bah, ou le fils de la femme invisible et du Mister Fantastique. Donc la femme invisible, t'es en train de me dire, elle teste Goku? Comment? Allez, dis-moi, s'il te Mais plaît. non, c'est leur fils. Leur fils, il a le pouvoir invisible aussi, j'imagine. Non, il a au taquet de pouvoir. Hein. C'est Ouais, comme une quoi? dinguerie. Bon, après, il faut regarder sur les Bah, trucs. c'est ça le problème, tu peux pas venir là, tu me dis que tu sais pas. Faut regarder. Mais non, mais je t'ai dit que j'avais pas lu les comics. Moi, j'ai regardé avec les lore et tout ça. Mais c'est un mec qui est super puissant, quoi. Moi, ce que je propose, c'est qu'on prenne Zuko en même temps, qui a réussi à activer son micro. Comme lui, il a eu les comics des terres. Apparemment, depuis tout à l'heure, il voulait défendre les comics. Donc, Zuko à l'eau. Comme ça pourra, entre guillemets, équilibrer tout ça. Zuko, tu nous entends? Zuko, allô, allô? Est-ce qu'il est là? Zuko, 1, 2, 1, 2. Bon, bah, dommage. Apparemment, il n'est pas là. Donc, Pierre, on te laisse conclure, sauf si tu avais des trucs à rajouter. Non, après c'était tout quoi. C'est vrai que c'est un peu un débat, je trouve c'est un peu un débat aux zèves, genre un Tous peu un ces débat de débats-là sont sourds. OZEF. Non, C'est de non, Joseph de ouf, quoi. c'est pas un débat de sourds. Mais c'est OZEF. Mais c'est Bon, pas un avec débat de John un sourds. peu quand même, j'ai l'impression. Oui, mais c'est pour ça que je suis là. Mais non, c'est pas un débat de sourds. Hein. Moi, si tu me donnes les arguments, il n'y a pas de souci, je le concède. Mais si tu dis de la merde, tu peux dire oui. Ah Tu ouais, peux me bon, le dire. en vrai, Franklin Richard, en vrai, je crois qu'il est hors contexte parce qu'il est omnipotent. Ah, d'accord, c'est ouais, c'est le mec, il est partout, quoi. Ok. Ouais, bah, il peut créer des univers, il est mortel, etc. Oh, bon. Ok, ça s'entend. Ça s'entend, ça Mais en s'entend. gros, c'est le truc de Mutant Omega, quoi. Et En bah, vrai. Pierre, tu reviens quand tu veux, bien évidemment. Allez. Salut, À la salut. prochaine. Et John, il y a une À question plus. très pertinente qui a été posée dans les commentaires, c'est est-ce que ton manga, lui, il est canon? Quel manga, les canons? Ton Ils sont manga que tous... t'as... Le Ouais? manga que t'as dessiné, il est canon, lui? Les mangas... D'ailleurs, lol. Je sais Tu pas. parlais de DBS, bien sûr Non, que non, c'est non, non, canon. non, non. Donc, comme il n'est pas là, Zuko, nous, on va enchaîner avec... Avec, attends, je Tac, regarde tac, s'il y tac, a tac, des tac, tac. abonnés. Non, j'ai la liste Non. devant moi. Il n'y en a plus. Ah bah, Zuko, il a dit, j'arrive. Où est-ce qu'il est? Ah bah, il s'est barré. Ok. On va faire un Haribo contre Zuko quand Zuko y revient. Comme Haribo, lui, il a dit qu'il veut défendre Marvel. Et en attendant, on va prendre... GTO, il est parti. Foreign, il est parti. Le 222e, il est là. Là. Donc on va prendre le 222e. Le 222e, allô, allô. Allô? Comment ça va? Bien et vous? Ouais, Super. ça va super, hein. Avant de commencer, est-ce que tu peux nous rappeler ta génération, nous dire qui t'es venu défendre et nous dire est-ce que tu as lu les comics? Alors moi, je suis le 2002 que vous aimez bien gifler. Je suis en ouais, du coup je suis 2002. Est-ce que j'ai eu les comics? Vite fait. Je Ok. connais bien les X-Men. Et le Ok. reste, j'ai lu quelques events, mais c'est bon, je ne connais pas trop non plus. Ok. Et t'es venu défendre quoi? Personne, je pense que c'est un débat. Je suis la Suisse encore une fois. Suisse encore? Ok, vas-y, Encore les t'as Zuko. Suisses. Je pense que sans... En fait, tous ces débats-là, c'est les... Je crois que c'est les gens, ils aiment pas Dragon Ball. Ils veulent absolument que Goku perde. Et en fait, dans chaque débat, Saitama, Superman, je sais pas quoi, ils inventent un scénario. Pour Bah, c'est désavantager Sangoku, par rapport à ce que tu pour dis, que. moi En tout cas, c'est ce que je comprends. je pourrais tout de suite te couper en te disant les gens qui aiment Goku, pour eux, comme c'est ils aiment Goku, c'est le plus fort de tous. Ça marche dans les deux sens. Non, non. Lui, Si, j'ai si. compris ce qu'il veut dire. J'ai compris Et même aussi ce qu'il veut dire. Ça dans la marche dans les vidéo deux de sens. Alcor, Voilà, lui. il utilise des Ouais. critères de Marvel pour juger la force de Son Goku et Vegeta.
Et c'est, c'est pas qu'avec Dragon Ball, c'est avec plein de trucs, genre Batman, tout ça. Ils aient... Genre, là, par exemple, l'argument du. Ouais, il réfléchit à un plan. Ouais. Ça, c'est contre n'importe qui quoi. C'est... Batman contre Goku, Batman, il se fait soulever. Par Krillin, il se fait soulever, Batman. Ouais, non, c'est juste. Voilà, c'est des trucs. Pour moi, en fait, Dragon Ball, c'est un univers. C'est exagéré. C'est... Pour moi, c'est comme si tu comparais l'univers Marvel, c'est un univers de fourmis. Et l'univers de Dragon Ball, c'est un univers de lion. Moi, j'aurais dit l'inverse. Tu forces, c'est l'inverse. N'oublie pas tout ce qu'il a dit. Une patate, il détruit la galaxie. Non. Toi, tu t'es trompé de rêve, tu vois. C'est les autres qui forcent. C'est ça que je te disais quand je te disais les gens, ils aiment tellement Dragon Ball qu'ils disent des dingueries comme là, tu viens de dire, tu vois. Ah, mais les mecs de comics aussi, ils abusent aussi. Oui, je le sais. Mais ce que j'ai dit, c'est que ça marche dans les deux sens. Ouais. Du coup, qu'est-ce que j'ai dit déjà? Tu regarderas la rediff parce que t'as dit une bonne dinguerie. T'as dit une bonne dinguerie. T'as dit Marvel, univers de fourmis, DB, univers de lion. Ah, je sais pas, c'est comme ça que je vois les choses quand tu vois les actions. Faut lire les comics pour se rendre compte que... Tu t'es trompé de rêve. J'ai lu les comics. Non, t'as pas assez lu. Trompé de rêve, Harry. T'as lu des trucs qui s'arrêtaient à la planète Terre. De ouf. Ouais. Et du coup, là, j'ai quand même lu aussi, comment ça s'appelle déjà ? Cette merde. Secrétoire, j'ai lu ça aussi. Mais du coup, ouais, c'était juste pour dire ça. C'est vraiment claqué, ce Y a un mec qui force avec Ben 10. je suis un gros fan de Ben 10. Ça a changé ma vie, Ben 10. Ben 10. Ouais, ne regardez surtout pas. Regardez surtout pas Ben 10. À moins qu'il soit Gold, on va pas le regarder. Non, regardez pas. T'inquiète pas. Regardez surtout pas Ben 10. T'inquiète pas. Sur Kotax, vraiment. Mais j'aime beaucoup en plus. C'est ça, c'est ça. T'inquiète pas. C'est pas mauvais, mais c'est pas bien. Vous avez pété. Donc voilà, c'est bon. C'est tout. Et bien joué pour avoir changé de sujet avant de te barrer pour pas qu'on reste sur la dinguerie que t'as dit. Tu reviens quand tu veux. One Piece sur côté. Aujourd'hui, on avait même pas parlé de One Piece aujourd'hui. Il a fallu que quelqu'un arrive et dise One Piece. Alors qu'on a fait zéro référence. La question c'est, a-t-il tort? C'est un autre sujet. Il a tort. Donc nous, on va enchaîner avec... Foreign, il est pas là, GTO, il est pas là. Haribo. Midi, machin, c'est Haribo. Haribo, je voulais le faire passer avec l'autre, mais il est pas là. C'est pas grave. Bon, qu'on en finisse vite. Haribo, allô. Allô, vous m'entendez? Super, et toi? T'entends, comment ça va? Ouais, ça va bien. Malgré toutes les dingueries que j'ai entendues. Avant de commencer, tu peux nous donner 3 infos, s'il te plaît. Ta génération, est-ce que tu as lu les comics? Et s'il te plaît, pour qui es-tu venu plaider? Ben déjà, je suis de la génération 99. Mmh. Oui, j'ai lu quelques comics, mais là, je ça veut dire quoi, clairement pour Marvel, hein, parce que là, vous avez dit beaucoup trop de dingueries sur lui. Ok, et ça veut dire quoi, quelques, s'il te plaît? Attends, ça veut dire quoi, quelques? Ben, je suis assez bien renseigné. Notamment sur Hulk. Là, pour Hulk, défendre. Non. Réponds à ma question. Assez bien renseigné, ça veut dire... Je suis allé lire des résumés. T'as lu combien de comics? Non, du tout, j'ai dû... au moins une cinquantaine, minimum. Ah ouais, c'est pas mal. Et il y a juste avant, il n'y a pas Vini Testé qui dit dans les commentaires, déjà Hulk peut soulever le marteau de Thor, donc il a le niveau d'un dieu, tout comme les Saiyans. Et ensuite, Hulk peut se balader dans l'espace. Au prochain Smoke Show, vous êtes dead. C'est faux, parce que ton délire de se balader dans l'espace, Osef, et le délire du fait qu'il peut soulever le marteau de Thor, Osef aussi. Donc on t'écoute, Haribo. Ben, déjà, je voulais répondre à la question que Marvel a posé par rapport à l'immortal Hulk, comment il devient l'entité cosmique. Ben déjà, il faut savoir qu'il devient comme ça parce que Bruce Banner meurt. Vous allez le voir dans les comics, c'est clair et net. Donc déjà, l'argument de Teddy qui disait que... Bruce Banner, il meurt, comment Hulk, c'est pas la même personne? Dans les comics, Bruce Banner meurt et directement, il y a Hulk qui, quelques heures après, continue à exister. Il n'y a que Hulk, il n'y a plus de Banner. Et à ce moment-là, on voit un Hulk hyper cruel et il devient cette entité cosmique. Donc l'argument de... Il devient ça parce que l'autre, il meurt. Exactement. Ce Banner se fait tuer. Et ensuite, vous comme ça, d'un coup... Vous allez voir hein, dans The Immortal Hulk. Attends, et d'un coup, comme ça, oui, il dit, c'est bon, maintenant, je suis une entité cosmique. Ça peut justifier par le fait Il devient hyper cruel. Il devient hyper cruel et...
Regarde comment moi je te justifie ça en 2 secondes. Il a perdu sa part d'humanité, machin. Donc là, il a eu sa part Hulk et il se Exactement. Transforme. Il n'y a plus de banner pour pouvoir le freiner. Exactement. Et je voulais aussi rebondir par rapport. Ok, attends, avant que tu partes en couille dans ton délire. C'est quoi ses capacités en entité cosmique? C'est pas un délire. Déjà, c'est pas un délire. Et oui, c'est non, mais. C'est quoi ses capacités, s'il te plaît? Ben déjà, il est totalement immortel. Okay, ah, mais ça, c'est Osef. C'est moi qui dis les totalement trucs. Totalement immortel et il peut détruire n'importe quelle planète. Il a plus de limites. Okay, oui. Et Osef. Oh, mais moi, j'ai voulu juste répondre à la question. Comment il devient. Quelle différence avec le Hulk d'avant qui pouvait aussi détruire des planètes. Stop. Non, mais c'est pour ça que j'allais rebondir sur le World Breaker. Là, c'était juste pour répondre à ta question. Ah, mais parce qu'il était déjà immortel avant, donc il n'y a rien qu'à changer. Laisse-le parler, John. Vas-y, on t'écoute. Voilà, je vais répondre par rapport au Hulk World Breaker là, que tout le monde est en train de rouler depuis tout à l'heure. Ouais. Déjà, il devient le Hulk World Breaker parce que sa femme meurt, c'est vrai. Son enfant meurt. Parce que sa femme était enceinte. Et il faut savoir qu'il devient comme ça parce que Bruce Banner, à ce moment-là, qui aimait aussi la même femme que Hulk, lâche tous les verrous. Les deux fusionnent complètement. Et Hulk devient carrément surpuissant. Et sur la planète sur laquelle il est à ce moment-là, Hulk aspire toute l'énergie de la planète, toute l'énergie environnante. Il devient carrément une bombe. Ils le disent, hein, il devient une bombe qui marche, carrément une bombe cosmique. Et à ce moment-là, on sait que Hulk peut absorber tout type d'énergie. Donc l'argument de Goku envoie un Genkidama, ça marche pas. Parce ça que marche ça rend pas. Plus puissant. Ok, je l'entends. Ça rend plus puissant et en plus l'argument aussi de toute attaque à distance de Goku, ça marchera pas. Donc, genre quoi, ça veut dire dans ce niveau-là, il absorbe tout ce qui est d'énergie. Il absorbe tout. Parce que même quand il se bat contre Sentry aussi, ça, il absorbe tout. Donc après, il fait là à ce moment-là, tu peux le battre qu'au corps à corps. Mais est-ce que Goku peut battre un Hulk au corps à corps de cette puissance-là? Bah non. Okay. Bah donne les bah je vais entendre tes arguments qui me disent que Hulk peut que Goku peut battre Hulk au déjà, corps à corps. Dans déjà Hulk il le touche pas. Primo Hulk le touche pas. Bah Goku le touche comment? Enfin tu me dis que Goku le touche. Stop. Goku bien sûr qu'il le touche. Ouais. Comment Goku il fume Hulk? Réponds à la question de John. Bah, ouais, c'est admettons la théorie est vraie du fait que aucun Kiowa, rien de tout ça. Nanana. Goku il le nique à base de patates, coups de pied, etc. Ah bah non, j'ai l'impression. Coup de pied. Bah, on vient de lui faire gonfler par Goku. Alors que on a dit qu'il le touche pas. L'autre il peut pas le toucher. Même s'il peut il peut pas le toucher, c'est ça. Mais on vient de te dire que on vient de te dire que Hulk ça me fait rien ce que tu me fais. Bah oui, c'est ça bah, le problème. Au pire, il y a match nul. Bah, ouais. Au pire, match nul. Et c'est puis, au pire, match nul. J'ai un ça, argument match aussi. Nul, match nul, c'est si Hulk, il n'arrive pas à un moment à attraper Goku. C'est à ce moment-là qu'il y a match nul. C'est à ce moment-là. Mais après, Hulk, est-ce qu'il a encaissement de l'infini? Est-ce qu'il a encaissement de l'infini aussi? Bah, c'est pas ça. Peut-être au bout d'un moment, les dégâts. Bah non, parce que t'es un menteur, parce que Sentry a réussi à faire match nul avec lui. Donc t'es un menteur. Quand attends. J'ai un argument par rapport à ça. J'ai un argument par rapport à ça parce que Kiku a dit si Goku n'arrive pas à attraper Hulk ou je sais plus trop quoi, voilà. N'oubliez pas que Goku, s'épuiser. T'as pas compris. T'as pas compris. J'ai dit, moi, si Hulk il attrape Goku, c'est fin de lui. C'est ça que j'ai dit, moi. Oui, mais attends, on est bien d'accord que Goku s'épuise. Oui, on est d'accord. Et Hulk, ça n'existe pas, c'est l'épuisement ? Il ne s'épuise pas. Non, il ne s'épuise pas. C'est un menteur. Tout à l'heure, on nous a dit son combat avec Sentry, dans le même comic dont tu parles. Les deux, ils sont morts de fatigue à la fin. Donc dire Hulk ne s'épuise pas, t'es un menteur. Il a raison. Mais attends, vous me comparez Sentry à Goku. Allez, c'est bon. En plus, tu me dis. Stop. Non. Il a raison. Tout à l'heure, on nous a dit clairement il y a eu match nul avec l'autre parce qu'ils étaient fatigués tous les deux. Mais là, on parle d'un ennemi. On est bien d'accord que Goku c'est en termes d'épuisement, Goku, en termes d'épuisement, il n'égale pas un Hulk. T'en sais rien, parce que ça. Hulk, on sait plus, dès lors que Hulk absorbe. Bah, c'est ça que j'ai dit. Ah oui, parce que. Moi, j'ai pas ça parce que nous deux, on n'en sait rien en vrai. On n'en sait rien, je suis d'accord. On peut pas dire ça. Ça, j'ai dit, on n'en sait rien. Parce que tu dis que. Ouais, on est d'accord que Hulk absorbe tout type d'énergie, ça le rend plus fort. Stop. Il y a Anma qui a dit dans les commentaires Goku, il a la contrainte du ki, on l'a vu contre Boo avec le Super Saiyan Jin 3. C'est vrai qu'ils peuvent pas rester transformés à l'infini, hein, les Saiyans. Hein ouais, mais Hulk, combien de temps aussi, il peut rester comme ça, il était bien fatigué au bout d'un moment, force je de se manger pas, des coups. Mais ce que je suis en train de dire, c'est que la limite des Saiyans. On l'a, la limite de Hulk. C'est ce que je suis en train de dire, c'est que moi. Bah, si, on l'a, parce qu'on l'a selon Sabaka avec Sentry.
On l'a parce qu'au bout d'un moment, il est fatigué, ils ont plus de son mort de fatigué. Oui, je comprends ce que tu veux dire, mais tu vois bien que dans tous les trucs, même quand ils se battaient contre couleur, etc., etc., à un moment, leur Super Saiyan, ils sont KO, ils s'épuisent trop vite. Faut être honnête. Trop vite, ça sert à rien parce que ça dépend de l'intensité du combat. Et face à Boubou, non. Et pour revenir face à Boubou, pourquoi Goku, sa puissance, elle a diminué de son ki? Parce qu'il a voulu atteindre un niveau qu'il atteint seulement quand il est mort, pas quand il est dans un corps de vivant. Donc si on fait OK, ben, je prends Goku mort, ben, le ki, il est infini. Comment ça que tu prends Goku mort? Goku, quand il a son auréole, son ki, il est infini, il n'y a pas de limite. Ben, ouais, il ne fâche pas. Bah si. Bah eux, ils prennent bien Hulk de la version bêta de sortie de mes couilles. Pourquoi si je mets Goku auréole, ça ne fonctionne pas? C'est pareil. Attends, il y a des Bédros qui envoient 5 balles, merci, qui dit quoi? Ouvrez le lien que j'ai envoyé, on voit Immortal Hulk, il se fait punch par Vision. Il reste nul en baston. Ça me fume. Mais Immortal Hulk, je tiens à dire que c'est pas le même que le Warbreaker. Donc les gens qui sont en c'est vrai. C'est vrai. Et en c'est plus, moi, Immortal Hulk, je le défends pas. Hein. Je voulais juste répondre à la question. Moi, c'est le Warbreaker qui est quand même le plus puissant. On sait qu'il absorbe tout type d'énergie. On a oublié de préciser aussi qu'il sauve une planète. Comment? Une planète qui allait se détruire. Il arrive dans le noyau de la planète. Il rentre dans la lave, il arrive au noyau de la planète. Il maintient la planète pour pouvoir sauver la planète. Donc là, ça relève de la force brute. Après, tout ce qui est, si on parle d'un combat pour moi singulier entre Hulk et Goku, il y a pas photo. Après moi, c'est parce que ton seul argument valable, c'était Hulk ne s'épuise pas. Sauf que ça a été niqué parce qu'avec Sandri, il s'épuise. Après, toi, tu me dis, oui, mais Sandri est plus fort que Goku. Je sais, fini, pourquoi Sandri, on l'a déjà vu tout à l'heure, non? Donc, ton truc, ça ne fonctionne pas. Bah après, Sandri, c'est quand même l'équivalent d'une entité cosmique. Il faut quand même le dire parce que le mec. Ça veut dire que Goku fume des entités cosmiques, merci. Vision, il a niqué ton Hulk entité cosmique, ça veut dire ça. C'est faux. Quoi? Vision a paniqué Hulk. Hulk. C'est ce qu'ils ont dit tout à l'heure, les mecs. Ils ont pas dit ça. Vision, elle a mis une patate à Hulk. Elle a pas dit qu'il s'est fait, qu'elle l'a niqué. Arrête. Il l'a paniqué. Là, t'abuses. Non, mais il se mangeait des patates, il était en PLS. T'abuses. Ils ont dit qu'il s'est pris des coups parce qu'il se bat mal. C'est ça. Là, t'abuses. Mais en tout cas, on a entendu ce que t'as dit, Haribo. Moi, je l'entends. Et comme Dion, il l'a dit lui-même, on est passé de, tout à l'heure, Hulk, entité Breaker, je sais pas quoi, il gagne, à maintenant, au pire match nul. Donc, on entend ce que tu as dit. Ok. Est-ce que tu as un mot de la fin ou quelque chose pour conclure? Non, je voulais juste rebondir sur ça. Après, moi, je ne suis pas non plus fanboy Marvel. Hein. Je tiens juste à le dire parce que là. Non, c'est juste que j'ai vu que vous avez beaucoup trop tapé sur Hulk et ça m'a dérangé. Du coup, voilà. Il n'y a pas de soucis. Moi, j'attends toujours qu'on vienne défendre la femme invisible. Bah tu revois quand tu veux, Harry. Invisible. Ok, merci à vous. Salut. Passe une bonne soirée. Plus. À plus. Et ensuite, il y a des gens qui disent « John est malhonnête ». Bon, ça, c'est comme d'hab. Hein. Bon, ça, tu lis tout ce qui t'arrange. Par contre, il n'a pas tort. S'il absorbe l'énergie, Goku, il va galérer. On a bien vu l'arc cyborg quand les cyborgs absorbent l'énergie. Mais Goku aura de toute façon de le fumer. Ah oui, les cyborgs, ils absorbent l'énergie. Pourtant, ils ont enculé. Ça s'entend. C'est parce que Vegeta, il a cassé les bras de l'autre. Là. Il a enlevé même avec Yagon. Yagon, son délire, c'était quoi? C'était absorber l'énergie. Oui, mais Yagon, il avait une limite. Oui, c'est ça. Il lui envoyait plus qu'il pouvait supporter. Je suis d'accord. Voilà. Je suis d'accord avec ça. Je suis d'accord. Peut-être qu'il enverra plus que ce que peut supporter Hulk. Hein, on en sait rien. Ouais. On en sait rien. Je suis d'accord. Sauf que, comme il a dit tout à l'heure, non seulement il a absorbé l'énergie de toute la planète qui était présente, je sais pas quoi, mais en plus, il a absorbé l'énergie de mon cul. Après, oui, comme tu as dit, on ne sait pas c'est quoi sa limite. Je l'entends. Ouais. Donc, il reste 1, 2, 3, 4. Il reste 4 personnes. Donc, nous, on va enchaîner avec le prochain, c'était Smog. Smog, allô. Oui, allô, bonsoir. Comment ça va? Comment ça va? Ça va très bien, et vous? Ah, ça va super. Avant de commencer, les trois questions. Ta génération, s'il te plaît. Est-ce que tu as lu les comics? Qui es-tu venu défendre? Génération 2000. J'ai quelques comics, à peu près une vingtaine, 25 à peu près. Okay. Et moi, je suis plus comics indé et DC. Et les Marvel, pas trop, mais... je connais quand même les X-Men, du coup, je peux défendre Marvel. Okay. Ok, on t'écoute. En même temps, je vais chercher s'il n'y a pas une des deux autres personnes qui est pour Dragon Ball. Donc, vas-y, on t'écoute. Déjà, pour le débat, est-ce qu'on compte les X-Men ou pas?
Parce que dans les X-Men, il y en a plein. Oui, oui, c'est Marvel. D'accord. C'est Marvel, l'X-Men. C'est Marvel, à part, on a parlé de ceux qui ont les pouvoirs psychiques, genre je te regarde, t'es désintégré, ça, c'est des conneries. Okay. C'est ça. Mais attends, juste avant que tu commences, s'il te plaît. Lone, salut, salut. Yes. Comment salut. Ça va? Bah, ça va bien et vous? Ça va super. Toi, t'es bienvenu défendre DB. Yes, c'est ça, Dragon Ball. Ok, Smog, il est venu défendre Marvel. Donc, est-ce que Lone, tu peux, s'il te plaît, nous donner ta génération et nous dire si tu as lu les comics? Ok, ok. 2000 et... Non, j'ai pas lu. Non, j'ai pas lu. J'ai moins Dragon Ball, j'ai les mangas, j'ai tout. Mais... Okay, pas de soucis. Ça nous va, ça nous va. On t'écoute, Smog, Smog, et ensuite tu peux rebondir, Lone. Vas-y, on t'écoute. Vas-y. Moi, là, déjà, j'ai réfléchi à quelques personnages qui peuvent battre certains personnages de Dragon Ball. Je compte pas les dieux de la destruction et les 8 et tout. Non, on a dit déjà... Goku Vegeta. Aujourd'hui, on est sur Goku Vegeta. Goku Vegeta. Déjà, il y a Jean Grey, la phénix. Elle peut fumer Goku. On a dit on prenait pas les... On a dit on prenait pas ça. Vous comptez pas la phénix? Bah du coup non. Là je vais vous citer un héros qui fume Goku Vegeta, c'est le surfeur d'argent. Ça c'est ce que j'ai dit aussi au début, mais j'ai vu que personne l'a cité. Sinon il y a personne. Comment en fait ce que je veux dire c'est que moi aussi je pensais ça mais j'ai vu que personne l'a parlé. Si, non, non mais dis-nous ses capacités. Mais ouais voilà, c'est les capacités. T'as le droit d'en parler. Le surfeur d'argent, il absorbe tout, peu importe l'énergie, il les absorbe. Mmh. Il est plus rapide que la lumière, donc plus rapide que Goku. Et il absorbe de l'énergie. Attends, il peut esquiver n'importe quel coup. Il voit les coups dans le futur. Donc il est à peu près le niveau de l'ultra instinct. Du coup, pour moi, le surfeur d'argent, il fume Goku Prime. Il fume le Goku le plus puissant. Là, ce que tu as dit, c'est simplement tu as dit que il est niveau ultra instinct en termes d'esquive, vitesse, etc. Et il peut absorber l'énergie. Je l'entends. Il voit dans le futur. Oui, mais comment il gagne? Il voit dans ce truc. Et il peut relancer l'énergie qu'il a absorbée. Ok, je l'entends. Vas-y, Lone, on t'écoute. Et aussi, en puissance brute, hein, en force physique, il est aussi fort que le Hulk Prime, là, votre Hulk depuis tout à l'heure qu'ils sont en train de citer. Bah, il est aussi puissant que lui. Parce qu'il peut détruire des planètes. Moi, je suis pas d'accord sur un truc. C'est sur la vitesse de la lumière. Il est au-dessus de la vitesse de la lumière. Il est au-dessus de la vitesse de la lumière. Au-dessus de la vitesse de la lumière? Oui. Bah après, moi je peux pas j'ai pas lu donc mais non, concernant les capacités à Goku, déjà contre Hit il pouvait remonter, enfin il avait un avantage au niveau du temps de plusieurs secondes, et même avec ça Goku il a réussi à déjouer et à trouver une faille. Est-ce que Hit il avait l'ultra instinct? Non, il avait pas l'ultra instinct, mais il avait un avantage sur le temps. Non, mais là, il a l'ultra instinct et le temps. Non, il n'a pas l'ultra instinct, il a juste dit la vitesse de la lumière. Le problème, c'est que ça, là, il nous dit vitesse de la lumière, il nous quantifie le truc. Dragon Ball, on n'a pas de quantifiable. Ça se peut, il se déplace plus que la vitesse de la lumière. Mais oui, dans Dragon Ball, c'est pas dit comme ça. Ils disent pas Mach 3, Mach 2, ils disent, ils sont juste super rapides. Donc, c'est sûr que si tu dis vitesse de la lumière, est-ce que Goku pareil? Bah non, on n'a pas d'infos là-dessus, c'est juste qu'il est super rapide. Peut-être qu'il est plus rapide encore que la vitesse de la lumière. Donc, ça veut rien dire pour moi. Déplacement instantané, oui, c'est une seconde, d'une galaxie à une autre. Hop, tu dois le parler de l'autre galaxie. Mais dans le déplacement instantané, c'est une disparition, c'est une téléportation. C'est pas pendant le déplacement instantané, c'est pas comme s'il volait. On est d'accord. Si tu veux. Mais je te dis, la vitesse de Goku n'est pas quantifiable comme ça, donc c'est pas un argument valable de dire vitesse de... Si c'était dit, Goku ne se déplace pas plus que la vitesse de la lumière, j'aurais dit ok. Le problème, c'est que c'est pas quantifié dans DBZ, donc ton argument, il peut pas être valable. Je suis désolé. Ok, j'entends ce que tu dis par rapport à ça. Et par rapport, du coup à la vitesse, l'ultra instinct, tu peux pas le toucher. Donc pour moi, tu peux avoir la puissance de qui tu veux tant que tu peux pas appliquer ton coup. Mais justement, tu peux avoir la puissance à Hulk SJ4. Si tu peux pas toucher, tu fais pas de dégâts, c'est simple. Mais Goku, il se fatigue ou pas en ultra instinct? Oui, il se fatigue. Le surfeur d'argent, il ne ressent pas la fatigue, il ne ressent pas la faim, il ne ressent pas la soif. Il peut rien faire. Attends, ton surfeur d'argent, là. C'est vrai. Moi, je le sais. Il absorbe l'énergie de Goku. Et Goku, lui, il perd son énergie. En combat pur, ce surfeur d'argent, il fume Goku, il fume Vegeta. Même en 2v1. Ça va être un combat d'usure. Ça va être sur le surfeur d'argent, il gagne. Sauf que, oui, le surfeur d'argent, sur la finalité, il va gagner, si. Parce que lui... il va absorber l'énergie. Goku, il va faire que diminuer le surfeur d'argent. Au pire, il va rester au même niveau.
Donc si ça veut rien dire, pourquoi? Parce que les cyborgs aussi, ils avaient une énergie infinie, tout ci qui diminuait pas, etc., etc. Pourtant ils se font quand même enculer, c'est pas des arguments ça. Mais les cyborgs, est-ce qu'ils ils absorbent l'énergie de Goku? Les cyborgs, oui, il y en avait qui absorbaient. Et ça n'a pas fonctionné. Ça marchait pas comme ça, parce que déjà les cyborgs, tu l'as dit toi-même. Et comment un surfeur d'argent il absorbe l'énergie? Ouais, comment? Sa peau. Comment ça, il est en contact? Ça veut dire que c'est... si par exemple Goku lui met un coup de poing, parce que Goku il l'a touché, il va absorber son énergie? Oui, c'est ça. Attends, non, mais qui... toute l'énergie, l'énergie cosmique, peu importe les radiations. Peu importe les radiations, il les absorbe. Non, t'as pas compris. C'est pas l'énergie, demande, c'est par exemple. Non, mais au corps à corps, comment il absorbe? Il faut que ça le touche. Au corps à corps, il absorbe pas l'énergie. Au corps à corps, il absorbe pas l'énergie. Voilà. Mais tous les ki que Goku va lancer, il les absorbe. Donc si Goku ne lance pas la fatigue. Si Goku ne lance pas de ki, mais qu'il le frappe, on est d'accord qu'il va pas absorber son énergie. Voilà. Ouais, bah, il le retient. Mais le au corps à corps, il est niveau Hulk. Au corps à corps, il est niveau. Mais même ton niveau. Il est niveau Hulk Prime. Niveau Hulk Prime. Votre Hulk Prime, là, le Hulk Prime, depuis tout à l'heure, on est en train de. Est-ce que ton serveur d'argent, il a déjà mis une patate et il a explosé une planète en une patate? Oui, il a explosé plusieurs planètes. Lui, quand il se bat. En mettant une patate, je sais Galactus, pas bien c'est qui. On connaît Galactus. Galactus, il absorbe des planètes. Le surfeur d'argent, il se bat contre lui. Un mec, il détruit des planètes. Et lui aussi, il détruit des planètes. Quand il se bat. Raconte-moi pas, je t'ai posé une question. Est-ce que quand il met une patate. Il détruit une planète en mettant une patate, il détruit une planète. Et pourquoi la patate, genre, il a visé la Terre comme ça, c'est explosé dans ton comics? C'est pas la Terre, c'est une autre planète. Ouais, mais une autre planète, il va pas détruire la Terre, c'est parce que lui, il est là pour protéger la Terre. Non, mais pourquoi il a fait exploser Galactus? Non, parce que... Non, il détruit des dizaines de planètes. Excuse-moi. T'as, on nous a expliqué l'autre Banner, il a explosé une planète parce qu'il était fâché, sa femme était morte, donc il a tapé un coup de poing, la planète explosée. Pourquoi il a fait exploser la planète où il était Il est en train de se battre contre Galactus. Galactus, quand il absorbe des planètes, Galactus, il est plus fort. Du coup, lui, il détruit des planètes avec des coups de poing pour que Galactus n'absorbe pas les planètes, justement. Lui, de l'espace, il met des coups de poing et les planètes, elles explosent. Ah, j'ai compris. Ok. Voilà. En gros, il détruisait les planètes pour pas Galactus les absorbe. Donc, si, il explose les planètes. Okay. Mais en mettant des coups de poing comme ça. Coups de poing. Et il peut aussi lancer des énergies, il peut lancer des Kamehameha. Il peut aussi lancer des Kamehameha. Vous pouvez faire des recherches. Non, mais après, de toute façon, ça, c'est pas un argument forcément solide. Parce qu'on a vu que Goku, il encaisse des coups qui détruisent des planètes. Donc ça, oui, c'est pas ça qui va faire que c'est qu'il va être KO. Sauf que, qu'est-ce qui va se passer? Comme on a dit, au final, ça va être un combat d'usure. Et à la fin, le plus fatigué. Un combat d'usure à la paire. À la fin, le plus fatigué, ça va être Goku. C'est ça qu'on dit. Bah non, pas forcément. D'après tout ce qu'il a expliqué, si Goku il utilise le ki, il va l'absorber. Bah après, si on part dans ça, il y a plein de trucs qu'on peut ajouter aussi. Hein. Il y a le Mafuba, il y a des trucs qu'on peut. Ouais, il peut l'enfermer, il le scelle et c'est fini. Ah, il y a plein de trucs dans l'univers de Dragon Ball qui permet. Non. Déjà, c'est Goku et Vegeta. Ouais. On a dit quoi tout à l'heure? On prend pas les Mafuba, objets, on prend pas les machins. Oui, bah, allez, ok, ouais, t'as raison. Allez, on prend pas ça. Ouais, bon, je sais que j'ai raison. Mais moi, je suis pas d'accord pour l'usure parce que. On ne sait pas si l'impact d'un coup de poing de Goku peut pas le mettre PLS en un coup de poing. Ah, on ne sait pas, mais quand on regarde. Alors qu'on sait que le coup de poing, on sait que le coup de poing de truc, mais pas Goku en PLS. Le coup de poing de comment ça? Le coup de poing de surfeur d'argent, mais pas Goku en PLS, on le sait. Bah, il détruit des planètes aussi. Et alors, Goku il encaisse des coups, des mecs. Je suis d'accord avec ça. Le surfeur d'argent, il encaisse des combats contre Galactus qui absorbe des planètes. Donc, mais Galactus il est moche. Il les mange. Donc ça veut dire que Goku. On peut pas dire non plus qu'en un coup de poing, il met KO le surfeur d'argent. Ouais, on sait pas. Voilà. On sait pas. Okay. Mais avec ce que j'ai montré, le surfeur d'argent, il gagne. On va faire un sondage, d'accord. De toute façon. Non, il gagne pas. Sondage. Mais il gagne pas. Sondage. C'est ouf. Non, mais il le bat pas sur l'instant en combat, au corps à corps. Non, il le bat, on sait pas. Pour moi, Goku l'encule parce que je pense que Goku, ses points, on les sait. Ah, bah pour moi aussi. Mais je pense qu'on sait pas. Et Goku, s'il fait un Hakai. Ouais, voilà, le Hakai. On oublie Goku, le Hakai. Ouais, le Hakai, on oublie trop. Hakai, t'as beau avoir la résistance de ce que tu veux, c'est la matière qui dégage. C'est là, ouais. Il désintègre. J'ai même pas pensé au Hakai, je suis trop bête. Stop. L'un des pouvoirs du surfeur d'argent, c'est qu'il peut reconstruire la matière. Exactement. Il maîtrise la matière, etc. Avec ses pouvoirs cosmiques, tout ça. C'est l'un de ses pouvoirs. Donc, est-ce qu'il peut se reconstituer lui-même? Attention. En fait, John cherche pas le surfeur d'argent, c'est vraiment la némésis de Goku. Goku, il peut pas le battre. Si on crée un comique dit, ou regarde. Un truc, Goku, il peut pas le battre. On entend ce que tu as dit, Smog. Dire, comme d'habitude, on fait
un vote. Pour l'instant, il y a 52% pour le Saphir d'Argent, 48% pour Goku. Attends que les gens votent, faut qu'il y ait au moins une centaine de votes là. On attend qu'il y ait au moins une centaine. Pour l'instant, il y a 81 votes, 88 votes, ça monte. Donc, pendant qu'on va laisser les votes augmenter, s'il te plaît, est-ce que tu peux conclure Smog ensuite, Lone. Smog, ta conclusion, s'il te plaît, ton mot de la fin. Bah, moi, c'était tout ce que j'avais à dire. Hein. Pour moi, sur le papier, Goku et Vegeta battent à peu près 80% des personnages de Marvel. Okay. Mais le Saphir d'Argent, quand on touche au Saphir d'Argent, je pense pas qu'il. Je pense pas, franchement. Non, au pire, au mieux, il y a match nul. D'ailleurs, si la guerre ne fonctionne pas, ça peut faire match nul au combat du jour, mais on ne sait pas qui. Comme on ne sait pas le point de qui est forcément plus fort que l'autre, c'est compliqué. Ouais, voilà. Ok. Donc, bah, moi, je suis d'accord. Merci d'être passé. Tu reviens quand tu veux. Ok, pas de souci. Et Lone, on te laisse conclure à ton tour. Bah, moi, je rejoins John du coup. Hein, parce que ça va être un combat soit d'usure ou soit de. Bah, c'est contre la. Ouais, voilà. S'il contrôle la matière après, je sais pas. Mais. S'il contrôle la matière, ça veut juste dire que Hakai, ça le passe. Et encore, le Hakai, on dit que ça détruit la matière, mais je crois que ça, c'est même pas que la matière, c'est tout. C'est un vide sidéral, je crois, le Hakai. Ouais, le Hakai, ouais, c'est vraiment le quand vide. On dit après, la matière, mais parce que c'est parce qu'on utilise ce mot-là, tu vois ce que je veux dire. Mais le Hakai, c'est au-dessus de la matière de mémoire, je crois. C'est... Genre, je te ouais, c'est, Hakai, après, c'est pas expliqué, mais c'est ouais, expliqué, c'est. Mais bon, c'est vague, c'est vague. Donc on vous laisse. Je pense que si Goku et Vegeta ils travaillent la technique du Hakai, ça va devenir chaud pour l'équipe des Marvel. Parce que c'est vrai que le Hakai détruit les êtres immortels, hein, c'est-à-dire ton Hulk là, soi-disant immortel, Hakai c'est fini en vrai. Hulk, ok, Hakai, allez, bye bye. Ouais, bah ouais, mais c'est pour ça. Et bon, à voir. Mais du coup, je rejoins John du coup sur ce qu'il a dit. Pas de soucis. Okay. Bah, tu reviens quand tu veux. Yes, pas de soucis, merci pas à vous. Pas de soucis. Salut. Comme j'ai dit dans le chat, je coupe à 21h36 pile. Quoi, le sondage ? Le sondage, ouais. Il est 35 là sur mon ordi. Je coupe à 36 pile. Tac. Et nous, on va enchaîner avec. Ou on attend que le sondage. Regarde, le Hakai efface ton existence. Le Hakai, non, il encule tout le monde, Goku, c'est bon. On fait quoi ? On coupe maintenant ou on attend ? De quoi ? Ouais, tu peux 36, couper le sondage maintenant. Non, on coupe maintenant le sondage de toute façon. Parce que t'es devant. Non, mais pas. Espèce d'escroc. Tu me prends pour un con. J'ai dit 36, c'est 36. Ouais, attends, à 36, je voulais voir ce que t'allais dire. Donc, non, moi j'ai trouvé que c'était une bonne intervention de Smog en tout cas. Parce qu'il est arrivé, il a dit sur Faire d'Argent, il fait ci, il fait ça, il a donné ses arguments. Ouais, franchement, les arguments étaient bons, mais Goku, malheureusement, a caillé. De toute façon, comme on l'a dit à chaque fois. On entend ce que les gens disent. Après, nous, on reste en démocratie. Après, voilà. C'est... J'attends juste, même pas 10 secondes, le temps qu'il soit 36, là, surveille l'heure. On coupe le sondage. Et ensuite, on va enchaîner avec Ecstasy et Moussa. C'était qui d'abord ? D'abord, c'était... Merci, Sinaï. Je crois. Tac. Il est 36. On coupe. Donc, le public a... 7 votes. Attends, c'est pas chargé sur mon téléphone. 52%, je crois. 52, attends. 52% Goku, 47 le Saphir. Comment ça 47? Ah, ça devait être 43. 2,5%. Ah ouais, d'accord. Pour le Saphir d'argent sur 50 sur 157 votes. Le public a parlé. Le public parle. Goku vainqueur. Merci public, on vous aime. Mais on a entendu tes arguments, Smog. Moi, je suis de ton côté, Smog. Si je devais voter, merci, je suis de ton côté. Romain, t'es sérieux avec tout ce qu'on a dit? Tu dois être objectif, toi, je pensais. Je suis objectif, mais par rapport aux arguments, le Saphir d'argent, moi, je pense que par rapport à ce qu'il a dit, Smog. Et je pense que, comme je t'ai dit, il y a un combat d'usure, et à la fin, Goku, c'est plus fatigué. C'est ce que j'ai dit. Hein. Et pourquoi ce serait pas le surfeur le plus fatigué? Parce que le surfeur, il absorbe l'énergie. Goku, non. Ouais, mais s'il fait au point à point, il va absorber rien du tout. S'il fait au point à point, match nul. Là, on suppose, après, bref. Non, mais j'aurais compris que tu me dises, pour moi, c'est match nul, mais que le fait que tu dises que pour toi, surfeur d'argent qui gagne, là, ça me choque. Je te t'ai dit, encore une fois, si... C'est Goku, il envoie de l'énergie, il perd. Oui. Si c'est que des coups de poing, match nul, c'est ce que je dis. Ah, mais Goku, il est pas con, il va le faire une fois, il va voir qu'il absorbe, il va dire bon, c'est fini, ramène-toi et on va se taper au point. Match nul. Ouais, peut-être. À part si le Hakai, ça efface l'existence. Et... Mais non, parce que tu tapes surfeur d'argent, le premier truc que ça dit Wikipédia, il contrôle la matière avec ses pouvoirs cosmiques. Oui, mais le Hakai, c'est l'existence. Limite, c'est son premier pouvoir. Tu vois ce que je veux dire ? Ah, mais le Hakai, ça efface l'existence. Matière, pas matière, tu n'existes plus. Bah, après, il y a aussi le fait que le surfeur d'argent, il ressent pas la faim, la fatigue, le sommeil, etc. Tu vois. Bref, le public a parlé. Bref. Donc, nous, comme j'avais dit tout à l'heure, on n'accepte plus
personnes sur le Zoom, mais comme Roban est membre, on prend Roban et il passe devant les gens qui étaient là avant. Roban, allô, allô, comment ça va? Allô? Tu nous entends? Ça va, tu nous entends? Ouais, je vous m'entendez? On t'entend parfaitement. Donc, ouais, bio quoi les gars? Ouais, ça va super. Okay. Juste avant de commencer, il y a Van NDA qui fait un don de balle pour dire Vegeta résiste au Hakai, pourquoi pas le surfeur? Il parce que Vegeta est... Non, parce que Vegeta, il... Peut-être parce que Vegeta est plus fort que le surfeur. Bon, mais bref. C'est quoi votre Hakai? Parce que moi, ça. J'avoue, je suis pas... Ah, bah oui, ça, non, non, ne rentre pas dans ça, Robin, ne rentre pas dans ça, ne rentre pas dans ça. Donne non, parce que moi, je veux juste savoir, on est vraiment en train de comparer deux personnages à un univers? Oui, 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 exactement. Oui, c'est exactement oui. Ça, Robin. Oui, oui, Robin, c'est exactement ça. Deux personnages à un univers dont je vous cite pour méchant un mec qui, en claquant des doigts, peut supprimer... Ah, t'as pas suivi le début, toi. T'as pas suivi le début, tu viens d'arriver. Et en fait, c'était quoi le début? Le début, c'est les trucs comme ça, on compare pas ça. Je parle de Thanos, c'est Roman, je pense les joyaux, qu'il les antiques. Non, mais alors là, c'est pas sérieux. Chose. Alors dans ce cas-là, si, c'est des personnages en particulier. Bah non, déjà, non, c'est cheaté. Non, 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 on n'a pas dit des personnages en particulier, c'est vrai. Mais pourquoi on n'a pas dit ça? Parce qu'au début du live, on a posé une structure qui permet de pouvoir savoir quel type de personnage. Mais il faut, on va pas refaire le live, il est 22h. Ouais, non, mais tu vas pas prendre les mecs cheatés avec des gants de la fille. On a mis une structure, on a mis une structure. Sinon, comme t'as dit, c'est pas logique. Et c'est ce qu'on a dit au tout début. On a dit, on va pas prendre des entités omniscientes, ou bien des mecs qui ils pensent d'un regard, t'es détruit. Les pouvoirs à la Death Note, tout ça, non, on a dit, on prend ça. On a dit, on prend les gens qui se battent. Parce que pour le moment, j'allais dire, les Kikou Dragon Ball Z, il serait temps d'arrêter. De croire que Goku peut tout taper. Je suis d'accord, je suis d'accord. Ah, on est d'accord. Ok, bah c'est cool, autant pour moi. Bah, pas de soucis. Je retourne manger. Ciao. Voilà, on vient quand tu veux. Et nous, on va enchaîner avec Ecstasy. Ecstasy, allô, allô. Le Haki ne permet pas de détruire quelqu'un d'immortel, c'est écrit. N'importe quoi. Comment ça va, Ecstasy? Bien, et vous? Ouais, ça va super, hein. Désolé pour l'attente. Avant de commencer... Attends, juste rapide. Parce qu'ils disent que le Haki ne permet pas de détruire de quelqu'un d'immortel. Je rappelle que Zamas, c'est un dieu, et les dieux sont immortels. Pourtant, Zamas s'est mangé un Hakai. Donc, fin des haricots. Bref, continue. Avant de commencer, Ecstasy, est-ce que tu peux nous donner ta génération, s'il te plaît? Nous dire si t'as lu ou pas les comics et nous dire t'es venu défendre quoi? Ou est-ce que t'es venu faire le Suisse, toi aussi? Non, pas de Suisse ici. Génération 99, j'ai lu vite fait des comics, 4-5, pas plus. Mais du coup, moi, je suis là pour défendre Dragon Ball. Ok, déjà, j'ai vu vous parler du surfeur d'argent, mais si je dis pas de bêtises... Galactus lui file les pouvoirs, c'est grâce à ça qu'il devient un peu. C'est ça, il y a un truc comme cheaté. Ça, oui, c'est ça. C'est ça. Et si vous, déjà de base, on n'inclut pas les entités cosmiques, je pense qu'on peut, l'exclure de la liste. Non, 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 non. Pourquoi? Non, non, parce que le surfeur d'argent, lui, il a pris une partie des pouvoirs de Galactus. Je suis d'accord, mais c'est pas une entité cosmique. Dès que tu tapes surfeur d'argent pouvoir, le premier truc que ça te dit, Wikipédia, c'est. Effectivement, c'est Galactus qui lui a donné une fraction du pouvoir cosmique, etc. Sa puissance réside principalement dans la capacité à maîtriser la matière, l'énergie cosmique, tout ça. Je suis d'accord, mais ce n'est pas une entité cosmique. Ok, ok, pas de souci. Bah, du coup, si on continue juste en termes de puissance, on va dire par exemple dans DBZ, le CG3, on disait que en termes d'énergie, c'était complexe, etc., mais c'était la forme la plus puissante. Mm-hmm. On rappelle quand même Beerus l'a terminé en une pichenette. Le SSJ3, derrière il y a Goku God qui le tient en 1v1 même s'il n'était pas à 100%. Ah, que leur combat a failli détruire l'univers, ça c'était dit par les Kaioshin, on rappelle. Donc alors si on continue comme ça, est-ce qu'on imagine avec un Goku Blue, et même avec un Goku Blue en Kaioken x10, est-ce que ça ne détruirait pas normalement l'univers? Ah, t'as pas tort, Ecstasy, c'est vrai que là, ça remet tout. Surtout que derrière... Bah Goku il tape Jiren, on est d'accord. Jiren était plus fort que son dieu de la destruction. Après je crois qu'il reste moins fort que Beerus. Mais du coup un Goku ultra instinct a potentiellement le niveau d'un dieu de la destruction, je dirais. On va voir au-dessus peut-être. Hein. Okay. On va voir même au-dessus. Et Beerus, bah, on va dire que c'est un peu l'équivalent je pense d'un Galactus comics. Bah, il est là pour régler un peu l'équilibre des planètes, il est là pour les détruire. Okay. Oui, à quelqu'un moment, un ultra instinct. Non, mais la différence, comme tu as dit, Denis, parce que plus tard, on compare Goku en mode Saiyan 3, il encaisse des coups, il détruit des planètes. Mais c'est vrai c'est que. Faux. Depuis tout à l'heure, tu le compares en mode ultra instinct, espèce de. Non, 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 c'est vrai. Mais je veux dire, en fait, je fais une fausse comparaison. Parce qu'en fait, le gouffre qu'il a à l'époque où il était Super Saiyan 1, où il encaissait des coups, qui détruit des planètes, et au niveau qu'il a actuellement, c'est-à-dire de ultra instinct,
Mais ça n'a rien à voir, ton surfeur d'argent, il lui met une pichenette. C'est finito. C'est finito, c'est une dinguerie. Surtout que Gohan, du coup, SSJ2, a quand même repoussé, parce que les gens parlaient de celle qui fait un Kamehameha quand même, qui est censé détruire le système solaire. Bah, Gohan l'a repoussé avec un simple Kamehameha tranquille, tu vois. Putain, c'est vrai, en fait. Et on veut se débattre, bon, c'est la fin, mais il n'y a pas match. Et franchement, juste en comparant les faits comme ça, c'est... Ouais, il n'y a pas c'est match. C'est des faits. Ouais, merci, il n'y a pas match. Ne dis pas que machin, il soulève 1 milliard de tonnes. S'en fiche, ça. Ah non, non, je suis d'accord avec toi, les délires de oui, un tel tonne, t'as raison, Estasie. Allô, tu nous entends ? Les pro-comics... Ah, tu nous entends, Estasie ? Ouais, je t'entends, ouais. Ah, non, franchement, je suis tout à fait d'accord avec ce que t'as dit, et tu viens de mettre un peu de bon sens dans ce débat qui dure depuis tout à l'heure, et tu viens de dire les termes, et j'aime ça. C'est plaisir. Ah, moi, je sais pas hein, si les pro-comics... Non, là, ils peuvent pas parler. Ils n'en font rien. De quoi ? Juste, je viens de voir un truc, là. Tac. Natif de la planète Zenla, on s'en fout, a vu son monde menacé par le dieu Galactus, on s'en fout. Alors, il a accepté de s'offrir un sacrifice pour pas qu'il détruise sa planète, on s'en fout. Galactus a accepté et l'a changé en surfeur d'argent, un être cosmique. D'ailleurs, Goku, il a inclus des électrosmiques. Donc, ça veut dire que les surfeurs d'argent, est-ce qu'ils comptent dans ce débat ou pas ? Bah, si, ils comptent, ça veut dire que Goku, en fait, il peut enculer des êtres cosmiques de l'univers Marvel. C'est ça, ça veut dire ça. Ils comptent ou pas ? Non, ça veut pas dire ça du tout, déjà, c'est faux. Bah, si, parce qu'il encule, on a vu qu'il enculait les surfeurs d'argent. T'as vu ça quand ? Bah, là. J'ai pas suivi. Ouais, t'as pas suivi, ouais. Putain, j'ai pas suivi ce qu'il a dit, je vais pas te mentir, j'ai pas suivi. Résume ça en une phrase, ce qu'il a dit ? Hein ? Résume en une phrase, s'il te plaît, Ektasi. Que Goku a un niveau d'exertion plus que planétaire, on arrive même à des niveaux, on va dire, universels. Mm-hmm. Et donc ? Il avait donné par exemple. Donc, sa phare d'argent, le truc le maximum qu'on nous a dit, c'est qu'il détruit des planètes. Mm-hmm. Je sais pas, on n'a pas dit. De frappe. On n'a pas dit que c'est... Non, en termes de puissance de frappe, en fait, il a expliqué la différence. Il a dit l'époque où Goku encaissait des coups qui détruisaient une planète, c'était équivalent à l'époque où il était Super Saiyan. Quand même à l'époque, il était Super Saiyan 3, c'est-à-dire encore plus fort que ça. Quand il se battait face à Beerus, Beerus vainquait Goku d'une pichenette. Pour tenir l'écart de force. Comment il a détruit les planètes, le Goku ? Comment il détruit une planète ? Goku, il envoie un Kinoa. Un Kiowa. Ouais, on a dit quoi ? Le surfeur d'argent, il absorbe l'énergie. Non, mais je veux dire, non. Parce que Goku, il encaisse des coups qui détruisent des planètes. Ouais. Que ce soit un Kiowa ou un point, c'est un coup qui a une puissance telle que ce soit un Goku. Ça... Il les encaisse. Non, avec Freezer, à un moment, il l'encaisse. Ça détruit une planète, mais ça ne me détruit pas moi. J'entends. Ça, je te dire. Je suis d'accord. Il a encore progressé depuis Super Saiyan 2, Super Saiyan 3. Super Saiyan 3, ça veut dire qu'il encaisse encore plus, il est devenu plus fort. Quand il est en Super Saiyan 3, Beerus, il nique d'une pichenette, malgré que Goku a progressé. Après, Goku, il devient Super Saiyan God. Là, il arrive à test, donc c'est-à-dire l'écart abyssal entre sa force de frappe de Super Saiyan 3 et Super Saiyan truc. Après, Super Saiyan Blue, l'écart se creuse jusqu'à 85. Je veux dire, en gros, en termes de force de frappe, Goku, fait ça à sa force d'argent, je pense que sa force d'argent, il se mange une Ricon. Je pense vraiment qu'il se mange une Ricon. Bah, surtout que. Non, mais c'est ça que je dis. Tu sais pas c'est quoi sa capacité à absorber l'écho, sa force d'argent. En plus, ce sa force d'argent, il a des pouvoirs qui lui permettent de ne plus être tangible, etc. Tu peux pas dire ça comme ça. Je te jure, tu peux pas. Non, c'est vrai. Et toi-même, tu le sais non. Que c'est vrai. Tu non, le sais. Je sais pas que c'est vrai. Non, j'en sais rien. Après, c'est vrai que, comme tu as dit, je sais pas c'est quoi sa capacité à encaisser des coups. T'as raison, je le sais pas. Ah oui. Mais je suppose que si le mec il se fait enculer dans ses comics, c'est que voilà, il a pas une capacité. Il s'est fait enculer par qui ? Il y a juste Galactus qui lui a mis un coup de pression avant qu'il lui passe la moitié de ses pouvoirs. Mais non, il s'est déjà fait enculer. J'ai déjà vu des comics sur quoi, j'en ai déjà vu, il se fait enculer. J'ai déjà vu. Je pourrais pas te dire comme ça ce que ça date, mais j'ai déjà vu, il se fait enculer. Il se fait retourner. J'ai déjà vu un comics, il s'est retourné. Bon, j'entends ce que vous dites en tout cas. J'entends. Donc, ouais, il suffit de voir Beerus. Juste Beerus, vite fait pour terminer. Dans DBS, on nous le présente quand même. Le mec, il est dans une planète. C'est pas, il a mangé. Hop, il a posé juste son doigt sur la table. Il a fait exploser la planète. Alors, imagine un coup de poing. Imagine, je sais pas, moi, n'importe quoi de la part d'un Goku Blue Kaioken x10, x20 même. Je sais pas, on arrive à des niveaux que nous, on peut pas imaginer. Ah, moi, je suis d'accord avec toi. Je l'entends. Juste, il y a quelqu'un qui a envoyé sur Instagram, comme je ne suis pas connecté sur mon ordi, les histoires par rapport au Hakai. Apparemment, le Hakai, ça ne peut pas détruire un dieu de la destruction. Il m'a envoyé un screen du manga.
Voilà, ensuite, Dieu de la destruction. Ouais, ouais. Ensuite, il a dit quoi? Goku a jamais détourné la technique du temps de Hit. Ça n'a pas marché sur lui car il a un ki équivalent, voire supérieur à Hit. C'est dit par Whis. Et il m'a aussi envoyé la planche du manga. Donc, je confirme. Ensuite, ouais. Ensuite, Goku peut être touché par un MUI. C'est quoi ça? MUI. Il a été touché par Moro, Granola et Jiren. Ah, peut-être, oui. Ok, je l'entends. D'ailleurs, il a fini en PLS. Il m'a envoyé aussi l'image. Et personne dans DBZ ne va à la vitesse de la lumière car Gotenks prend une minute à aller chez Bou. LS égale 5 points. Bon, il fait des maths après. Faut le tour de la Terre en une seconde. Et la TP, ça compte pas? Et la quoi? Parce que d'un bout à l'autre de l'univers. Ça compte. Mais il part en volant, je pense. Non. Ouais, mais le mec, il nous parle de Gotenks Super Saiyan. Déjà, c'est pas de Gotenks à son max. Et qui fait le tour de la Terre pour s'amuser, pour esquiver Piccolo. Après, il a fait « Oh, Piccolo, je t'attends depuis le temps. » Donc, c'est pas un rapport de comparaison pour nous dire « Ah si, à vitesse et dans la nuit. » Non, je suis désolé, il n'y a pas de truc de comparaison. Bon, moi, j'ai juste lu ce qu'il a envoyé parce qu'il m'a envoyé des screens. Oui, mais un long pavé avait l'air pour répondre à des arguments qu'à aucun moment j'ai dit. C'est des arguments que certaines personnes ont dit et que moi, j'ai pas besoin. Bon, là, il m'envoie encore des messages. Non, Gotenks, allez chez Bou. Arrête de me parler sur Insta. J'arrête mon tel, plus de tel. Parle dans le chat, c'est mieux. Parce qu'après, je suis perdu. Gotenks, il faisait le tour de la Terre pour s'amuser, frère. Après, il s'est posé, il a fait une sieste. Il dit bon, je vais un point, Goku. C'était quoi? Non, c'était Gogeta contre Broly. Mais on va. Je pense que Goku, il tient Broly au bout d'un moment. Ça, ils ont créé une nouvelle dimension. Ils se battent dans une autre dimension. Et au bout d'un moment. Non, mais c'est des arguments pétés. Je sais pas. Donc, Ecstasy, est-ce que t'as un mot de la fin? Oh non, ce sera tout. Hein. Juste bien joué pour votre émission, hein, franchement. Ça fait plaisir au taf, les rediffs, elles font vraiment plaisir. Hein. Ah bah c'est gentil, ça dit, tu viens de la découvrir. Ah non, ça fait pas mal de temps, mais pendant le taf, dans les oreilles, ça fait vraiment plaisir. Ah bah c'est gentil, en tout cas merci que ça s'y prend soin de toi. Ah, merci, salut, tu reviens quand tu veux, bien évidemment. Team DB, on les aura tous. Bien sûr, bien sûr. Salut. Et à plus. Et nous, on va finir avec Moussa. Le surfeur voir dans le futur. Ouais, mais quand il se fait rouler par Galactus, bizarrement, là, il voit pas le futur. C'était avant Galactus. Tu fais chier. C'était avant Galactus, la double, et le prend comme élève. Il avait pas ce pouvoir-là, ce moment-là. Et tu le sais très bien. Moussa, allô. Ouais, vous m'entendez? On t'entend parfaitement, comment ça va? Allô. Ah, il s'est mute. Attends, Moussa. Moussa, 1-2-1-2. Moussa, allô. On a des problèmes de micro apparemment avec Moussa. C'est bon, là, non. Ouais, c'est bon. Ouais, désolé. 91. Ok. Donc, la meilleure, quoi, la base. Et du coup, moi, c'est un peu spécial parce que moi, j'étais comme Kikou. Hein. J'avais pas d'argent de poche le samedi. Non, mais pas ça. Voilà. Pixel Magazine, tout ça, non, c'était pas pour moi. Mais du coup. Par contre, DB, ça passe à la télé, donc on connaît. Moi, je suis fan de DB, mais c'est pour ça que... Après, je pense que... Bah, du coup, je suis là depuis longtemps, et je pense que Marvel, il va me mettre une pichenette, il va me cancel en deux secondes, parce qu'il a déjà dit un truc qui va... Bah, c'est complètement supprimer ce que je veux dire, je pense, mais juste laisse-moi aller jusqu'au bout de John, juste pour le sport, vas-y. Tu vois. Mais du coup, on parle bien des gars qui viennent, qui se font un one-to-one. Et déjà, une petite remarque depuis le début, à chaque fois, vous dites Goku. Et des fois, ça finit en draw. Mais du coup, quid de Vegeta? Parce que si Goku fait match nul... De Vegeta? Vegeta, il se fait rouler. Vegeta, il se fait rouler. Non. Vegeta, il se fait rouler. C'est pour ça qu'on n'en parle pas. Vegeta, il se fait rouler. Vegeta, il se fait rouler. Ah, si tu dis Goku fait match nul, Vegeta, il se fait rouler. Non, Vegeta, Gogo, Mamamano, lui, sa nouvelle transformation. John. Je suis pas DPS, John. Kikou, John. Tu peux pas parler. John. Vegeta, ouais, mais... sa John. Nouvelle transformation, quand il se mange des coups, il devient plus fort. John. Ah ouais, ouais, il a raison. John. Bon, il a pas ultra instinct, tu vois, par exemple. John. La plupart des trucs que tu contestes. Attends. Avec ultra instinct. Il devient attends, plus fort à chaque fois qu'il en... Plus John. Ton coup il est puissant, plus il est fort. John. T'as pas regardé. Écoute, j'ai pas regardé, c'est pour ça que je vais te poser une question très simple. Qui gagne entre Goku et Vegeta? Goku gagne, je pense, moi, entre les deux. Ouais, donc, qu'est-ce que tous les coups? Vas-y, Moussa. Non, mais vas-y, ça répond pas, oui, mais ça répond pas à la question. Mais tous les point mecs, quand je te dis, Vegeta aussi, les point encules. Suivant. Non, point suivant. Bah, point suivant, juste, alors, pour continuer sur les observations, juste, mais déjà, je vois pas pourquoi on parle de Hakai, parce que si on parle de Hakai, on parle pas, parce que Marvel a raison, à Hakai, ça te décompose, c'est terminé. Mais pour moi, c'est dans ce cas-là, on parle de Zeno, quoi. On parle de Zeno, on parle de tout ça, et c'est terminé, quoi, parce qu'ils peuvent rien faire face à ça. Donc, pour moi, on n'en parle pas.
Et s'il y avait un autre truc aussi, ouais, quand on parlait de durée dans le temps et tout, faut pas oublier que Goku, bah, comme tous les Super Saiyans, leur point faible, c'est justement ça. Goku, il va pas en Super Saiyan God acheter une baguette ou quoi. Et son Non, on l'a problème, dit, on c'est l'a dit. que, bah, voilà, son problème, c'est vraiment de tenir. Donc, on se pose pas la question de qui c'est qui va perdre son énergie en premier. On sait que c'est Goku. C'est son problème de tenir. Et d'ailleurs, avec le temps, dans DBS et tout, il fait plus de strats pour justement utiliser les bonnes transformations au bon moment, etc. Donc ça aussi, ça c'est sûr. Mais du coup, moi je vais pas trop me concentrer sur Goku, mais plutôt sur Vegeta. Parce que moi, ce que je veux dire, c'est que Vegeta. Le pauvre. T'es venu l'enfoncer. Je le préfère à Goku en plus. Mais la vérité, c'est que c'est un débile. Voilà. Le match, il a déjà eu lieu, c'était contre Cell. On sait très bien que c'est un arrogant. Ah, Quand il il va va avoir perdre un mec Vegeta, il qui se fait peut rouler. devenir. Quand il va avoir un mec qui peut devenir plus fort dans le temps, par exemple Hulk, il va faire le malin. Et jusqu'au moment où Hulk il va devenir plus puissant que lui, il va lui écraser la tête. Ça, c'est la vérité. Ah mais là ouais, Merci. mais là, on parle pas des personnalités en soi. On n'a Bah, jamais tu dit vois, c'est ce ça. que j'allais On n'a dire. jamais dit ça. Si, il a Nous, on dit. l'a dit à un moment. Si, À un il moment, a on l'a dit. dit. Ah ouais? C'est pour ça que je savais qu'elle allait me cancel, mais on Ouais. n'a pas dit. Vous avez pas dit ça au tout début, en tout cas, Ouais, on j'avais l'a pas pas dit au tout compris. début, mais Moi, on je l'a l'ai pas dit, dit. en tout cas. Peut-être que John, il l'a dit dans son coin, Ouais, quand John ça a l'a pris, il a arrangé, dit. mais moi, j'ai pas dit ça. Hein. C'est pour ça que c'est pas grave si John n'est pas d'accord avec moi. Mais parce que moi, je prends les personnalités. Je prends deux gars, ils arrivent, ils sont un 1-1. Et on voit comment ça se passe. Et on sait que dans ces cas-là, Hulk, il se pointe devant Vegeta. Vegeta, il va commencer à lui mettre des petites patates. Il va voir qu'il se met en colère et qu'il est plus puissant. Il va dire, ah, cool, il va continuer. Jusqu'au moment où bah, il va passer de l'autre côté. Parce que c'est l'infini pour Hulk, la puissance. Et il va... Donc à un moment donné, il sera plus puissant que la puissance de Vegeta qui est finie. Et il va le défoncer. Non, 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 c'est infini aussi. Quoi? La Les puissance de Saiyans, ils quelqu'un leur infini? disent. Les Ah Saiyans, c'est oui. une puissance Non, infinie. non, Ouais, il faut non, augmenter, non, ouais, mais mais c'est pas le même principe, ils il augmentent faut pas. qu'il meure Non, d'abord. Enfin, il faut qu'il perde c'est pas d'abord. pareil. Tu vois, il faut qu'il perde. Il aura déjà Non, perdu avant de passer faut au-dessus. qu'ils s'entraînent ou qu'ils perdent, oui, Ah, voilà. d'accord. Donc, au match retour, si tu veux, mais comme on a dit, on revient pas. Si t'as perdu, t'as perdu. Il y a un mec qui Pour dit moi. Marvel, le Hakai ne permet pas de détruire quelqu'un d'immortel. Ah, mais il dit n'importe Je l'ai dit quoi, puis ça. tout à l'heure, Non, je le laisse. Hakai, non, le Il... Hakai, ça détruit, il a raison. Il a raison. Non, Ça détruit, ça ah ouais? détruit. Mais par contre, il y a un Bah... truc sur lequel tu as dit, je suis pas trop d'accord, Marvel, sur l'ultra instinct. Enfin, pour moi, l'ultra instinct, après, c'est peut-être moi qui me plante. C'est pas genre, tu as l'ultra instinct, tu prends plus de coups. C'est juste, tu es extrêmement rapide et tu es le plus rapide que tu pourras l'être dans ta vie, en fait. Parce que ta conscience se sépare de ton corps et tu fais les trucs par pur réflexe. Mais s'il y a un Il y mec qui est avait plus rapide que tes réflexes, il te met des patates. un mec qui m'avait dit justement que en ultra instinct là, MU8, je sais pas quoi, il s'était pris des coups par je sais plus qui, hein. Il avait dit ça, le mec, Ouais, il ça. esquivait les coups, il les touchait à peine. Il... Ouais, C'est non, un mais mec. après, Ah, il est c'est super par rapide. Moro! Mais Moro aussi est en ultra instinct. Ouais, voilà, c'est enfin, il faut être vraiment rapide, mais Oui, les c'est pas ultime, deux. quoi. Oui, C'est c'est pas pas ultime. ultime. Oui, c'est à l'autre mec. Oui, ok, on est d'accord. Voilà, donc moi, c'est juste par rapport à ça, si on fait rentrer. Parce que franchement, en plus, je m'en bats les couilles, moi, des Marvel et tout, mais je sais cette info sur Hulk, et si on prend cette info sur Hulk et qu'on connaît Vegeta, on sait très bien comment ça va se terminer. Non, je l'entends. Ok. Est-ce que Voilà. tu avais un point de plus à rajouter ou... Je suis désolé pour ta soirée d'hier avec Seigneur des Anneaux. Ah Ah, bah. regardez! Attends, Van Damme, il dit un truc intéressant, c'est vrai que j'avais oublié. Vegeta, il est capable de retirer toute l'énergie que les gens qui ne sont pas deux, qu'ils ont absorbé par X ou Y truc Attends, à chaque stop. coup. Attends. Attends, parce que attends, déjà, t'as pas lu le truc. Merci, Van, pour les 5 balles, qui dit Merci, Ivan. Vegeta bat Hulk au cas où, car il peut retirer toute l'énergie absorbée par Hulk, donc également le surfeur. Voilà, maintenant, j'arrête, Non ciao. mais non mais ça c'est un Merci, nouveau au truc qu'il vient de revoir. faire. Non mais ça c'est Stop, un nouveau stop. truc qu'il vient de faire, il le fait à Oui, moi. et alors? Il le contrôle pas super bien. Il le Là je contrôle connais super pas ce bien. truc, hein. T'es Là un je connais menteur, pas il ce le truc. contrôle super Ah ouais? bien. Il l'a Stop, fait avec stop, Moro à l'aise. stop. Moi je le connais pas ce truc. C'est quoi? Explique-moi, John. C'est en gros, à chaque fois qu'il te met une patate, si t'as eu de l'énergie que t'as chopé à d'autres personnes ou à d'autres trucs qui n'est pas de toi-même, ton Oui. énergie, l'énergie elle se barre. Ça Ah fait mais que je suis pas chose sûr que que. ça marche avec Hulk. Parce Si, ça que. marche, ça marche, Non, ça parce marche. que Hulk, c'est plus il se vénère. Non, non, Hulk, Plus c'est tu le mets en l'énergie run. qu'il a. C'est Non, pas. Non, tout non. à l'heure, on Quand... nous a dit que Hulk, il avait absorbé l'énergie de la planète, je sais pas Oui, quoi, mais je ça sais veut pas. dire que même s'il a absorbé ça il y a 20 ans, je te le prends, c'est ça? Ou exactement. Normalement, c'est Ok. s'il absorbe Même, ouais. l'énergie qui n'est pas à lui. Ok. Oui, bah c'est pas à toi, c'est Ok, l'absorbe. Oui, mais bah c'est pas à toi. après ça, Je moi je suis l'entends, pas je l'entends. spécialiste Marvel, Je mais l'entends. Végéta, Non, je l'encule. l'entends. Non, mais je Je suis pas l'entends, je j'entends. spécialiste Marvel, mais moi je te J'entends. parlais du côté plus il est vénère, plus il est puissant, et théoriquement c'est infini. Ça, c'est sa puissance à lui. Ouais. Mais tout à Non, l'heure, non, je. non, mais non, non, le Le Hulk Breaker machin, il est devenu aussi puissant Ouais. parce qu'il a absorbé, je sais pas Bah quoi, je sais pas quoi. lui, Ça, non. ouais, lui le rend minime, ouais, ça c'est sûr. Vegeta, Lui, il il absorbe arrive. bien Ouais, Hulk. ça c'est vrai que Vegeta, s'il arrive à le toucher en tout cas, il lui met des patates et il le rapetissit Ok. en deux Donc secondes. Vegeta, en je fait, il l'entends. n'a qu'une surfeur d'argent qui absorbe Stop, lui stop. aussi Non, non, l'énergie. non, 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 non. Il Ça, c'est absorbe pas. aussi Non, l'énergie, non, sa non, surfeur non, d'argent. non, non. Ça, c'est différent. Hein? On n'a pas dit qu'il est devenu Non, fort ce parce qu'il qui. a absorbé l'énergie. Ouais, Ça, c'est voilà. différent. On a dit quand Ouais. tu te bats contre lui, il peut absorber ton énergie. Donc, C'est ça, c'est ça. différent. Attention. Ouais, c'est Doucement. différent. Ok. Ah, Hulk, c'est je te comme je le disais. donne. Surfeur d'argent, je te le donne pas. C'est comme si tu disais Moro Là, t'es classique, gourmand, mais t'es t'es déjà gourmand. le cul En à tout cas, Vegeta. Hulk, on peut le virer. Hulk, on le vire de la liste, surfeur Hulk. d'argent, et ça.
Hulk, Attends, ça dépend, ça dépend le Hulk. Enfin, moi, le Hulk que je le connais, plus puissant, c'est un Hulk qui devient. Machin. Eh, c'est le plus puissant là dont on parle. Non, 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 mais les gars. Là, tu parles ton Hulk qui se fait niquer par Wolverine. C'est le plus puissant. Les gars, Breaker Mercury, c'est le plus puissant. Ouais, mais c'est le plus puissant pourquoi? Parce que l'autre, il s'est pas pointé devant Vegeta, c'est tout. Enfin, dans l'idée, là, je dis pas ça pour troller. Mais dans l'idée. C'est quoi, t'as dit? Parce qu'il s'est pas pointé devant Vegeta. Mais dans l'idée, s'il se pointe devant un mec, il va le foutre en run jusqu'à ce qu'il devienne ultime, parce que sa puissance est illimitée. Et bah théoriquement, on l'a pas vu, mais il existe ce gars. Tu vois ce que je veux dire? Théoriquement, Vegeta il arrive, il commence à lui mettre des patates jusqu'à ce qu'il devienne ouf et qu'il est plus fort que lui, c'est tout. Moi c'est ça que je dis. Donc c'est pas une question de c'est pas le plus puissant. Ouais, mais moi je rentre pas dans ton délire de personnalité. Ouais, si tu rentres pas dans mon délire de personnalité, on reste bon ami, tu vois, mais voilà. Ok. Et juste, il y a Mamadou qui dit le surfeur d'argent, il a pas l'énergie de Galactus. Non, il a ses pouvoirs. Et Tommy qui dit ok. Mais Hulk, il fume quand même Goku, alors. Non. Ça me fume. Ça non, me mais fume. Par contre, justement... Mais c'est vrai que s'il a l'énergie de Galactus, Vegeta, il lui enlève. Hein. Il a pas Galactus, il a ses pouvoirs. Oui, mais c'est Galactus qui lui a donné, c'est pas lui. Vegeta, il lui enlève ses pouvoirs. Des capacités. Il fallait aussi les pouvoirs. T'as pas vu. Je connais pas ton truc de Vegeta, c'est pour ça, moi. C'est un nouveau truc. C'est un nouveau truc. Si t'as pas l'énergie que toi-même, si t'as l'énergie que t'as volé à quelqu'un ou quelqu'un t'a donné... C'est pas l'énergie. Parce que même une fusion, il peut te l'enlever, Vegeta. Il te défusionne. Il te défusionne. Une fusion, ce que tu veux, une patate, c'est bon, oublie. Donc je pense qu'il encule sur fort d'argent. Et il enlève ses pouvoirs, il redevient le random. Il redevient le random qu'il était à l'époque. Donc merci de m'avoir rappelé cette capacité. Mais après, ces trucs-là... Vegeta, tout seul, il encule toute la... Ah, putain. Il encule tout le monde. Ça, c'est faux. Il les encule tous, Vegeta solo. Ça, c'est faux. Ça, c'est faux. Ça, c'est faux. Bah si. Pareil, tu connais pas. C'est ça le problème. C'est vrai, il a raison sur ce qu'il dit John, c'est la vérité, c'est dans le DBS. C'est comme ça qu'il défonce Bourreau. Je sais rien, je connais pas vos trucs. Donc, est-ce que Moussa, t'as un mot de la fin? Heureusement que ce chapitre, il est sorti la semaine dernière, parce que sinon, c'était chaud. C'est vrai qu'il y a un mois, c'était chaud. C'était il y a longtemps. Ah, c'était il y a un mois ou quoi? Là, il y a beaucoup plus, il y a beaucoup plus. Ah oui, c'est Donc, vrai, Moussa, ça sort tous les mois, t'as raison. Ça date. Est-ce que t'as un mot de la fin? J'ai oublié. Non, c'est cool vos lives. Ouais, voilà. Demain, je voulais troller sur Lord of the Ring. Moi, je suis d'accord avec John. Voilà. Après, ah, merci, c'est gentil, Moussa. Ils ont voulu m'humilier. C'est pas, ils ont voulu t'humilier. Tu t'es fait humilier. Mais c'est pas. J'avais c'est pas payé, je pouvais plus rentrer dans le Zoom quand je suis arrivé. Mais t'avais raison, John. Merci. Ah non, merci, oui, à partir d'un moment, on coupe parce que sinon, c'est infini. Les gens, ils viennent à la fin. Vous avez raison. Y'a pas de soucis. En tout cas, merci, Moussa. Reviens quand tu veux. Allez, quand tu veux. Prends soin de toi. Salut, salut. À la prochaine. Et nous, on a fait le tour. On a fini. Exactement. Bah, en résumé, hein, on peut dire clairement, Vegeta encule tout le monde. On l'a pas compté, le pauvre, j'avais oublié, il encule pratiquement. Parce qu'en fait, là, on a mesuré Hulk sans faire d'argent. Dommage, personne n'est venu défendre la meuf invisible. Je vous attendais au sniper, mais les gens sont pas fous. voilà, c'était principalement ces deux. Et l'autre, là, comment il s'appelle le soi-disant Superman là, avec les points du soleil, là. C'est pas Sphinx, c'est. J'ai oublié, attends. Bref, c'est trois guignols. Attends, je dois l'avoir quelque part, ce con. Attends. Santix. Attends. Santix, ouais. C'est. Sentry, pardon. Sentry. Sentry, ouais, c'est ça, Sentry. Bah, Goku, en résumé, Goku, il en nique au moins deux, facile, et sort fort d'argent, il y a match. On sait pas. C'est le hasard. Ah, attends, Vegeta, juste une question. Les trois. Admin, c'est un membre, lui, je crois. Hein. Admin je vais vérifier. C'est qui, Admin? Je sais qu'Admin, c'est un membre, mais je sais plus c'est qui. Pourquoi il s'appelle Admin aussi, ça le problème. C'est quoi son nom de membre? Ramène-le. C'est... Je sais pas, bah, on va le prendre, hein, mais je sais pas. C'est dans le doute, tu vois. Il t'a dit qu'il était membre? Non, mais la dernière fois, il est passé, il était membre. Ouais, c'est vrai. Mais je sais pas c'est qui. Parce qu'il s'appelle l'admin sur le truc. Attends, Pascal, déjà, t'as pas lu le truc. Merci, Van, pour les 5 admin, balles. Stop. Admin, stop. Ou, car il peut retirer admin. Toutes les... Par Hulk, donc également le surfeur. Voilà, admin. Bon. Admin, je t'émute. Quand t'es prêt, envoie un message dans le Zoom, s'il te plaît, pour que je vois que t'es prêt. Ok, donc ouais, je disais bref, Goku pour moi, il y a match nul, enfin on sait pas ce qui se passe avec sa force d'argent, parce que c'est ambigu, mais Vegeta ils ont plus les trois, voilà. Ok, pour ta conclusion. Putain, mais Admin c'est Zod, il est déjà passé, qu'est-ce qu'il est venu foutre là? Ah, il est déjà passé. Hein. Juste, les gens, quand vous venez sur Zoom, mettez pas Gardez... des Admin, des iPhone, de je sais pas quoi, sinon on sait pas qui est qui. Zod, allô? Allô, ça va? Ouais, pourquoi t'es Zod, revenu? Zod, t'es déjà passé toi? Ouais, non, mais c'était pour dire, pour avoir la téléportation. Quoi? Ouais. Parce qu'en fait, c'était pour ça que John disait que si Goku téléporte Sentry où il n'y a pas de soleil, Sentry était, entre guillemets, perdait le combat.
Ton Sentry, on a déjà dit que c'était fini, il n'arrivait pas à gagner. Pourquoi t'es revenu pour ça? Parce que le Sentry téléporte aussi. Et donc, ça change quoi au fait qu'il se fait rouler? Mais il ne se fait pas rouler. Il se téléporte, il se téléporte. Donc, il y a un no-match. Il y a un no-match. Bon. Chacun fuit. Bah ouais, ça pourrait être ça. Lui aussi, il a des pouvoirs que Vegeta avec son truc sorti, je ne sais pas quoi, il va absorber, c'est ça? Non, parce qu'il a la régénération, Sentry. Ah, mais Boubou, s'il l'avait. Et il s'est quand même fait rouler. Ouais, mais ça, c'est parce qu'il a utilisé Genki Dama. Même avant, il se faisait enculer par Vegeta pour toi, la régénération. Pas faux. Non, mais regarde, même régénération, ça t'empêche pas d'avoir la fatigue. Au bout d'un moment, c'est pas infini, la régénération. Ah, tu peux te faire rouler, je suis d'accord. Non, c'est limite infini. Il y a un mec qui dit il a Void Sentry. C'est quoi Void? Void, en fait, c'est l'alter ego de Sentry, mais c'est en fait, il est incontrôlable. Parce qu'en fait, Sentry, il est schizophrène. En fait, Sentry, il se... Ouais, bon, c'est pour ça, moi, je me base que sur Sentry, tu vois. Ok. Donc, c'était pour ça que tu étais venu dans le Zoom, là? C'est bon? Ouais, non, mais en fait, je voulais venir au Smoke, mais... Bah, tu reviendras au Smoke, parce que pour l'instant, ton Sentry, c'est violé. Revenez avec vos stats réels. Avec vos images. Je veux des images, je veux le nom du comics, je veux l'image du comics. Où il encule, ou bien c'est dit qu'il fait ci, qu'il fait ça, parce que vos suppositions, vos je sais pas quoi, précis, ça faut être précis. Faut être précis. Non, mais je reviendrai avec les pages et tout, pour parce que Kiku, tu donnes trop de puissance à la mauvaise foi, notre jutsu de... Non, je canalise. Ouais, ça, tu commences à te déborder un peu. Hein. Non, ah, plus pas du tout. C'est bon, lire-le. Il essaie de te faire détourner du droit chemin. Il n'arrivera pas à le tourner. Tu reviens quand tu veux, en tout cas. Passe une bonne soirée. Et donc, John, lui, il a fait sa conclusion. Moi, voilà. Pour ma conclusion, votre débat, j'en avais rien à cirer, mais c'était marrant, en soi, de faire, entre guillemets, l'arbitre, c'était marrant. Aussi, le fait qu'on a commencé à prendre des personnes en un contrat, on va dire, et nous, on arbitre, ou même si John, lui, il était avec tous les mecs qui étaient sur DB, mais ça, c'est autre chose. Mais ça aussi, c'est intéressant. Donc, en fonction des sujets qu'on va faire, parce qu'on va commencer à essayer de mettre en place des petits versus, un peu comme ça, sur d'autres sujets, bien évidemment. Et ça peut être intéressant d'avoir aussi deux intervenants qui viennent directement pour parler entre eux. Et en même temps, nous, ça parle. C'est un sujet comme ça où, par exemple, sur les comics, il y a des mecs qui sont vraiment très poussés, très déterres. Et je ne vais pas forcément avoir les arguments parce que je n'ai pas lu le comics pour pouvoir les stopper. Donc, qu'il y ait quelqu'un d'autre qui réagit en même temps pour dire non, là, tu mens, là, c'est faux ou là, c'est vrai, ça permet d'être plus clair. Exactement. Et même pour vous, je pense que c'est aussi agréable à écouter ou à regarder, ça dépend de comment... Et au final, on apprend des trucs, hein. On a appris beaucoup de trucs sur les comics, franchement. Et en plus, le temps, il est passé plus ou moins vite parce qu'on prenait plusieurs personnes en même temps, etc. Donc, c'était cool. Et puis, par rapport à tout ça, c'était... En vrai, c'était sympa, ça reste un truc... Ah, mais t'as pas dit ta conclusion à toi. Ma conclusion? Pour qui encule qui? Pour moi, comment il s'appelle? Le Saffaire d'Argent, au pire match nul, sinon il gagne. Contre Goku et Vegeta, il gagne. Attends, mais Vegeta, on vient de te dire qu'il lui enlève sa puissance qui a été donnée. Non, justement, parce que je t'ai dit que... Pardon. Je t'ai dit que... il n'a pas eu de truc à absorber comme Hulk ou je sais pas quoi, le Saffaire d'Argent. C'est ça que je te dis. Oui, mais Saffaire d'Argent, sa puissance lui a été donnée par Thanos... par Galactus. Et donc, il peut enlever ça aussi? Ouais, il dit, ah, c'est pas de toi, ça. Patate, s'il peut enlever ça, le Saffaire d'Argent, il bat Goku et il se fait rouler par Vegeta. Merci. Donc, pour moi, c'était ça. Tac, 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 tac. Ensuite, pour lire un petit peu, si vous n'avez pas les 10K dans 23 jours, Kiku, tu comptes toujours arrêter? Oui. Vous pensez que je rigole, mais je suis sérieux. Donc, abonnez-vous, les gars. Non, vous pensez vraiment que je rigole, mais je suis sérieux. Ce qui va se passer, c'est que ce mois-ci, on va essayer de faire des feats un peu plus gros que d'habitude, on va dire, en termes d'audience. On va essayer de commencer à parler de sujets plus tactiques, entre guillemets, si on n'a pas les 10K à la fin. Moi, à côté, je travaille tout ça, je passe à autre chose. Hein. Je suis pas. C'est pas. Je dis pas ça en rigolant, hein, je suis sérieux. Donc, c'était tout. Et nous, on se dit à. Demain, on aura deux invités. On dit maintenant qui? Demain, oui. Ouais, non, ils verront demain. Demain. On peut leur dire, j'en sais rien. C'est comme... Moi, je m'en fiche, c'est comme tu le sens. Moi, je m'en fiche aussi, bref. Comme tu le sens. Demain, ça va on bien va se passer. Avoir deux invités, un mec, une meuf, ça va être cool. Le sujet sera intéressant, encore plus que la dernière fois. Donc, on se dit rendez-vous à demain et passez une bonne soirée. Allez, à la prochaine. Bang, bang. Salut. Salut.